Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce week-end, j'espère que la qualité va être au rendez-vous et que ce live va vous plaire. Sans plus tarder, bah, je vais vous dire le sujet du live. Donc ce soir, on va parler des concours d'aquascaping, donc c'est un sujet assez complet, il y a plein de choses à en dire. Et pour ça, j'ai invité Aymeric Bernard et je vais vous le présenter tout de suite, enfin il va se présenter d'ailleurs tout de suite. Voilà, bonjour Aymeric. Bonjour, bonjour. Donc, alors, moi c'est Aymeric, plus connu sur les réseaux avec le nom Aymeriscape Aquascaping. Et donc moi, ma passion dans l'aquariophilie, c'est donc l'aquascaping. Donc c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis bah, je te remercie Annie du coup pour cette invitation. Et donc nous allons partager ensemble le domaine du coup des concours de l'aquascaping. Alors pour parler un petit peu plus de moi, moi j'ai commencé l'aquascaping il y a à peu près 6 ans maintenant et clairement je suis un mordu d'aquascaping. Je fais des concours un peu partout en Europe. Maintenant ça arrive aussi que je juge quelques concours et donc voilà. Si vous avez des questions et tout ça sur justement l'aquascaping, bah, ce sera avec plaisir que j'y Est-ce que tu répondrai. peux déjà, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui à chaque fois posent la question, qui ne connaissent pas encore l'aquascaping, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ta définition de l'aquascaping? Alors tout simplement, l'aquascaping, en fait, c'est l'art de créer, de moduler en fait des éléments naturels qu'on peut trouver en aquarium pour reproduire un paysage qu'on peut soit voir quand on se balade en forêt ou je sais pas si vous faites des voyages, etc. Voilà, vous pouvez admirer un paysage et essayer de le reproduire dans un aquarium tout en mettant des éléments naturels et puis bah tout en respectant également le Ouais. bien-être des plantes, mais aussi des Ok, donc ouais, c'est les roches, les racines principalement, et puis les plantes d'aquarium principalement. Après, les poissons, c'est un petit plus, mais c'est pas souvent le sujet, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est un peu secondaire. On utilise beaucoup pour animer un petit Ouais. peu et faire penser comme si c'était des oiseaux qui étaient dans le paysage. Mais c'est vrai que c'est une aquariophilie où on va se concentrer vraiment sur le décor et on va créer comme un peintre fait sur son Ouais. tableau. Ça va être vraiment sur ce côté-là, quoi, Ouais, artistique. On c'est va utiliser en vraiment fait l'aquariophilie. créatif et artistique, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Et ça allie les deux passions. Et donc c'est vrai qu'on va créer quelque chose qui va être vraiment décoratif en fait pour son environnement, que ce soit pour votre salon, votre chambre, etc. Et on va animer un petit peu avec des poissons. Et c'est vrai que le poisson n'est pas l'avantage, enfin C'est c'est pas sûr. l'aquariophilie pour le poisson, quoi. Alors, on va regarder un petit peu vos questions. Alors, évidemment, on va prendre des questions aquascaping au sens large, mais vraiment, si vous avez des questions sur les concours, n'hésitez surtout pas. Alors, déjà, Aymeric, est-ce que tu peux nous dire en France ce qu'on a comme concours d'aquascaping? Parce que c'est pas toujours très très bien défini, c'est pas évident d'avoir les infos, où ça se déroule, tout ça. Il y en a par photographie, donc par internet, et puis il y en a aussi en live, ce qu'on appelle en live, dans des magasins, qu'est-ce qu'on trouve le plus facilement en France pour participer à des concours? Alors, du coup, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a deux concours, photo et live. Alors, je vais commencer déjà par le concours live. En fait, c'est souvent organisé dans des magasins. Donc, ça dépend des enseignes, ça dépend des magasins. Je sais que pendant des années, il y en avait du côté de Orléans chaque année. Après, il y en a eu aussi du côté au sud de Bordeaux. En Bretagne, moi, j'en ai organisé quelques-uns pour essayer de développer aussi un peu la chose et c'est vrai que c'est alors c'est pas souvent en plus là avec la période de Covid Ouais, bah ça a c'est été un peu compliqué, mis ouais. en stand-by. C'est très très compliqué là il y a une semaine j'étais en démonstration, il y a pas eu énormément de monde, on n'arrive plus vraiment à capter beaucoup Oui, de parce que monde et tout d'habitude, ça quand même, mais dans les dû démonstrations ou dans les concours live, ça rapporte quand même pas mal de monde en général. Il y a quand même pas mal de monde. Des fois, les organisateurs sont obligés de mettre des barrières parce que les gens viennent, discutent et tout. Et c'est vrai que des fois, ça prend un peu de place. Et donc, en fait, ça, c'est des concours qui sont organisés donc par les enseignes où généralement le matériel est fourni. On a donc il y a une présélection en fait, hein, tout simplement. Ils mettent l'annonce
On envoie par un mail une photo d'un bac, on fait une petite présentation et tout ça. Après, on est sélectionné ou non. Et ensuite, ils vont nous envoyer les dispos qu'ils peuvent avoir en roche, en D'accord. racine. Forcément, avoir la... enfin, on a juste à peu près les tailles, en fait. On a les tailles et puis une liste de plantes qu'on peut commander. Donc, généralement, on fait une présélection. Et après, on arrive en fait le jour J, et puis bah, c'est là où on doit faire directement sur son bac. Ça dépend, il y a des concours où on va avoir des bacs, des grands bacs, donc du coup, ça dure généralement la journée, ou alors des fois, ça peut être juste sur Ouais. l'après-midi avec des vidéos. Et c'est vrai que souvent, il y a quand même un budget à peu près 200, 250 euros à ne pas dépasser, donc on D'accord, oui. doit être un Donc peu. ils mettent vraiment un budget, c'est vraiment organisé parce qu'on a l'impression quand on voit ça en tant que spectateur que voilà, on dit aux aquascapeurs qui sont là pour concourir, bon bah servez-vous, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous avec ce qu'on a dans le magasin. En fait, c'est bien plus organisé que ça. C'est ça, c'est, il y a quand même, c'est bien organisé, c'est commandé au préalable. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les tailles, enfin, on a les tailles, mais on n'a pas la forme, etc. Donc, il y a toujours moyen de, en gros, je veux pas cette racine, mais je te prends une plus petite, et du coup, on réduit un peu le budget, etc. On s'arrange comme ça. Et en fait, bah voilà, soit on a la journée ou l'après-midi pour le faire, et puis bah c'est toujours dans la bonne humeur et tout ça, avec les personnes qui partagent du coup la Oui, même c'est ça. passion. Souvent, alors sur des gros concours, vraiment sur des gros concours, on a une catégorie expert et une catégorie débutant. Alors expert, ça ne veut pas dire qu'on est professionnel ou quoi que ce soit, hein, c'est juste qu'on a l'habitude d'en faire et que eux-mêmes, en fait, par rapport aux photos que nous on envoie, ça, bah, ils sachent un petit peu comment D'accord, oui, c'est classer vraiment tout ça. l'organisateur en fait qui détermine plus ou moins le niveau dans lequel tu vas être. Voilà, et donc après voilà, on fait le bac. Donc évidemment, ce bac, en fait, on va le faire comme s'il avait poussé déjà depuis quelques temps. Donc c'est sûr que un pot d'Héliocaris, par exemple, on va pas le dépiauter brin par Ouais. brin et puis le mettre. En fait, c'est complet. Il faut vraiment que ça ait un effet vraiment Oui, il faut que ce soit poussé. visuellement Après, tout de suite voilà, imposant, quoi. c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut que comme si le bac il avait poussé déjà depuis quelques mois. Et en gros, après, on a, alors des fois ça arrive qu'on a une présentation à faire au niveau des jurys. Donc souvent c'est soit des commerciaux de la marque qui sponsorent ou du coup des personnes qui travaillent hein, Ouais. dans le magasin. Des fois il y a des votes publics également. Et donc on a soit un petit discours comme ça, expliquer pour quelle technique on a fait, pourquoi, voilà, on explique. Et après, du coup, ça passe en jugement et puis on a le résultat à la fin de la journée. Donc ça, c'est pour vraiment les concours live en France. J'ai déjà fait des concours en Allemagne, par exemple. C'est différent, en fait. L'Allemagne, eux, ont tendance à avoir un sponsor qui va nous envoyer le bac à la D'accord. maison. On le fait à la maison et on l'envoie directement sur le salon. Donc ça, c'est toute la gestion du transport. Donc quand on fait le bac, évidemment, il faut Ouais. concevoir pour pas que ça bouge. Petite anecdote, une première fois, j'avais été sur Hambourg. À l'époque, j'avais pas le permis, j'avais pris le train, j'avais pris la voiture, j'avais pris le bus. Enfin bref, j'avais tout fait mon truc. J'avais à peu près 10 kilos de roche dans un petit 30 litres. Dès le premier trottoir que j'ai passé, il Ouais, avait toi t'es fait péter le tombé. bac. Voilà, il avait pété. Et en fait, je l'ai recollé directement en Allemagne sur le salon avec le couvercle. On avait rempli. Enfin, c'était un gros, gros, grosse, grosse galère. Ouais, mais ça fait de Et mais voilà, l'expérience, au moins maintenant tu sais quoi. c'est ça. C'est toute cette gestion-là. Et en fait, on envoie sur le salon les juges. Du coup, jugent le bac et souvent le dimanche, hein, parce que ça dure sur le week-end. Oui, c'est souvent les Souvent le week-ends. dimanche, en fait. Ouais. Et du coup, souvent, voilà, c'est jugé, et puis après, soit on repart avec le bac, soit on décide de le vendre, etc. Donc ça, c'est vraiment la méthode allemande, où généralement, ils nous fournissent le bac, on paye juste le transport D'accord, de oui, c'est l'aquarium. vraiment En très fait, différent en fait, hein. voilà, c'est ça. Et là, bah, c'est vrai qu'en Allemagne, ça se fait comme ça. Il y a le plus gros concours live européen, et encore avec Vivarium, ça commence à prendre un peu de l'ampleur, mais le Heartplanted, qui se base en Ouais. Allemagne pendant le salon Interzoo. Bah, ce concours-là, je m'étais intéressé une fois pour le faire. Donc, il y a soit par équipe, soit en solo, soit en anneau, soit en grand bac. Et en fait, on paye le bac, on l'achète, en Ah fait. d'accord. On le paye.
et on doit envoyer son matériel en plus. Des plantes, les racines, les roches et tout. Donc, c'est un gros Ouais, c'est gestion. vraiment très différent. Qui vient de la Bretagne, si je dois aller courir en Allemagne pour faire mon bac, ça fait Ouais. un beau budget, 600, 700 euros. Donc, bon, là, j'ai dit non, on va pas aller jusqu'au bout quand même. Donc là, la catégorie nano, on apprécie dans ces cas-là. Ouais, mais même au final, nano, on payait, je sais plus, c'était 250 euros le bac, hein. On le Ah payait oui, quand vraiment, en fait. Il même, n'y avait pas c'est de pas remise, il n'y avait donné, oui. pas. Et puis tout l'hardscape, plus le transport, plus l'hôtel, etc. Donc ça faisait quand même cher le week-end. Et donc c'est vrai que voilà, ça c'est des méthodes en fait qu'on peut avoir à l'étranger. Mais en France, voilà, ça se passe généralement. C'est une boutique, c'est un salon, c'est organisé, on a une présélection et on envoie. D'accord. Donc ça c'est pour les concours live. C'est quelque chose vraiment que j'apprécie parce que c'est vrai qu'on est au contact direct avec les participants, on a un temps réduit, etc. Et après, du coup, on a les concours photos. Les concours photos qui, en gros, pour la France, c'est organisé par le forum Aquagora, donc qui est un gros Donc c'est le forum concours qui s'appelle le d'aquariophilie. CAPA, pour ceux qui connaissent ou qui veulent Oui, regarder. voilà, le CABA. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes depuis une semaine. Donc, s'il y en a qui effectivement. souhaitent participer. Depuis quelques années, ils ont lancé une catégorie débutants, donc n'importe qui veut vraiment se lancer dans les concours. Et j'invite vraiment parce que la France est, par rapport aux autres pays, un peu en retard quand même sur l'aquascaping, la Tout à fait. participation des concours. Moi, j'incite vraiment à vous lancer en fait, hein, même si vous avez vraiment un beau paysage, une belle photo, Ouais, ça peut, c'est comment vrai que les dire, concours faire. photos, on peut clairement les mettre en avant pour les gens qui veulent débuter et qui n'ont justement pas forcément envie d'être en live ou qui sont un peu timides. C'est vrai que c'est pratique, quoi. Vous faites votre aquascape, évidemment vous attendez qu'il soit assez mature, que les plantes soient bien poussées, vous faites une belle photo, ça c'est tout un sujet aussi, on va en reparler un petit peu, et puis vous pouvez participer à des concours comme ça. Alors le CAPA, j'ai fait mes petits papiers hier, je vous ai mis dans la description d'ailleurs une liste, enfin un lien vers une liste entière des concours, quelque chose que j'ai remis à jour hier, donc c'est vraiment tout récent. Donc vous avez les concours français, les concours européens, les concours internationaux, on va en reparler aussi. Et donc le CAPA, pour celui dont on parle, c'est effectivement, comme Émeric vient de nous le dire, il y a deux catégories, experts débutants, et vous avez aquarium de moins de 70 litres et aquarium de plus de 70 litres dans les deux catégories. Donc vous pouvez vraiment faire avec un petit nano ou un 60 litres ou quelque chose de beaucoup plus grand. Mais c'est vrai, Mike, tu as raison, on est très en retard au niveau concours d'aquascaping et même sur l'aquascaping général, je dirais, on n'est pas non plus très très en avance. Et c'est sûr qu'il faut encourager un petit peu ces concours français. D'ailleurs, il y a aussi le WAC. Tu l'as organisé, tu l'as fondé, non? Ouais, en fait, le WAC, c'est pas donc c'est quelque chose que j'organise depuis maintenant 2016. Mais c'est pas un enfin c'est ouvert à la France parce que c'est un concours en fait européen. C'est vraiment ouvert à l'Europe, donc c'est le même principe. Ça se passe sur Facebook et j'ai regroupé un peu l'idée de chaque concours avec plusieurs catégories, du biotope, du paludarium, du terrarium, de l'aquascaping et le pico. Et là, donc cette année, en fait, c'est la dernière année, la dernière année que je le fais, parce que c'est Ouais, énormément de ah oui, travail. les Il organisations, prend oui. encore plus de l'ampleur parce qu'on arrive à 120, 150 participations. C'est quand même tout à gérer. Jusqu'à l'année dernière, j'étais tout seul à le faire. Et puis voilà, depuis l'année dernière, j'ai une petite équipe de gars. Alors, j'en ai un en Allemagne, j'en ai un en Turquie. Voilà, j'avais fait une petite annonce pour l'organisation et ils m'aident enfin, gratuitement et vraiment sur le volontariat. Et sauf que on a eu en fait, j'ai eu une proposition que je peux pas encore dévoiler, D'accord. mais voilà, du coup, en fait, c'est la dernière année, donc toutes les informations sur son Facebook, Web Aquascaping Contest, du coup. Et s'il y en a qui souhaitent vraiment participer, c'est avec Bah, grand vous plaisir avez le lien dans la qu'on va. description, hein. Il est Voilà. dans la liste que j'ai faite. C'est ça. Et donc, pour revenir un peu au concours photo, le principe, en fait, c'est qu'on a, bon, généralement, on met un an, hein. Enfin, moi, je suis un aquascaper qui fait des bacs assez longs. Je mets Ouais. généralement un an à faire vraiment un truc qui a quelque chose vraiment fi fini. Après, ça m'arrive d'écrire des articles pour le magazine Aquarium à la maison.
où en gros en 2 mois je dois faire le bac. Bon, je le fais sur des encore plus petits, mais voilà, pour les concours, c'est vrai que on prend généralement 1 an, 6 mois. Après, il y en a d'autres, en 2 mois ils l'ont Ouais. fait, hein, ils arrivent aussi à le faire. Et c'est donc on va faire à la maison. Donc du coup, dans la conception de l'aquarium, ça va être différent qu'un concours live, parce que le Oui, concours live, il sûr. faut qu'il y ait un rendu direct. Et là, en photo, en fait, justement, on va vraiment prendre le temps de bien sélectionner les plantes, de bien les planter, de Ouais. bien les On a acclimater. clairement plus de temps. Pour... Voilà, on a plus de temps. Et il va être conçu différemment, notamment pour la photo. C'est-à-dire que quand on fait un bac pour un concours photo, eh ben on a son appareil sur son trépied quand on fait le bac. Là, donc derrière moi, c'est mon petit nouveau qui sera prévu du coup pour 2022. Bon, il y a beaucoup de roches et tout ça, mais par rapport à la photo, il me plaît pas encore. Ouais, c'est Et très du coup, très bah, lourd je vais. de trouver le bon hardscape, le bon placement. Et c'est vrai que moi, pour mes chaînes, ma chaîne YouTube, pourquoi mes chaînes YouTube, ma chaîne YouTube, je vous montre souvent des aquascaping qui sont pas parfaits. Hein. On en a souvent, enfin souvent, des fois on me le dit, mais j'en ai conscience. Mais c'est parce que je vais assez vite aussi. Voilà, il faut que en 2 3 semaines le placement, je peux pas y passer ma vie. C'est sûr que par contre, pour du concours, on peut passer plusieurs mois à faire un bon placement, et c'est ça aussi qui fait la différence entre des bacs qui sont dans le top 10 d'un concours et les bacs qui vont être un peu moins bien classés. C'est prendre son temps, hein, c'est l'aquariophilie. Hein. Bah oui, c'est de la patience. Mais là, par exemple, du coup, mon bac derrière, ça fait depuis décembre que je l'ai. Je l'ai lancé, enfin, j'ai mis encore de la pouzzolane et des roches. Ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours qu'il n'a pas Ouais. bougé. Parce que vraiment, j'ai vraiment envie de prendre le temps et que, justement, vraiment avoir un rendu. En plus, je suis pas spécialiste des grands bacs comme ça. Je préfère vraiment les nanos parce qu'on travaille plus la minutie et tout ça. Et là, c'est vraiment une première. Donc, j'essaye vraiment de prendre mon temps. Et puis, bon, c'est vrai qu'après, il y a les vacances. Quand ce qui va arriver, donc bon, je vais pas le lancer pour qu'après ça parte un peu en C'est cacahuète sûr, c'est sûr. derrière et que je suis pas là pour. Il sera lancé fin juillet, je pense. Il sera planté, il sera voilà. J'arriverai à trouver ce que je veux faire. Enfin, Alors, si tu veux bien, on va regarder un petit peu voilà. le chat. J'ai vu des questions passer. Salut Exodus, merci pour ton tes super chat. C'est très très généreux de ta part. En tant que non-pro, on doit souvent acheter le hardscape au kilo, mais pas simple de jongler entre le prix des pierres et des plantes. Alors, c'est vrai que l'aquascaping, et en plus si on veut faire un bac de concours, ça peut vite monter le prix, surtout que Emery, tu es d'accord, il faut vraiment avoir un gros choix de roches et de racines quand on veut vraiment faire quelque chose de sympa. C'est sûr que quand on commande sur internet, bah, c'est au kilo, c'est au hasard, et des fois on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc le mieux, c'est d'aller dans un magasin quand on peut. Ça fera faire des économies du coup, parce qu'on pourra prendre bah, les roches qui nous conviennent, ou on espère qui nous conviendront. Mais c'est vrai que le prix de l'aquascaping, c'est pas donné. Emeric, d'après toi, ça du hardscape, on va partir que sur des roches, il faut combien de kilos pour un nano 30 litres par exemple, à peu près, pour être tranquille en choix? Alors, bah, ça dépend en fait de Oui, du style, l'aquascaping, enfin ouais. du hardscape et du paysage. C'est vrai que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, le prix des roches, parce que soit on a au kilo, soit on a à la pièce. Moi, enfin, je préfère prendre au Ouais, moi kilo. aussi. Et encore, c'est quelque chose que, alors j'ai à peu près, chez moi, je dois avoir à peu près 200 Ah kilos de oui, quand roches, même. mais c'est quelque chose que j'ai. En fait, c'est quelque chose que j'ai acquéri. Sur les 6 ans que je fais de l'aquascaping, parce que il y a toujours une roche, même si je me balade en magasin, il y a un Ouais. truc qui me plaît, je le prends. Mais sinon, c'est vrai que j'ai beaucoup commandé sur Internet. Et alors, le problème d'Internet, comme ça a été dit, on peut pas sé sélectionner tout ça. Mais alors, en France, je parle bien en France. Après, les autres, je connais pas. Moi, je suis pour en fait faire marcher Oui, les petites bien boutiques sûr. françaises, parce que c'est les gars qui vraiment bah, se bouge pour proposer justement des produits. On peut les contacter en amont, avant de faire sa commande, envoyer une photo du bac qu'on Ouais, souhaite à peu chez près, Sky and Shrimp, et ils par peuvent exemple, prendre ils le la forme font. de téléphone. Voilà, c'est vraiment sélectionné, et comme ça, moi, on est sûr d'avoir quelque chose, on valide ou on valide pas, Ouais. hein. Enfin, c'est, voilà, c'est comme Bah, à ma ça. connaissance, t'as Et Sky and Shrimp qui le fait, et
je suis désolée pour eux, j'ai encore oublié le nom. Aqua de celui qui est à Paris. Voilà, Aqua Designer. Voilà, Aqua Design le fait, Aquascape Boutique le fait Aquascape Boutique aussi, également, d'accord. Aquatic Landscape aussi. C'est vraiment un service qui est venu Ouais, qui vient assez régulièrement naturellement, parce ouais. que je pense que bah, justement ils sont embêtés hein, là-dessus parce qu'on ne sait pas trop. Certains sites comme Aquaplante, vous avez la vision en 360 de Oui, vos c'est vrai. objets, vos pièces, vos racines aussi. Donc ça, c'est quand même utile, mais ça prend du temps à mettre sur le site et tout, donc c'est pas forcément mis à jour. Mais c'est vrai que plus on a le choix, plus on sera pas limité en fait dans le décor. Il faut avoir de tout, des morceaux. Hein. Là, je sais pas combien de kilos je dois avoir. J'ai pas Ouais. calculé le kilo, mais j'ai pris peut-être, ouais, je dois avoir 60, entre 60 et 80 kilos. Mais voilà, le fait d'avoir du choix comme ça. Mais après, au niveau budget, voilà, ça dépendra. Soit on fait un gros hardscape avec vraiment la présence du hardscape et on va coller des mousses, on va juste Bah, c'est mettre sûr que quelques si tu ébiches fais un ou justement. moonscape, je sais pas si c'est ce que tu veux faire sur ton bac, mais ça a l'air de ressembler un petit peu. Donc c'est sûr que les mountainscapes qui sont Ouais. censés représenter bah, des montagnes, hein, comme le nom l'indique, c'est sûr que ça prend énormément de roches. Donc là, ça va être cher, hein, c'est sûr et certain. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment du hardscape. Et soit on va mettre plus de plantes, du coup on va mettre notre budget plus dans les plantes et moins dans les roches, dans les racines, ou l'inverse justement. Donc tout Ouais. dépend comment on veut moduler. Après c'est vrai que bah, en aquascaping on parle c'est cher, etc. Ça oui je suis d'accord. Il y a quand même des matériaux qui sont quand même c'est pas donné. Mais après il faut savoir aussi ce qu'on souhaite faire, mais ne pas aller trop vite. On parlait tout à l'heure de la patience. Ne pas aller trop vite, de prendre son temps. Là, moi, si j'ai 200 kilos de roches à la maison, bah, c'est que c'est 6 ans en fait d'économie, de prendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et bon, j'ai eu des concours où en fait, on Ouais, a tu récupéré récupères le un petit matériel peu, qu'on ouais. mettait dans la console. Voilà. Il y a toujours moyen de faire ça. Des annonces sur Bon Coin ou sur des groupes Facebook, par exemple. Il y a toujours moyen de trouver des roches qui sont bah, à Ouais. prix correct et avoir un ensemble. Après, vous avez des roches qui sont C'est plus ou surtout moins ça. chères que d'autres. La Serious Stone et Loco Stone sont parmi les deux les moins chères. Pour le moment. Ouais. Après, c'est sûr, il y en a qui sont très très chères, on ne sait pas trop pourquoi, certainement parce qu'elles sont assez rares et qu'elles viennent de très loin, mais effectivement, on peut sélectionner des roches qui sont un petit peu moins chères. D'ailleurs, Exodus nous a poursuivi sa question en nous disant, sérieux, la plupart des aquascaping ne survivent pas 2 mois de survie des vivants. Ça, j'ai pas bien compris. Ah, ce que tu veux peut-être dire, c'est qu'en fait, c'est vrai que les aquascaping, pour les aquascapeurs pros, on voit vite un changement, ils le rescape très vite, et ils passent vite à autre chose, mais ça, c'est parce qu'aussi, c'est des pros, donc ils ont besoin d'en faire beaucoup, ils ont des clients, donc ne pas croire non plus qu'à chaque fois, c'est leur aquarium à eux. Hein. Sur Instagram notamment, bah, vous voyez souvent, par exemple, des George Farmer ou des Jurid, je dirais que son prénom, parce que j'ai un mal de chien à dire son nom, il est très connu, c'est pareil, ils ont des clients, donc voilà, c'est pas forcément leur aquarium à eux, donc ils peuvent effectivement avoir rapidement des bacs. Donc c'est pas forcément qu'un aquascape ne va durer que 2 mois ou 6 mois ou 1 an, c'est aussi parce que c'est créatif, on l'a dit tout à l'heure avec Emeric, et on a envie toujours d'en refaire un nouveau. Donc mais on peut maintenir un aquascape très longtemps hein, si on veut. Hein. Oui, bah moi en général, je les refais tous les ans quand même, parce que bah, si je veux récupérer bah, les racines, les trucs, même le bac pour faire un autre concours, je les refais généralement tous les 1 an. Mais c'est vrai que vous avez des professionnels hein, qui, eux, c'est leur vitrine, donc il est évident qu'ils vont montrer des bacs qu'ils font chez des clients. C'est vrai que Yoris, lui, en fait pas mal parce que c'est C'est son son métier et que voilà, il est obligé d'en vivre, donc il faut qu'il montre, il faut qu'il en fasse. Ça dépend vraiment en fait de ce qu'on veut. Si on veut un bac qui dure des années, ben, vous le Ouais, gardez tout à des fait. années. Sauf que c'est vrai qu'un une fois qu'il a poussé, une fois qu'il a évolué et que ben, au bout d'un moment, on se C'est lasse ça. un petit peu, quoi, on se dit bah
j'ai envie de refaire autre chose, un style différent, et c'est pour ça. Mais bon, généralement, les bacs aquascaping, c'est généralement un an hein, Oui, c'est ça, on les garde qu'on en les garde. général un an ou deux, pas beaucoup plus, et après on a envie Non. d'autre chose et ça peut se comprendre. On va regarder quelques-unes de vos questions, on va revenir un petit peu sur le thème des concours aussi. Qu'est-ce que je voulais te demander? Parce que j'avais vu une question tout à l'heure et je voulais te la reposer et j'ai oublié de la noter, évidemment. Ça parlait... Sur l'ordinateur, j'ai un léger décalage, donc du coup, D'accord. c'est vrai que c'est compliqué à suivre. Alors, attendez, je regarde un peu. Les concours photo, c'est un peu de la... Tes poissons crèvent dans les 3 jours, rien à faire. Sur les concours photo, bah non, parce qu'en fait, c'est des bacs que tu as chez toi, donc il n'y a aucune raison que les poissons y soient malheureux ou autre. Hein, là, je ne comprends pas trop le truc. Sur les concours live, par contre, ça, c'est un petit peu autre chose. Je ne sais pas, d'ailleurs, Émeric va nous le dire, qu'est-ce qu'on fait des poissons une fois qu'on a fini le concours? Parce que des fois, il y a des concours où on en met, des fois, des concours où on n'en met pas. Ils viennent évidemment des bacs de vente des magasins. Ils retournent dans les bacs de vente. Comment ça se passe? Alors déjà, enfin en France et sur tous les concours que j'ai faits, il n'y avait pas de D'accord. vivants, on mettait pas de vivants parce que voilà, hein, on sait très bien le cycle de l'azote, etc. Fait que ben on ne peut pas mettre des poissons tout de suite et puis que ça entraîne du stress, etc. Donc c'est vrai qu'en France, j'ai jamais vu, et pourtant j'en ai fait des concours, j'ai jamais vu de concours où on met Moi, du j'ai vu vivant. des concours Après aux sur des USA où salons. ça se faisait et en Chine. Après, effectivement, en France, j'avais jamais vu. Donc, je te demande confirmation. Donc, ça voyait, en France, on ne met pas de vivant. C'est ça. Et c'est vrai que en Allemagne, sur des salons, bah, je prends The Planted, là, le plus gros concours, eux, ils le font. Ils en mettent, ils mettent du vivant, mais après, bah, souvent, il y a des grossistes et des importateurs qui sont présents, qui ont leur stand, donc ils envoient des poissons. C'est comme si vous alliez dans un salon animalier. Enfin, il y a aussi des poissons, ça dure la semaine. Enfin, et puis maintenant, on arrive avec des bactéries. Je pense qu'ils ont aussi des filtres qui sont cyclés déjà depuis un moment. On arrive à garder ça, mais c'est vrai que pour le poisson, c'est pas bon. Mais en général, il y a quand même du vivant sur le. Il n'y a pas de vivant sur ces concours live. Hein. Et en photo, bah, c'est chez soi. Donc, Oui, en comme tout photo, oui, aquariophile, je pense pas que de le souci, quoi. bien-être des animaux, c'est la base, quoi. Donc c'est vrai que si on n'arrive pas à maintenir des poissons, ben... C'est dommage, oui. Est-il obligatoire de mettre du CO2 et de l'engrais pour faire des concours? Les mystères nous posent cette question. Alors du coup, le CO2, je dirais, c'est la base. C'est la base parce que vraiment, ça aide que ce soit à faire pousser des plantes, ça aide à maintenir des paramètres aussi assez bas parce que plus on va en injecter, plus les paramètres vont descendre, notamment le pH et le pH. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la base. Après les engrais, c'est un complément. Moi personnellement, j'en utilise mais quasiment Ouais, jamais. moi c'est Je suis pas le pareil. bon exemple. Je suis vraiment pas le bon exemple. J'ai plein de collègues qui, eux, avec des pondeuseuses, ils sont sur chaque Oui, il y a des paramètre, sacrés systèmes. chaque paramètre. Moi, c'est vrai que je suis pas le bon exemple. Je suis pas de bon conseil là-dessus parce que, en gros, je fais vraiment à l'œil. Je regarde. Bon, en général, allez, 2, 3 mois avant la photo finale, je commence à booster avec des engrais. Et encore, j'utilise du carbone liquide de chez Easy Life et du NPK de chez JBL. C'est tout ce Oui, que c'est pas j'utilise. énorme. En gros. Et je fais vraiment à l'œil les dosages, normalement soit hebdomadaires, soit journaliers. Moi, c'est quand j'y passe devant le bac, j'y pense et je mets quoi. Mais je suis pas pour le booster à mort d'engrais. Mais c'est sûr que le triangle parfait en aquascaping, ça va être un sol technique pour les plantes, hein, tout ce qui va être plantes qui s'enracinent, la lumière et le CO2. Ça, c'est Ouais, c'est vraiment la le base. triangle pour. Voilà, c'est vraiment la base. Après, l'engrais viendra en fonction des carences, en fonction des plantes qu'on a aussi dans le bac. Et c'est vrai que ben, on peut en mettre. Je vais pas dire de pas en mettre, mais moi personnellement, voilà, Après, j'en mets très peu, c'est quoi. vrai que les juges des concours d'aquascaping
photo et live, enfin en live c'est un peu différent, mais surtout sur les concours photo, du coup, vont regarder la santé des plantes et on voit souvent des commentaires de juges dire: Ah là, on voit que ça a manqué un petit peu, elles sont, font un peu la tête et tout. Donc, ouais, il faut quand même faire attention, notamment sur les concours photo, à la santé de vos plantes. S'il y a des trous dans les feuilles ou qu'elles sont un peu palo, on va souvent vous dire: Mais dites donc, elles sont pas super en forme. Donc, faut faire gaffe, je pense, sur les concours photo, surtout évidemment. Puisqu'en live, de toute façon, les plantes, elles sortent des pots in vitro. En général, elles sont pas parfaites, mais presque. Donc voilà, c'est. Mais le CO2, hein, comme Aymeric le dit, on me pose souvent la question d'ailleurs, est-ce que je peux quand même avoir des plantes gazonnantes sans CO2? Oui, vous pouvez en avoir, mais ça va pousser super moins vite. Elles vont être moins belles. Et puis, quand même, le CO2 apporte un plus aux plantes. Elles en ont vraiment besoin. Hein, je ne leur dirai jamais assez. Dans l'eau, il n'y a jamais assez de CO2. Hein, que ce soit de l'eau du robinet ou de l'eau osmosée, ce que vous voulez. Il n'y a jamais assez de CO2 dedans. Donc, en ajouter, ça fait toujours du bien aux plantes. Et en aquascaping, on veut avoir des belles plantes. Donc, forcément, c'est quasi obligatoire. Voilà pour cette question. Du CO2 sous forme gazeuse, hein, pas Oui, liquide, hein, gazeuse, gazeuse. l'isicarbone, et maintenant, faut bien Tu fais préciser. bien. J'en profite juste pour réagir à une petite question. Faut-il mettre du CO2 la nuit? Alors non, du coup, on n'en met pas, parce que déjà, les plantes ne vont pas les consommer, et le risque en plus pour les poissons, c'est de créer une acidose. Donc, il ne faut pas du tout en mettre. La nuit, généralement, on le met 1 heure à 2 heures avant l'allumage. Et on l'éteint une fois que le bac s'allume. L'avantage en fait de le mettre avant, c'est que quand la lumière va s'allumer, bah évidemment les plantes vont commencer leur photosynthèse, elles vont se réveiller et il y aura un taux assez important de CO2 pour être capté. C'est des petites techniques pour vraiment booster la plante par la suite, quoi. Voilà. Juste, je l'ai vu Non, mais là, c'est pour ça j'en tu profite. as raison. Mais comment est-ce que c'est? À deux Voilà. paires d'yeux, on voit mieux les questions, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai ce petit décalage, donc du coup, je ne sais D'accord. pas, Alors, Elliot mais aussi nous demande: depuis combien de temps faites-vous de l'aquariophilie? Alors, du coup, pour moi, c'est plus de 20 ans. Pour toi, Aymeric? Moi, ça va faire maintenant, enfin, depuis tout petit, en fait, j'ai mon père qui faisait partie d'un club d'aquariophilie quand j'étais gamin. Donc, on a toujours eu des aquariums à la maison. Lui, c'était plus sur du Malawi, Ah, jusqu'à là, les plantes, on est 1 700 loin. litres aussi. Voilà. Et en fait, il y a eu une période où justement il avait arrêté. Ça me passionnait pas plus que ça. Et à partir de, je sais pas, 9-10 ans, ça m'a repris. Donc ça va faire ouais une petite quinzaine d'années maintenant que je fais de l'aquariophilie traditionnelle, hein, bien sûr, et puis l'aquascaping depuis 6 ans maintenant. De toute façon, toi, tu es vraiment passionné des concours. Ça t'intéresse vraiment cet aspect concours aquascaping. D'ailleurs, tu te déplaces dans toute l'Europe, hein, quasiment. Ouais. Quel pays a été le plus Ouais, non, lointain pour faire un concours d'aquascaping? ah bah là, ça a été bah, Hambourg, donc presque la frontière du Danemark. Hein. Enfin, c'est en haut En Allemagne, oui. de comment dire de l'Allemagne, ouais. Et on a été jusque-là. Donc à l'époque, c'est vrai que ça faisait loin parce qu'il y avait le train, il y avait tout ça. Bon, maintenant en voiture, ça se fait plus facilement. Mais je vais beaucoup en Allemagne. Dernièrement, j'étais il y a à peu près quoi, un mois et demi là maintenant, j'étais en Suisse. Enfin, ça m'arrive vraiment de bouger. Je pense que je suis un des seuls Français qui doit bouger Oui, autant pour des concours, pour des démonstrations je et tout. pense aussi. Mais parce que voilà, ça me prend comme ça. Bon, c'est vrai que je pars pas forcément en voyage ou en vacances ou tout comme ça. C'est mon petit plaisir. Et puis c'est vrai que si je peux implanter ma petite touche un peu partout, c'est vrai que La French Touch, c'est super intéressant. aquascaping. Voilà, comme je dis, j'ai des enfants un peu partout entre comment dire l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, en France. Enfin voilà, ça m'arrive vraiment de bouger et c'est super intéressant parce que justement la culture de l'aquascaping dans chaque pays est différente en fait. Hein, on en parlait l'autre jour. C'est vraiment différent, donc ça permet d'apprendre, ça permet de Tout à montrer fait, oui. vraiment ce qu'on sait faire, apprendre d'autres techniques, rencontrer du monde, enfin voilà, c'est le top, hein, c'est.
Mais c'est sûr que c'est un milieu qui est intéressant, les concours. Et d'ailleurs, moi, je participe pas à des concours, mais je m'y intéresse. Donc, je suis pas mal d'aquascapeurs, petits ou grands, hein, d'ailleurs. Je suis pas mal de personnes. Et on voit quand même qu'il y a une communauté qui se crée, il y a des amitiés qui se créent, d'ailleurs, internationales, hein, pas que dans les mêmes pays. Et ça, c'est vraiment cool. Et on a vraiment cette impression d'équipe. D'ailleurs, il y a des concours en équipe, tu en as parlé tout à l'heure, donc ça c'est vraiment des trucs assez sympas, et puis ça fait un petit peu avancer le schmilblick, et puis c'est vraiment bien aussi pour des gens qui participent pas. Je trouve que ça permet d'avoir plein d'idées, c'est vraiment inspirant en tout cas de voir ça, et puis ça fait des bacs super jolis quoi, regardez. Ah oui, ça développe vraiment le truc. Alors c'est vrai qu'en France, on a un groupe qui est souvent classé dans les concours IAPLC et tout ça. Bon, sur les concours live, on les voit pas, mais eux, c'est vraiment concentré sur les concours photo. Donc après, c'est vrai que je prends l'exemple de l'Espagne, par exemple. Ils sont un petit groupe de 10. Sur les concours, ils sont à fond. On parle du Brésil, c'est Ouais, pareil. Brésil, ouais. En Allemagne, il y a une équipe. C'est juste des petites équipes qui peuvent se créer pour un salon, pour un Ouais. En concours, Italie voilà. aussi, j'ai vu qu'il y Mais... avait quelques équipes. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant. Et puis il y a toujours ce petit esprit de compétition et d'échange, hein, parce que moi ça m'est arrivé sur des bacs, enfin sur des concours. J'ai fini mon bac, il y a un gars à côté, bah, je vais lui filer un coup de main, quoi. Je partage l'avis et l'avis extérieur est hyper important. Parce que le temps, c'est vrai que il est assez, c'est assez, comment dire, réduit, hein, des Ouais, c'est fois, assez dense quand hein. même. Ouais, Donc faut il quand même faut tout faire dans la même après-midi. C'est chaud, on a la tête dans le bac et tout, donc c'est pour ça les avis extérieurs c'est hyper hein. important. Et puis moi je pars du principe, hein, le concours c'est justement l'échange, le partage. Si j'ai quelqu'un qui est en train de faire son bac, la tête dans le bac, qui pique tout le matériel, qui partage pas, il a un pot de plantes qui sert pas mais il va pas le partager pour autant, c'est pas du tout la base de ce concours-là. Moi j'aime bien, voilà, vraiment partager avec tout le monde, que ce soit les gars dans les magasins, que ce soit les participants, que ce soit aussi le public, hein, évidemment, hein, ils posent pas mal de questions. C'est ce genre de concours, du coup, qui est vraiment intéressant et enrichissant. Alors, on me demandait, enfin, j'ai eu une question passée, combien de temps à peu près pour faire un bac? Alors là, on parlait justement des concours live. Combien de temps au minimum tu as eu, toi, enfin, ou tu as vu pour les concours? Une matinée, 4 heures, 3 heures? Il y a des concours comme ça où c'est très très court, j'imagine. Ça doit pas être facile, quoi, de penser tout le scape aussi rapidement, quoi. Alors, sur des concours live, souvent quand c'est des grands bacs 200, 250 litres, on a la journée. On commence à 10 h, voilà, on a la journée. Souvent, bon, c'est 17 h, on arrête, 17 h 30, ils jugent, 18 h, 19 h, on a les résultats. Ça fait une bonne Donc journée. ça, c'est pour des grands bacs. Ouais, c'est une bonne journée. Après, si c'est sur des nanos, généralement, on arrive le matin quand même, on fait la présélection du matériel. Et à partir de 14 h jusqu'à 17 h, par exemple, on a l'après-midi pour le faire. Après, il y a un concours à Étréchy, il me semble, de mémoire. Il y avait un truc, c'était 2 h, en gros, pour faire le bac. Ouais, c'est long. Justement, ça met un petit C'est un challenge. challenge. Du coup, on booste, on réfléchit plus vite, on sélectionne, et à force, en fait. Bah, moi, je sais que quand je vais me balader dans les magasins ou même quand je fais des concours comme ça, je vois une pièce, je sais très bien ce que je vais faire avec, quoi. Parce que l'habitude et tout, Ouais, ça et va du vite, coup, tac, ça tac, te tac, permet en fait de réfléchir à de l'aquascape super vite. Non, c'est bien on sans être bien, mais c'est sûr que c'est d'avoir un temps limité. Je pense que en fait, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'avais vu plate. d'autre? Avoir du temps, par exemple, à la maison, bah, au final, je vais mettre 6 mois à le faire parce que ça va pas me plaire. Je vais vouloir vraiment être au millimètre près, alors que quand je suis en live, tac, je sais qu'elle va passer comme ça, donc je le mets et puis voilà, ça passe.
Alors, c'est sûr qu'à la maison, c'est vraiment tout autre chose et on vous encourage à prendre votre temps pour faire votre aquascaping parce que ça sert à rien de se dépêcher. Comme tu disais tout à l'heure, si tu le fais juste avant les vacances, par exemple, et que vous allez partir 2 semaines et que vous le mettez en eau juste avant de partir, c'est pas une bonne idée parce que si vous voulez vous retrouver avec des cyanobactéries, des algues vertes à gogo, c'est le meilleur moyen. Même si vous automatisez tout, il faut quand même surveiller, notamment les premiers mois. Donc, il faut vraiment prendre son temps, quoi. Tout à fait. Alors j'ai encore perdu une question que j'avais vue tout à l'heure. Non, bah, je l'ai reperdu. Bah, on va parler rapidement en fait des concours photos parce qu'avec le Covid, c'est vrai qu'en ce moment, les concours live, malheureusement, c'était pas évident d'en trouver. Et puis même d'ailleurs pour savoir quand sont organisés des concours live, c'est pas évident, évident. À part peut-être le championnat de France d'aquariophilie, qui est plus ou moins un championnat d'aquascaping qui est assez régulier et qu'on trouve assez facilement parce qu'on en parle beaucoup. Il y a pas mal de concours, tu le disais, dans des petits magasins ou dans des magasins d'un peu plus grosse taille. Mais si tu n'es pas au courant, c'est pas évident d'être au courant. Tu me disais qu'il fallait regarder sur les groupes Facebook, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ils n'en font pas un grandement étalage. Des concours live, malheureusement. En fait, voilà, il n'y en a pas beaucoup en France, et souvent, bah, c'est un animalier qui est passionné d'aquario, qui est vraiment bon dans son métier et qui justement veut développer ça. Donc souvent, il est présent aussi sur des groupes, sur des forums, et c'est comme ça qu'on peut le voir. Après, t'en parlais du coup le championnat de France d'aquariophilie, qui n'est pas du coup un championnat de France d'aquascaping, parce que d'ailleurs, si on parle d'aquascaping là-bas, c'est directement on est cinquième. Hein, je vous le dis, D'accord. il faut pas du tout parler d'aquascaping Faut là-bas. pas C'est leur dire vraiment de ça, ils aiment pas. l'aquariophilie. Non, ils aiment pas du tout. Alors, les juges, je sais que quand je l'ai fait en 2015, il y en a un, il a commencé son discours comme ça. J'étais sûr qu'il serait dernier, et malheureusement, il est arrivé Bon, dernier. bah, Donc, c'est bon à savoir. du coup, il faut vraiment pas parler de ça. Voilà, il faut vraiment pas parler d'aquascaping là-bas. Donc, c'est vraiment un championnat de France d'aquariophilie. Mais tous les ans, Animalis, de toute façon, parce que vu que c'est le groupe Animalis, fait de la pub dans ses magasins. Là, depuis en gros 2015, c'est une ouverture aux jeunes, donc 14 à 18 ans. Donc, s'il y en a parmi ta communauté qui souhaite se mesurer un peu au concours et tout. C'est un super concours, c'est hyper intéressant, donc ça se fait sur Paris. Et puis bah, tout le matériel est fourni et tout, donc c'est vraiment une bonne expérience. Moi, au final, mon premier concours live, c'est comme ça que j'ai commencé, et donc c'est vraiment intéressant. Et Et d'ailleurs, tu as été championnat, tu as fait champion de France 2015 à ce concours-là. voilà, sur la première édition, version junior du coup en 2015. J'étais jusqu'à l'année dernière, du coup, le seul Breton à Ah, bah avoir comme quoi. ce titre. Et alors, il me semble que c'est Augustin, un de Vannes, de Animalis Vannes, du coup, qui a l'année dernière remporté le championnat. Mais jusque-là, j'étais le seul. Et donc voilà, c'est une super expérience, et il faut vraiment pas hésiter à se lancer dans les concours comme ça. Il y a bien des concours de, je sais pas, il y a des concours de pétanque, il y a des concours Ouais, de, non, mais voilà, oui. il y a de tout. Bon, après, les C'est concours là, il vraiment. faut juste pas être timide parce que forcément, vous allez faire ça sur notamment le salon dont on parle. Ça se passe à Paris, c'est un gros salon, donc il y a du passage hein, toute la journée. Donc, oui, il y a des gens qui regardent ce que vous faites, il faut être jugé, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant, c'est ouvert aux jeunes. Et comme l'a dit Emeric, évidemment, la participation est gratuite d'ailleurs. Ça, c'est valable pour tous les concours d'aquascaping, que ce soit photo ou live, c'est toujours gratuit. Si on vous demande de payer, à part le matériel, comme tu disais tout à l'heure, mais l'inscription, il n'y a pas de frais d'inscription. S'il y en a, c'est que c'est des voleurs et y allez pas. Mais normalement, c'est gratuit et bah, tout est fourni. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant pour les plus jeunes. C'est une belle opportunité, je trouve, qu'ils aient lancé ça. Après, qu'ils n'aiment pas le mot aquascaping, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. C'est vraiment un conflit. Je rebondis sur les frais. Donc il y a des concours où en gros c'est totalement gratuit, il y a juste un budget à ne pas dépasser pour mettre dans son aquarium. D'accord.
Par contre, en Allemagne, par exemple, on peut. Enfin, je sais qu'en Allemagne, par exemple, du coup, on paye le bac, enfin, le transport du bac, qui est en gros 8 euros et quelques pour faire Ça venir le va, bac c'est chez pas mal. soi. Donc, évidemment, le billet, on va le prendre. Et après, ils demandent une participation. Alors, c'est de mémoire, enfin, quand je faisais, c'était 31 euros. Mais dedans, en fait, on avait la place parking, la place entrée au salon, D'accord. et on avait droit aussi au repas du midi, par exemple. Donc, il peut y avoir une petite contribution qui peut être demandée. Ou des fois sur des manifestations dans des magasins, ils peuvent demander aussi une contribution, mais au final on repart avec ce qu'on fait sur le magasin. D'accord. Donc du coup voilà, je voulais préciser là-dessus, mais c'est vrai qu'autrement c'est gratuit, les concours photos c'est gratuit. Il y en a qu'un là que je juge par exemple cette année qui est organisé par des gars de Malte. Oui, je crois que c'est ça. Eux, ils demandent 5 euros la Ah participation. C'est oui, la première fois qu'on après voit voilà, ça. Je sais pas si ça ça va dépend marcher. des organisateurs, mais normalement la majorité, Ouais, c'est gratuit, quoi. tout à fait. Et souvent, on repart avec le matériel qu'on a mis dans notre aquarium. Donc ça, Et justement, c'est tu me dis vraiment qu'on top. repart avec des choses, et puisqu'on en est à parler un petit peu argent, il y a de l'argent à gagner ou des cadeaux à gagner, hein, généralement dans les concours C'est d'aquascaping. ça. C'est pas Ouais. juste pour la gloire, même si il n'y a rien de mauvais à ça, à faire des concours juste pour la gloire, mais vous avez toujours au moins des cadeaux à gagner. Alors, ça peut être des nano-aquariums, des filtres, des kits CO2, donc ça dépend. Après, chaque année, on peut regarder. Et puis, il y a des prize money, il y a de l'argent à gagner ou des bons d'achat. Donc ça, après, ça dépend effectivement des organisateurs. Donc ça peut être aussi intéressant si vous débutez de vous lancer et puis sélectionner des concours où vous n'avez pas beaucoup de frais à avancer ni de bac à faire, ou avec un petit nano par exemple chez vous, ça peut vous aider, je pense, à vous faire gagner des petits trucs pour continuer votre passion. Donc ça peut être aussi une motivation supplémentaire pour ceux qui se poseraient la question. Ouais, c'est totalement ça. C'est vrai que moi, sur les 6 ans, bah, il y a que vraiment cette année où je me suis fait plaisir. J'ai acheté un aquarium. Le reste, c'est des trucs que j'ai gagnés sur des concours. Il y avait, tu parlais tout à l'heure des bons d'achat. Souvent, dans les grandes chaînes, c'est ça, c'est des bons d'achat. En fait, le premier, généralement, repart avec son bac. Ouais. Il repart avec tout ce qu'il a fait et tout ça. Il repart avec, mais par contre, deuxième, troisième, c'est des bons d'achat ou c'est des filtres, ou ça dépend après des organisations. On parlait tout à l'heure du CAPA sur leur forum et leur site internet. Ils ont mis ce qu'il y a à gagner cette année avec leurs différents sponsors. Après, on ne sait pas exactement, c'est fait après, hein, c'est le premier à temps, voilà. Mais c'est vrai que ça vous permet de justement avoir un filtre, avoir des roches, avoir des plantes, avoir. Et souvent, c'est ce qui nous permet et nous motive encore plus, quoi. Parce que la gloire en soi, moi je parle du championnat de France, un titre de champion de France d'aquariophilie, enfin, ça vaut rien. Ça fait C'est, plaisir enfin, quand même. ça m'empêche pas de dormir. Voilà, ça va pas me faire avoir, je sais pas, 600 balles de plus sur mon C'est salaire, ça ne sûr. fait strictement à rien. Par contre, c'est sûr que si je fais une démo en magasin, bah voilà, certains magasins, même si j'aime moins le mettre maintenant. Je préfère mettre Aquascaper confirmé parce que c'est pareil, je suis pas professionnel non plus, je suis juste un mordu d'aquascaping, j'en fais régulièrement. Je préfère le mettre comme ça, mais c'est sûr que ça fait toujours un peu mousser. Bon, voilà, c'est pas. Mais en soi, c'est Ouais, juste c'est pour ça. nous, ça n'a rien de. C'est pas une grosse valeur. Vous n'allez pas trouver un emploi parce que vous êtes champion de France ou parce que non, c'est voilà. Encore que ça peut peut-être jouer si tu veux être embauché dans une animalerie, hein. Ça. Peut-être, quand déjà, c'est pareil, j'ai fait 6 ans de magasin. Mon patron, que je mette des plantes dans un aquarium, il s'en foutait un petit peu. Par contre, la rentabilité, là oui, c'était important. Donc, voilà, mais c'est une petite renommée. Après, on parlait tout à l'heure des réseaux. C'est vrai que ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Moi, c'est vrai que moi, j'ai une petite communauté, hein, sur la France, mais je suis
mieux vu en fait sur à l'étranger parce que Ouais. justement je bouge quoi. D'ailleurs, en parlant J'ai plein de potes de tes qui bougent. communautés, vous pouvez retrouver la chaîne YouTube d'Emeric. Je vous ai mis le lien dans la description et l'Instagram d'Emeric aussi. Il fait plein de petits trucs sympas. Enfin voilà, moi j'aime bien suivre son compte. Sa chaîne est très sympa aussi. C'est du travail très propre. Et puis ça parle d'aquascaping, donc forcément c'est intéressant. Donc tout ça dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il le mérite. Partage un peu bah, toutes mes petites aventures comme ça ou des présentations produits, enfin voilà tout ce qui est. En gros, je suis parti de l'idée que moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces chaînes, c'était souvent des chaînes étrangères et Tout tout à ça. fait, Bon, on a la chaîne référente de l'aquascaping, c'est Green Aqua. Bon, moi je mets la traduction hein, de YouTube, donc des fois on arrive à comprendre quand même. Mais je suis parti du principe qu'il n'y avait pas ça quand j'ai commencé. Donc je me suis dit bah pourquoi pas parler justement d'un format vidéo parce que si on veut des sujets sur l'aquascaping, si on veut des trucs, il y en aura, mais c'est du texte, il y en a forcément. Moi je peux pas forcément lire par exemple, donc du coup le format vidéo c'est adapté. Et j'ai eu quand j'ai commencé pas mal de questions, pas mal de choses. Donc en fait je me suis dit bah je vais en faire une vidéo comme ça quand j'ai la question je Voilà, balance le c'est lien, ça. il aura toute l'info dedans. C'est parti comme ça. Et donc du coup voilà, je produis un peu de contenu et puis bah sur Instagram c'est un peu plus privé, mais on a des avant-premières, des choses comme ça. Mais voilà, ça je partage un peu les aventures, des bons plans, des choses comme ça qui peuvent aider justement les personnes, quoi. Mais c'est vrai que c'est agréable à suivre parce que honnêtement, sur la France, au niveau aquascaping, concours et compagnie, il n'y a effectivement pas grand monde. Il y a des petits groupes qui existent, mais ils ne sont pas forcément toujours aussi partageurs d'informations ou d'expériences. Et c'est vrai que bah là, avec ta chaîne YouTube et ton Instagram, on arrive à suivre un petit peu ce qui se passe. On voit un petit peu l'envers du décor de certains concours ou de certains shows auxquels tu participes. Donc c'est intéressant et puis ça nous montre autre chose. Et comme tu pars à l'étranger, justement, on arrive à voir ce que nous, on n'a pas en France et ce que j'espère qu'on aura un jour. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça, c'est bouger. En gros, je bouge Voilà, pour c'est vous. ça. Je mets l'accent aussi là-dessus, c'est que bah, c'est pas de voyage payé ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment moi, mon truc à moi, et puis bah, je partage. Donc, la seule chose, même que je disais à certains de la communauté que j'ai, vous êtes beaucoup à regarder. Ça coûte rien de mettre un petit soutien, un petit abonnement, un truc comme ça. Je cherche pas la course à l'abonnement, hein, clairement. Non, Je mais sais pas. ça aide et Ouais, ça toi, motive. J'en sais quelque chose. et ça, voilà, ça motive. Et puis, ben, il faut pas hésiter à mettre dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que je traite justement sur l'aquascaping, parce que sur l'aquariophilie, il y a tellement de chaînes. Et puis, ben, celle de Vanille est très complète. Donc, du coup, vous aurez toute l'information qu'il faut. Donc, je vais pas traiter sur des sujets d'aquariophilie traditionnelle et tout. Moi, ça va être vraiment sur l'aquascaping. Et puis, il faut pas hésiter à envoyer soit des messages privés sur Instagram ou des commentaires. En plus, les commentaires servent à d'autres, hein, bien évidemment. Donc, il faut pas hésiter à me poser des questions et puis bah, suivre un peu les actualités, les choses quoi, que je produis, quoi. Voilà. Alors le T-Rex enfin oui, nous demande, te demande, comment participer au concours? Alors c'est vraiment une question super large. On va parler des concours photos parce qu'on a parlé un peu des concours live depuis le début. On a rapidement parlé des concours photos. Les concours photos, en fait, c'est assez simple, hein. On va s'inscrire. Donc il y a des dates d'inscription, évidemment. Vous regardez sur les sites de chaque concours. Encore une fois, je vous ai mis des liens dans la description. Vous trouverez tous les concours. Vous cliquez sur les liens de chaque concours et à chaque fois, on va vous dire les inscriptions sont ouvertes, par exemple, du 1er janvier au 31 mars. Et vous avez donc ce laps de temps, par exemple 3 mois, pour envoyer votre participation. Donc c'est assez simple, il suffit d'envoyer une ou plusieurs photos de votre aquarium, de votre aquascaping, et bah, on va vous poser des questions, votre nom, votre email, ce que vous avez mis comme plante, voilà. Donc ça c'est la base pour à peu près tous les concours, sachant qu'il y en a qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres. Et on va parler du concours numéro 1 dans le monde, c'est l'IAPLC. Si tu veux nous le présenter, Emeric, je t'en prie.
Ouais, alors du coup, bah, l'IAPLC, en fait, c'est le concours mondial, hein, c'est ce qui équivaut au championnat du monde. C'est le plus reconnu, c'est ce que Takashi Amano avait créé. Donc maintenant, c'est repris par sa famille, donc il continue. Donc ça, bah, pas là, par exemple, s'il y en a qui veulent s'inscrire à ce concours-là, c'est fini parce que Fini. c'était au 31 mai qu'il fallait s'inscrire. Moi, j'ai envoyé une photo, on verra bien ce que ça donne cette année, mais c'est pas un concours que je vais viser parce que c'est vrai qu'il y a énormément de travaux et que chaque année, ça change beaucoup, les styles, etc. Et puis souvent, c'est privilégié les grands bacs. C'est pour ça aussi que j'ai pris un grand bac, enfin un grand bac. C'est qu'un 90-45, mais c'est le minimum en fait pour viser au moins un classement. Donc on verra ce que ça donne. Mais donc ce concours-là a la particularité donc d'être organisé par ADA, c'est le plus gros concours. La seule contrainte en général avec ce concours-là, c'est qu'il faut pas diffuser, que ce soit sur les réseaux, que voilà, il faut pas diffuser son aquarium. Donc souvent ça se fait en message privé avec des collègues par exemple. Mais il faut pas le diffuser sous peine d'être disqualifié parce que l'IAPLC veut garder justement ce privilège de présenter ce bac-là. Là, c'est parti en jugement. À partir de août, on va commencer à recevoir des enveloppes ou des prix où on va savoir notre classement. Donc, on peut le diffuser, ça. On peut dire combien on a fait. On peut le faire. Et par contre, la photo du bac, il faut attendre après donc ce qu'ils appellent la NA Party, la Nature Aquarium en fait partie. C'est une grosse cérémonie qu'ils font là-bas à Gros Niigata. bamboula. Donc souvent, sont. C'est une Pardon? grosse fête, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Eux, chez eux, c'est la grosse fiesta. Et généralement, ils convient tous les 100 premiers et ceux qui souhaitent aller Mais qui après, peuvent, hein, bien parce sûr. que c'est Hein, pas donné d'aller au Japon. C'est pas un petit voyage. Voilà, c'est ça. Du coup, en fait, ils font ça. Donc, il y a la cérémonie de remise de prix. Puis c'est très cérémonie. Hein, C'est le c'est vraiment une Japon, culture là-bas. Et voilà. Et ils ont même la couronne de hein. laurier là quand Ils ils sont sont tous en gagnants. Enfin, costume et c'est tout, vraiment et c'est quelque impressionnant. chose. C'est grosse institut. Et après, on peut visiter justement la maison de Amano, on peut visiter Niigata, donc qui est en fait une école d'aquascaping là-bas, hein, c'est l'école de Amano. Donc ça, en fait, tant que cette cérémonie n'est pas passée, qui généralement c'est vers octobre, il me semble, Oui, c'est en fin d'année, ouais. donc là, l'année. Généralement, c'est là-bas. L'année dernière, c'était en visio, ils ont fait Oui, en c'est vrai que là-bas. visio, mais non. Normalement, on peut y aller là-bas. Et donc, tant que cette cérémonie n'est pas passée, ben, on ne peut pas diffuser les photos de notre bac sous peine d'être disqualifié, quoi. Donc, c'est vraiment le concours de référence. Voilà, il faut quand même avoir des très, très beaux bacs pour tabler le classement. Nous, en France, on a nos pointures qui sont généralement très bien classées. Oui. Moi, par exemple, depuis 2017, du coup, mon meilleur classement, c'est que Mais c'est 493. déjà bien parce qu'avec le Bon, après. nombre de participants Ouais. qu'il y a, c'est énorme. Ouais. C'est ça. C'est énorme parce qu'il y a à peu près, ouais, 2000 participants chaque Et puis année, le niveau 64 est pays tellement représentés. haut, c'est vraiment des bacs superbes. Grosse domination asiatique, donc c'est vrai que c'est. Mais voilà, moi qui est dans le milieu depuis un moment, j'aimerais quand Ouais, même t'aimerais faire un petit faire peu mieux, mais ça mieux que ça. viendra, on te le souhaite, et puis ça viendra. Oui. J'en ai aucun doute. Persévérer, mais c'est vrai que chaque année c'est tellement différent les styles, c'est vraiment. Puis le niveau, il est vraiment très très élevé, quoi. Des fois, il y en a, ils nous sortent des trucs, on se demande, mais comment, quoi? Comment ils Comment arrivent ils à arrivent à faire, faire oui, ça? comment ça arrive à pousser correctement. En ce moment, il y a une mode beaucoup de. Alors peut-être que j'ai loupé le terme, mais avec quelque chose de très très caverneux. Moi j'appelle ça caverneux, c'est très sombre. Et ils arrivent quand même à faire des points de mire assez hallucinants.
C'est vrai qu'il y a vraiment du lourd. Et tu disais justement, les styles changent, mais aussi dans les concours d'aquascaping, on a des jurys qui changent. Donc ça, c'est important de souligner aussi. C'est notamment dans les concours photos, souvent des aquascapeurs professionnels ou des personnes qui ont l'habitude de juger déjà des aquascapes. Et on a parfois des attablés de 6-10 jurys. Et c'est vrai que suivant la sensibilité de chacun, je pense qu'on n'a pas toujours non plus les mêmes résultats d'année en année. Donc c'est aussi à prendre en compte un petit peu qui va juger, si c'est plutôt des Allemands, si c'est plutôt des Japonais. C'est pas évident non plus, hein, de ce côté-là, le jugement. D'ailleurs, toi, tu as jugé et tu juges des concours d'aquascaping. Comment ça se passe en gros pour évaluer comme ça une œuvre artistique végétale? Alors du coup, si on part sur, donc tu l'as dit, les styles de juge sont différents. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la roche, j'aime beaucoup le détail et la minutie. Moi, je suis plus dans le style diorama. Donc c'est vraiment la reproduction d'un paysage sous forme un peu maquette. J'adore ça. Les plantes et tout, bon, j'aime bien. Mais le décor, moi, il faut qu'il ait un impact. Donc ça, c'est le style que j'aime. Donc généralement, ils sont présentés. On est présenté avant les concours. Il y a les différents styles qu'on aime bien, etc. Donc ça nous permet de voir un peu si mon bac va plaire à tel ou tel juge ou voilà. Donc ça déjà, ça, c'est un point qui est à mentionner. Et en fait après, donc on a une grille d'évaluation avec souvent c'est la santé des plantes, l'impact du hardscape, l'utilisation de tel et tel matériau ou technique qui va être mise en avant. Évidemment le bac s'il est adapté au poisson, si le poisson est adapté au décor. Que ça pète pas un peu l'échelle de plan, et puis la durabilité. Souvent, c'est ces points-là qui sont évalués, donc avec différents critères de points, évidemment. Nous, on fait notre grille en fonction de ce qu'on aime sur le bac. Et après, le regroupement de tous les juges fait un classement. Là-dessus. Donc, que ce soit par photo ou en live, généralement, c'est ça. Bon, en live, on a très peu de temps. Hein. On a une heure et demie pour faire en gros notre document. En photo, on a généralement un mois pour le faire. Et après, donc, tout est regroupé et ça donne un classement final, quoi. Donc, c'est quand même aussi du boulot de faire juge. C'est pas rien. Hein. Ouais. C'est pas évident. Et puis là, ça fait quelques années maintenant, 2 ans que je fais juge en Allemagne ou tout. Je me dis quand même, ils sont là, ils font leur bac et tout. Ah, j'aimerais quand même être à leur place, quoi. Je peux pas faire et les tu deux peux options. Pas être juge et participant. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que moi, par exemple, par rapport à mon concours que j'organise, le WAC, là, par exemple, je participe pas à mon propre concours. Ouais, ce qui paraît un peu logique. C'est vraiment un truc. Voilà, ce qui paraît, mais ça se fait dans d'autres concours. Hein. Ils organisent et en même temps, ils participent. Donc, du coup, c'est vrai que y a ce côté-là où, en gros, on peut se demander qui c'est réellement qui passe, quoi. Donc, après, ça se fait aussi. Mais moi, je parle de ce principe-là. Si on est juge, on ne fait pas le concours, mais on a quand même cette petite frustration-là quand on voit des participants qui ont tout à dispo, là, qui font leur truc. Ah, ça, c'est tentant, c'est quand sûr, même. Hein, mais... De toute façon, moi c'est pareil, à chaque fois que je vois un aquascaping qui me plaît, ça me donne envie soit de le refaire, soit d'en faire un autre. Je pense que pour toi c'est pareil. Ouais, c'est exactement ça. Et puis justement, c'est ça, quand je fais des démonstrations en magasin, moi un client qui n'achète pas tout de suite, je m'en fiche un peu. Mais par contre, dans sa tête, ça le fait réfléchir et se dire « Ah, mon aquarium, si je mets ci et si je mets ça, là, j'aurais tout gagné. » C'est ça. C'est que ça lui aura donné envie. Et c'est ça, le but, c'est vraiment donner envie, inspirer. Et après, il faut essayer, voilà, se donner envie, inspirer. Et après, chaque personne à son niveau va se lancer et surtout prendre son temps, surtout vraiment bien sélectionner. Si on n'a pas forcément le budget pour aujourd'hui, on va attendre. C'est pas pressé, quoi. Faut pas se presser, parce que si on lance un bac en un week-end, clairement, on va le regarder le lundi soir, on va se dire au final, j'aurais peut-être dû partir. Et on va le redémonter, ça va nous coûter plus cher, ça va être plus chiant, etc. Donc, faut vraiment prendre le temps. Mathieu nous demande quel meilleur livre, selon toi, moi je vais répondre aussi de mon côté, permet le mieux d'appréhender l'aquascaping. Alors, moi, je mets souvent en avant
le livre de Pierre Yang. Donc, il y a un ancien aquascaper, un des premiers Pas en très France connu, et tout. malheureusement. Non, bah non, parce que bah justement, il a. Bah, j'ai fait même quelques concours et tout. On est parti en Allemagne et tout ensemble. Il est super sympa. Donc évidemment, vu que c'est un collègue, je le mets en avant, mais son livre est très très bien fait. C'est vrai qu'on avait avant en France le livre de Pascal Bonetti, Ouais. pareil, qui est un Je ancien l'ai, aquascaping celui-là. en France qu'on voit plus maintenant. Voilà, qui est en gros le livre le plus connu en France. Mais moi, je mets en avant ce livre-là de Pierre Yang. C'est un petit bouquin qui coûte, je crois, 12 euros. C'est Mini Jardin Aquatique, de Je vous mémoire. mettrai le lien dans la description pour le Et lire. mais, Je chercherai. voilà, c'est fait, très bien écrit. Il est à jour. Donc ça, Ouais, c'est c'est important quand aussi même parce que c'est vrai qu'il y a c'est quand même beaucoup intéressant. de livres sur l'aquascaping, enfin sur l'aquariophilie surtout, mais les premiers livres sur l'aquascaping sont aussi pas forcément très à jour, notamment sur tout ce qui est matériel et plantes utilisées, parce que bah, il y a 20 ans, on n'utilisait pas les mêmes plantes, on n'avait pas les mêmes plantes tout simplement en accès. Tout ce qui est par exemple plantes in vitro, bah, il n'y en avait pas, ce genre de choses. Donc c'est vrai que tu fais bien de préciser qu'il y a des livres qui sont vieux, où il y a des choses qui sont toujours bonnes à prendre dedans, mais qui sont un petit peu datées sur certaines choses. Tout à fait, ouais. Et donc voilà, je mets souvent en avant ce livre-là parce qu'il est très bien fait. Et puis bah ça, c'est pareil, ça le soutient également. Ou sinon, bah les magazines, hein, Aquarium à la maison, Aquamag, ça c'est des sources d'informations qui sont très très bien. Après, je suis pas bilingue, donc c'est vrai que les livres en Ouais. allemand, en anglais ou autre, il y a des super informations aussi dedans, mais je pense que voilà, moi Alors, moi de mon j'arriverai pas côté, à les celui lire. que je vous recommande, si vous comprenez l'anglais, si vous pouvez lire l'anglais, c'est celui de George Farmer qui a sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Il s'appelle Aquascaping, tout simplement. C'est en anglais, mais vraiment, il va à l'essentiel. Il y a vraiment les bases pour faire de l'aquascaping sans trop faire de bêtises. Et vraiment, je le trouve super bien fait parce que c'est vraiment l'essentiel. Il n'y a pas de blabla inutile. Voilà, il y a de belles photos. Enfin, si vous connaissez George Farmer, hein, c'est un aquascaper professionnel anglais. Vraiment, il fait des super trucs. Et son bouquin qui est sorti l'année dernière est vraiment très très bien fait. Mais évidemment, il faut pouvoir le lire en anglais. Mais si vous en avez la possibilité, c'est un très bon bouquin. Ouais, et puis bah comme je disais, il est à jour. Il est sorti Ah oui, de ah bah celui ça de pour être Pierre. à jour. Là, celui de Pierre, il me semble que c'était sorti en 2000. Non, pas 2015. 2017. Il est sorti en 2017, vers Oui, il là. n'y a pas si longtemps que ça, oui. Voilà, ouais, c'est pas si vieux que ça, mais c'est vrai que celui de George Farmer, bah lui, oui, il est récent. Il est sorti en décembre Voilà. dernier, là. Donc. Il n'y a pas plus récent que ça. Donc, c'est vraiment des bonnes sources. Mais par contre, c'est en anglais. Donc, Voilà. il faut être Il bon. faut bosser votre anglais à l'école, d'ailleurs, si vous voulez faire des concours, parce que, bah, Henrik, je pense que voilà, tu dois bien être obligé de parler anglais. Je regrette maintenant parce que c'est vrai que par les réseaux, c'est assez facile de Ouais. communiquer. Il y a la traduction et tout ça, mais quand je suis devant la personne, c'est compliqué. Bon, en Allemagne, ça va parce que les Allemands parlent très bien anglais et c'est facile à comprendre. Mais par exemple, si on va en Hollande, bah alors là, Oui, c'est l'anglais moins là-bas, c'est facile à comprendre, pour leur c'est clair, ils ont un accent. Mais c'est vrai que je regrette quand même maintenant de pas avoir étudié assez l'anglais pour le parler couramment et facilement. Après, bon, dans le milieu, c'est assez facile, hein. Ouais. On retrouve toujours les mêmes mots. Donc, on arrive quand même à se faire comprendre. Mais c'est vrai que maintenant, ouais, je regrette un petit peu quand même. Ah, c'est vrai que c'est l'anglais maintenant, ça devient encore plus qu'avant indispensable. Cédric nous demande quel style d'aquascaping tu préconises pour un bac de 300 litres. Difficile comme question. C'est difficile, ouais, parce que, ben, alors je dirais, quel budget tu as? Je Voilà. demanderais ça déjà. Parce que c'est en fait, si tu as énormément de budget et que tu veux vraiment te faire plaisir, ben, lâche-toi, fais ce que tu veux, de la roche, si tu veux mettre 400 kilos de roche dans ton bac, fais-le. Mais souvent, dans des grands bacs, on va utiliser des gros morceaux. Et ce qui coûte le moins cher et qui meuble assez rapidement, bah, c'est les racines. Donc, on part sur un style un peu plus forest ou nature aquarium. Et on va avoir quelques pierres en base et beaucoup de plantes. On va meubler comme ça. Donc, c'est vraiment, voilà, par rapport au budget, je C'est dirais, ça.
ça Et défile. après, ça Hein. dépend Ah, aussi de ça ce va, que ça va. vous aimez. Hein. Si vous aimez beaucoup de roches, si vous préférez le nature aquarium, hein, comme disent les anglo-saxons, pour eux, le nature aquarium, en fait, c'est très souvent des racines et des plantes qui jaillissent un peu des racines, avec quelques roches. Sinon, vous avez du mountainscape, comme derrière Emeric, où il y a beaucoup, beaucoup de roches. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Mais justement, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au budget, aux roches et aux plantes. C'est vrai que les plantes, bizarrement, en aquascaping, c'est souvent ce qui va coûter le moins cher, à part l'eau. Mais c'est les roches, les racines sont extrêmement coûteuses, surtout si vous cherchez des belles et grandes racines ou des roches assez, comment je dirais, qui ont du caractère. Hein, parce que malheureusement, dans les magasins classiques, les jardineries et compagnie, on trouve souvent des roches qui sont pas terribles parce que voilà, celles qui sont belles, elles partent immédiatement. Et du coup, les plantes, même si vous prenez de la plante in vitro, ce que je vous recommande vraiment grandement, d'ailleurs, tu me diras ce que tu en penses, Émeric, là-dessus. C'est vraiment moins cher que tout le reste. Donc, en plantes, faut pas lésiner. Mettez le budget pour être tranquille. Toi, Émeric, justement, est-ce que tu préfères les plantes in vitro ou tu préfères, enfin, ou au moins tu trouves que les plantes avec laine de roche, ça va quand même? Alors, si je pars sur un concours live, je mettrai que des pots classiques parce que c'est du déjà Ouais. poussé, ça va meubler assez facilement. Par contre, chez moi, c'est vrai que je vais préférer la plante in vitro parce que c'est facile. Bah, on parle de la laine de roche, mais comme on utilise beaucoup de plantes gazonnantes ou tapissantes, bah, la Très laine, désert. on en a marre d'enlever, quoi. Donc là, on enlève le médium et c'est fait vraiment comme ça. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. En plus, l'avantage des in vitro garantit sans algues, sans escargots, sans planaire. Et en plus de ça, c'est que de la souche de plante qui est habituée à être comme si C'est elle était ça. dans l'eau, donc elle repart beaucoup plus vite. Tandis qu'un pot classique, et ben des fois on a hein, même quand j'étais en magasin, les gars ils arrivaient, hein, ou ce que vous m'avez vendu, ça a pas tenu, remboursez-moi et tout. J'ai dit mais non, n'enlevez pas parce que la plante elle a poussé dans des serres, juste le pied dans l'eau et le reste en extérieur. Donc le fait de la mettre dans vraiment le milieu aquatique, il faut qu'elle refasse un système racinaire et des feuilles. Donc ça arrive que certaines plantes, des Bucéphalandra par exemple ou des Cryptocoryne, elles crament totalement. Mais si on l'enlève, bah, là c'est sûr, elle va mourir. Mais si on laisse, au bout de quelques mois, on va voir, tac, une petite pousse, et puis elle repart beaucoup plus dense, beaucoup plus belle, beaucoup plus petite, parce que le feuillage est différent aussi. Et si on veut choisir la facilité, la in vitro. Alors certes, la in vitro est un peu plus chère, mais souvent le pot est plus garni, garanti, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, enfin, c'est vraiment des nouvelles solutions qui sont qu'on n'avait pas avant et qui sont vraiment top si on souhaite faire d'aquascaping, quoi. Merci Catherine Cousin pour ton super chat, merci beaucoup. Bonsoir, est-ce que c'est mieux de fixer tes plantes avec du fil de pêche ou de la colle pour ton bêta? Que ce soit un bêta ou pas un bêta, ça n'a aucune espèce d'importance. Après, est-ce que du fil de pêche ou de la colle? Pour moi, les deux sont des solutions viables. Ça dépend ce que tu as. Si tu as que du fil de pêche, enfin, fil de pêche, je vous recommande pas vraiment le fil de pêche, le fil de nylon, parce que c'est du plastique. C'est pas facile de faire des nœuds. C'est plus visible que ça en a l'air, même si c'est transparent. Moi, je vous recommande plutôt le fil de coton, le fil de couture pour remettre les boutons ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus discret. Si vous le prenez en noir et en marron, ça s'enlève plus facilement. On fait des nœuds plus facilement. Voilà. Et que donnes-tu ton bêta si joli? Je n'ai pas trop compris la question. Donc voilà pour fixer. Toi, Aymeric, tu préfères quelle solution pour fixer les plantes épiphytes sur les racines et roches? Alors, tout ce qui est mousse, ça va être collé à la glu, avec glu en gel. Je ne vais pas m'embêter, on met quelques points, on met dessus. Comme je travaille beaucoup avec des roches, c'est vrai que c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Après, sur les racines, j'aurais tendance à conseiller la ligature, parce que si on met quelques points, elle va pas prendre dessus. Donc, le fait de la ligaturer, ça la compacte dessus et du coup, elle va pousser plus facilement. Après, pour tout ce qui est plantes Bucéphalandra, Anubia, Microsorum, si vous pouvez les coincer, c'est ce qu'il y a de mieux. Juste les coincer dans les interstices de roches, de racines, elles vont prendre, mais comme elles n'ont jamais pris, ça sera vraiment la solution. Donc, je suis plus pour la colle quand même, parce que voilà, c'est la facilité C'est et tout sûr. ça.
Mais quand j'ai pas moyen, ben, je fais à la ligature. Mais comme tu l'as dit, il faut faire le nœud et tout. Il faut bien le prendre. Il faut pas trop la serrer pour pas l'étouffer. Après, il faut essayer de retrouver un petit bout de fil pour essayer de refaire le nœud. Donc, ça peut être C'est un peu chiant. minutieux. Voilà. Mais sinon, si on peut coincer, c'est la meilleure des solutions. Enfin, les coincer dans les roches, les interstices, les racines, les trucs. Les coincer, c'est fait en deux-deux et c'est très bien, quoi. Alors, j'avais lu une question passer tout à l'heure sur les concours. Ça, c'est le livre, on en a parlé. Concours, non, c'est pas ça. Ça, c'est concours poisson rouge, c'est autre chose. Ça, c'est les concours pour les poissons. À quand le prochain concours ouvert au public? Alors, ça, c'est une bonne question. Émeric, est-ce que tu sais s'il y a un concours qui va être ouvert au public en France ou même en Europe d'ici peu de temps? Alors, en France, bah, on en a parlé tout à l'heure, le championnat de France, parce que normalement ils font comment dire, leur salon. Donc, je pense que d'ici cet été, les ouvertures pour les jeunes va commencer à partir du mois de juillet, hein, juillet-août généralement. Donc, ça va s'ouvrir. Sinon, en Allemagne, bah, Vivarium, hein, le salon, Oui. enfin, pour moi, c'est le plus gros salon d'aquariophilie d'Europe. Il y a une grosse partie eau douce, il y a le Massey aussi pour ceux qui, je sais pas si tu as une communauté qui est dans le marin, mais en Oui, gros il y en a c'est un là. gros salon qui existe aux États-Unis et du coup ils ont implanté en Europe, ça s'appelle le Massey, marine aquatique, je sais pas comment ça se dit, mais en gros il est en même temps, c'est un salon qui fait de mémoire 14 000 mètres carrés que C'est énorme, hein? d'aquariophilie. Il y a des concours, il y a des alors, concours biotope, il y a concours crevettes, il y a concours ah non, discus, il n'y a pas sur celui-là. Enfin, du moins, j'ai pas quand j'y étais, il n'y avait pas. Mais concours, ouais, il y a championnat du monde de crevettes, il y a un gros concours aquascaping, il y a un concours aussi de VIP. En gros, on peut skipper avec Sacha Oyer, Dev Shaw, Balbi, D'accord. enfin, tous des collègues maintenant et c'est vraiment une super expérience. Donc ça, c'est au mois de novembre D'accord. normalement. Fin d'année, J'espère que oui. la situation sanitaire sera un peu mieux. D'ailleurs, bah, souvent, hein, souvent les manifestations C'est quand elles ça. finissent, c'est souvent novembre, enfin septembre, octobre, novembre. C'est souvent sur ces périodes-là. Donc après, il faut se renseigner hein, un peu partout, regarder, être toujours à l'affût. Mais sinon, en concours, y a, enfin, en France, du moins, j'ai pas eu de nouvelles, quoi. J'ai pas eu D'accord, ça. bah écoute, de toute façon, c'est vrai qu'en ce moment, avec la crise sanitaire depuis un an, on est tous coincés. Les aquascapeurs pro ne vont plus faire des voyages, donc ils ne partagent plus leurs trouvailles en Asie, notamment, ce que je trouve dommage. Mais c'est sûr. Il y a aussi un gros concours en Chine, j'ai oublié le nom, le SIA quelque chose. Il est énorme ce concours-là, mais vraiment énorme. Si vous avez peut-être dans les années à venir, l'opportunité de vous rendre en Chine, il y a des concours là-bas, c'est hallucinant. Tu me disais aussi qu'en Afrique du Nord, il y avait aussi une communauté aquascaping qui se développait un petit peu. Ouais, en fait, c'est les concours des pays arabes. Bah, alors là, c'est sur photo, mais j'y ai contribué pendant 2 ans en tant que juge sur ce concours-là. Et chaque année, en fait, on a vu une évolution dans les décors, on a vu une évolution dans vraiment le matériel utilisé, tout ça. Donc, c'est pas mal de voir ça. Mais c'est vrai que oui, tu parles du CIPS, C'est ça. donc c'est le gros concours là-bas. Bah justement hein, Balbi, Philippe Oliveira, enfin eux ils ont leur base et tout. C'est vraiment énorme. Quand j'avais été à Vivarium avec des collègues du club de Plouneyon-Lorverne, parce que c'est pareil, je fais toujours partie d'associations hein, comme Oui, c'est ça bien d'être plus grand on local, bouge ouais. pas mal. Voilà, on bouge pas mal et puis comme chacun est un peu spécialisé hein, pour la crevette, vous savez pour le discus, moi pour l'aquascaping, donc ce genre de salon Ça ça convient à tout convient le à tout monde, le oui. monde, on se fait quelques jours et c'est une super ambiance et c'est pareil, c'est énormément de contacts
Et justement, quand on avait été là-bas, donc on avait fait une petite soirée en off avec Aquaflora, enfin tous les grands, voilà. Et justement, Esther, donc la directrice d'Aquaflora, m'avait proposé d'aller au CIPS, quoi. Et je dis, bah ouais, mais déjà, le temps que j'ai pour venir C'est jusqu'au sûr, c'est Pays pas rien. de Loire, imagine si je vais là-bas, en plus avec la barrière de la langue et tout, mais je vais me paumer, hein, sorti de ma Bretagne, ça y est. Si j'ai pas ma voiture, je vais être paumé. S'il faut prendre le train, Ah, le la Chine, machin et c'est tout, oh là là, particulier, c'est c'est très fantastique. particulier en plus. Ouais, c'est vraiment particulier. Après, pareil, j'ai eu plein d'invitations pour aller à Niigata avec, bah maintenant, il s'en occupe moins, enfin, il s'en occupe plus parce qu'il y a eu le Covid et tout ça, mais l'aquarium de Lisbonne, je connais Ouais. très bien le Alors, gars qui s'en l'aquarium de occupe, Lisbonne, qui, pour du ceux qui coup, ne connaissent pas, en fait, c'est un espèce de showroom, on peut dire ça comme ça, avec de très beaux aquariums made in Ada. Alors Ada, c'est encore une fois pour ceux qui ne connaîtraient pas dans le monde de l'aquascaping, c'est la grande marque d'aquascaping japonaise. Voilà, à Lisbonne, il y a un magnifique showroom. Et si vous voulez faire un petit pèlerinage aquascaping, c'est un petit peu obligé d'y aller, quoi. Ah ouais, pour tous les aquascapeurs. Et c'est vrai que Shibata, donc lui, c'est lui qui s'en occupe. Ils sont à deux ou trois là, deux justement Niigata, ils viennent et tout, ils sont vraiment employés là-bas. Lui, il m'avait dit, mais viens un jour avec moi quand je rentre, tu viens. Je dis, bah ouais, mais le budget et tout, enfin je suis mordu, mais je suis un peu Mais raisonnable faudrait aussi que tu quand y ailles même, un jour, parce ça que serait là, cool, hein, vraiment. ah ouais, mais c'est vrai que pour tout aquascapeur, je pense aller à Niigata. Déjà à Lisbonne, ça donne un avant-goût. C'est un bac qui fait Il 40 est mètres de long, énorme. 400 000 que en aquascaping. Enfin, dès qu'on est rentré dedans, déjà, on avait des frissons, quoi. Chaque détail, chaque truc, c'est, ça prend plein les yeux, quoi. Donc là, c'est l'avantage, c'est que moi, il n'est pas très très Oui, loin, quoi. Lisbonne, ça va, Car c'est faisable. euros ce week-end sur Lisbonne. Ouais. Et puis c'est facile d'accès aussi. C'est vraiment très joli l'aquascaping, oui, c'est le but, on va dire. Tous les combien de temps faites-vous des coupes aux plantes en aquascaping, Gunther nous pose cette question. Alors, bah, ça dépend du paysage. C'est vrai que si on veut avoir une plante qui ne grandit pas, mais qui fasse un effet vraiment buisson à un endroit, bah, on va la couper plus régulièrement. Après, ça dépendra des conditions au niveau de l'éclairage, ça dépendra également des conditions CO2, etc. Enfin, ce qu'on va lui apporter, hein. C'est vrai que si une plante, elle a tous ses besoins, évidemment qu'elle va pousser plus rapidement. Donc ça dépend vraiment. Généralement, pour les concours, on va tailler 15 jours avant. L'histoire d'avoir en fait des feuilles qui sont fraîches, des toutes petites, donc on va jouer sur la perspective, sur l'échelle de plan. Donc souvent on taille un peu avant, et puis on fait notre changement d'eau, notre nettoyage, on enlève tout le matériel et on shoot, quoi. Alors justement, on n'en a pas trop parlé, mais la question fait qu'on y vient. Quand on est en préparation d'un bac d'aquascaping pour les concours photo, il va se poser la question justement de faire la photo finale, on appelle ça la photo finale hein, dans le milieu de ce bac. Et là, comment tu le prépares, toi, justement, ce bac juste avant la photo, tu le disais, faire évidemment des changements d'eau, couper donc à peu près 15 jours. Avant les plantes qui en ont besoin pour avoir des plus petites feuilles. Il y a d'autres détails, évidemment. Alors, j'en ai justement par rapport à ce truc-là, parce qu'on me demandait D'accord. assez régulièrement comment faire, etc. J'en ai fait également une vidéo, donc bon, allez, il faudrait que je la remette à jour, parce que depuis, j'ai appris d'autres techniques et tout ça, mais c'est vrai que niveau, bah, on va généralement, on fait un petit entretien avant de taille de plante, suivant le décor, suivant l'aspect qu'on veut donner. Le nettoyage des vitres se fait avant, le changement d'eau, bien évidemment. Mais avant de shooter, généralement, ce qu'il faut faire, c'est ne pas allumer l'éclairage. Il faut vraiment allumer l'éclairage au dernier moment, parce que sinon, on va avoir les plantes qui vont rentrer en photosynthèse, qui vont buller de partout, et sur la photo, ça fait brouiller et tout. Donc, on éteint tout, on prépare, on ferme les volets, on nettoie nos vitres et tout, elles sont nickel. Il y a la technique du sèche-cheveux, il Oui, y a la c'est vrai. technique de la serpillière pour faire brûler les poissons, du laser, etc. Il y a plein de techniques. Donc, ça, je l'ai expliqué dans une de ces vidéos-là. Comment prendre son aquarium en photo. Après, généralement, on va booster en éclairage. Donc, soit on a une rampe puissante, mais on peut rajouter encore de la lumière. Il y en a même qui mettent des gros spots là sur les côtés pour accentuer
La photo. Après, moi, c'est vrai que je suis une bille généralement dans la photo. J'ai un collègue qui est photographe animalier, donc souvent, s'il peut venir à la maison et qu'il me fait mes shoots, ça me va très bien. Mais sinon, voilà, sur le trépied, on va le poser, on va faire différents angles de vue. On va mettre le sèche-cheveux pour faire une surface ondulée. On peut jouer avec un rétroéclairage. Donc, en fait, je sais pas si on n'en va pas forcément le voir, mais vous voyez que le fond, en fait, est éclairé. C'est tout simplement un gros pad LED qui sert de rétroéclairage. On peut y ajouter un poster pour faire un effet bleu, un effet ciel, etc. On va jouer là-dessus. On peut jouer avec des ampoules aussi de différentes couleurs. Enfin, y a vraiment, c'est une Ouais, vraie c'est usine quand on ça. prend une photo. Juste pour une photo, il y a énormément de matériel en fait autour du bac, mais rien dans le bac. Parce que c'est pareil, il faut enlever tout ce qui est pompe, chauffage, les skimmers, tout ce que vous avez de matériel pour le bac, pour le maintien. Ça, on va enlever. Et dès qu'on est prêt, bah, on allume. On shoot et des fois vous pouvez faire 600, 700, 800 photos. Vous allez en sélectionner que 3 ou 4 parce que le poisson il va être au bon endroit, il va être bien placé. Des fois on peut avoir une photo parfaite et puis il y a un poisson qui est dans l'autre sens. Ah, du coup il faut tout recommencer. C'est la prise de tête, hein. C'est vraiment la prise de tête. Puis c'est pareil. Le sèche-cheveux, on va pas le mettre tout le temps et on shoot, on shoot, on shoot. Les poissons au bout d'un moment stressent aussi, hein. Il faut penser aussi au bien-être des poissons. Donc c'est vrai que c'est plusieurs techniques que j'ai expliquées dans cette petite vidéo. Il faudrait que je la refasse un peu plus mise à jour, mais il y a plein de techniques. Les lasers, par exemple, ça marche très bien pour dresser son poisson, hein. Ouais, bah c'est oui. Ça, Laser, la nourriture. il fonce dessus. Et du coup, il suffit juste de couper, on shoot et ils sont tous dans le bon Bah angle. c'est vrai que il y a plein de petits Après, trucs on comme ça à connaître, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que pour prendre des aquariums en photo, des poissons en photo, déjà, bon, faut être un petit peu photographe. Moi, j'aime bien la photo, donc c'est vrai que niveau technique, ça va, mais c'est vrai qu'après, gérer l'aquarium, c'est aussi, c'est deux aspects assez différents. Mais vraiment, déjà, vous renseignez un petit peu sur la photo, parce que c'est vrai qu'un smartphone, c'est pas forcément l'idéal pour prendre une belle photo d'un aquascaping. Vous n'aurez pas les réglages de luminosité, par exemple, la balance des blancs, pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas toujours évident. Et puis à côté, bah, comme vous l'expliquez, Emeric, il y a plein de petits trucs, le coup du laser. Alors, le sèche-cheveux, pour ceux qui connaissent pas rapidement, c'est tout simplement pour faire des vaguelettes à la surface. Donc, vous mettez sur froid votre sèche-cheveux et ça fait des petites vaguelettes. Et donc, ça fait un aspect très sympa à la photo. Mais je pense que le mieux, quand c'est comme ça, c'est d'être plusieurs. C'est au moins un qui shoote et Ouais. l'autre qui s'occupe de, voilà, de pousser un peu les poissons d'un côté sur l'autre. Mais comme tu le dis, voilà, moi, j'ai déjà essayé. C'est chiant aussi. C'est vrai qu'ils sont jamais au bon endroit. Le banc est pas groupé. Alors, tu trouves des trucs cocasses à parler à tes poissons, dire mais les gars, allez à gauche, mais ça sert à rien. Mais ouais, c'est assez marrant, je trouve, de faire des photos comme ça d'aquascaping. Justement, l'année dernière, j'avais partagé un peu l'envers du décor, justement, d'un shooting. Et en gros, j'étais tout seul pour faire ça. Et je m'étais, donc j'avais bidouillé avec du scotch sur un bras de micro pendant ses cheveux. Comme ça, il était en route. J'étais derrière avec mon trépied. J'avais fait mon réglage. Et en fait, pour que mes poissons passent d'un côté à l'autre, normalement, le laser, il réagissait bien et ils y allaient. Que là ça voulait pas et en fait la technique que j'ai trouvée c'était une serpillière donc j'étais au bout et je faisais un coup à gauche un Oui, coup à je me droite un souviens de coup ça, à j'ai gauche vu ça. oh, c'est galère Ah mais c'est oui. galère mais il faut le but parce que tiens, je vais rebondir aussi là-dessus on entend beaucoup parler retouche photo etc c'est du trafiqué on en a parlé déjà cette Ouais. semaine c'est vrai que alors normalement on ne trafique pas la photo que ce soit Photoshop etc. S'il y a un poisson qui est là, bah, il est là. Soit on reshoot, soit on le fait. D'ailleurs, toi, c'est ce que On Maxime le... nous met. Utilisez-vous Photoshop du coup pour vos shootings et vos photos? Et bien justement, non, comme vous le dit Emeric, c'est interdit dans les Non. concours. Et ne croyez pas que ça soit invisible. Moi-même, j'utilise Photoshop depuis plus de 15 ans. Donc croyez-moi, je sais quand il y a eu un poisson qui a été enlevé ou quoi ou qu'est-ce. On le voit, c'est pas non plus invisible. Ouais, tout à fait. Donc du coup, Photoshop, enfin tout ce qui est ces corrections comme ça, c'est interdit. Ça se voit parce qu'en plus, on est obligé d'envoyer les photos en très haute qualité. Donc trafiquer une photo haute qualité, ils vont zoomer dessus, ils vont le voir direct.
Donc on est directement disqualifié. Là où c'est autorisé, en fait, c'est jouer sur les couleurs, le contraste. Ça c'est tout à fait toléré. Évidemment, c'est sûr, si c'est saturé à Oui, mort, ça n'a ça va aucun se voir. intérêt, Et il du faut coup, faire ça gentiment, hein. on va perdre on va disqualifier. Moi, je sais que je joue beaucoup sur les couleurs, parce qu'en plus, quand on shoot, généralement, pour ceux qui connaissent un peu les ISO, il faut généralement quand on fait, c'est vrai que quand on fait une photo, on a tendance à dire il faut augmenter les Surtout ISO. pas. Et en fait, nous, on fait l'inverse justement parce que vu qu'on booste à bloc l'éclairage et tout, et ben au final on shoot en moi je shoot à peu près en 400 en ISO. Donc du coup je vais la retravailler après sur la luminosité et le contraste en comment dire en post enfin en post-prod hein, du coup c'est en photo Photoshop je connais pas du tout. Moi je fais quoi d'ailleurs? Je fais avec Lightroom, bah Lightroom en fait, sur le Lightroom, téléphone c'est voilà. en fait, c'est pas vraiment pour retoucher des photos, c'est pour développer ta photo en fait. C'est tout ce qui est fichier RAW, pour ceux qui font de la photo, ça vous parlera. En fait, ça vous permet de la développer correctement. Donc, c'est effectivement Lightroom, c'est différent de Photoshop. Photoshop, c'est vraiment pour retoucher des photos, alors que Lightroom, c'est pour la développer correctement. Et là, vous pouvez régler vos contrastes, saturation, température de couleur, plein de choses. Donc, Lightroom, c'est effectivement autorisé pour les concours parce que vous ne trafiquez pas en fait l'image en elle-même, c'est juste des réglages de luminosité ou autre, donc c'est moins dérangeant. C'est ça. Et donc c'est vrai que je suis pas. Bah ouais, comme je disais tout à l'heure, si le poisson il est dans l'autre sens alors que tout le monde est dans le même sens, bah il faut reshooter quoi. Donc ça prend énormément de temps. C'est pour ça que généralement on fait une sélection, on a fait 600, 700 et on ne sélectionne que deux derrière quoi. Mais bon après, si vous avez quelqu'un qui est photographe, qui est passionné par la photo dans votre entourage, bah, vous lui faites un bon petit repas, C'est vous passez ça. une bonne après-midi parce qu'il faut quand même l'après-midi, Une et puis soirée voilà, vous pizza amusez et hop. à shooter. Voilà, ouais, ça peut se faire, hein, Mais totalement. si vous connaissez personne, c'est vrai qu'il faut quand même apprendre un petit peu à faire de la photo pour proposer quelque chose de bien. Par exemple, tout à l'heure, tu disais que tu shootais en ISO 400. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que plus tu vas monter en ISO, plus tu vas avoir du grain sur ta photo. Je pense que tu le sais. Donc moi, je shoote systématiquement les photos que je fais en ISO 100 pour avoir le moins de grain possible. Et après, je règle effectivement mon appareil, les ouvertures, etc. Et on met effectivement un max de lumière dans le bac pour pouvoir avoir de la luminosité. Bon, après, c'est voilà, faut vraiment s'y connaître en photo un minimum. C'est pour ça que je vous disais qu'un appareil photo, un smartphone, c'est pas forcément l'idéal pour ce genre de choses, mais ça ne vous empêche pas non plus de participer non plus. Vous aurez simplement une photo qui ne sera pas forcément aussi jolie que certains professionnels qui ont des appareils photo hyper chers ou qui s'y connaissent. Mais c'est vrai que la photographie, sur les concours photo, du coup, l'aquascaping et la photo, c'est ben, malheureusement un petit peu lié, donc il faut s'intéresser un petit peu aux deux. C'est ça. Et puis c'est vrai que bah, à force, j'ai quand même acquéri quelques techniques, mais si je peux avoir quelqu'un qui me les fait, ça m'arrange quoi. Moi, je préfère la partie technique du bac, je gère tous les alentours et tout ça, faire bouger les poissons, et lui, il shoot quoi. Mais quand on est tout seul, bah, voilà, c'est quelques techniques comme ça que j'ai fait sur cette vidéo là. Donc, s'il y en a que ça intéresse. Et encore, je parle même pas vraiment de technique photo au final, je parle vraiment des Oui. techniques. À part, c'est pas un sujet que je maîtrise, donc c'est vrai que c'est quelque chose que pour moi, si je maîtrise pas, je vais pas en parler parce que ben, il y a Internet, hein, on sait comment c'est. Quand on s'affiche sur Internet, il y a beaucoup de commentaires, ça peut être Tout à négatif, fait. il y a eu pas mal de têtes déjà. Donc c'est vrai que s'il y a un sujet, si en fait tout le contenu que je présente, c'est des choses que je connais, que j'ai testé, que j'ai voilà, et que si vraiment ça marche. Bah, c'est que vous pouvez aussi vous pouvez le faire. Après, je dis pas que tout ça marche impérativement. Chaque bac est différent, ça, on est d'accord. Mais c'est vrai que voilà, tous ces petits sujets-là que je partage, ces petites
ces petits tutos, des choses comme ça Mais aide, bah, ça aide c'est tout le monde. intéressant, Et parce ça. qu'en français, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de contenu. Moi, je m'en rends pas tellement compte parce que j'ai pas de problème avec l'anglais. Donc, c'est vrai que Green Aqua, pour moi, c'est pas un problème. Je regarde leurs vidéos, je comprends, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin des sous-titres. Mais je me mets à la place, effectivement, des personnes qui n'ont pas ça. Les sous-titres sont vraiment pas terribles. Voilà, les images, des fois, c'est sympa, mais il y a quand même des infos en plus en audio. Et du coup, tu proposes des choses qu'on ne trouve pas en français. Moi, de toute façon, je peux pas tout faire. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué d'être dans tous les domaines spécialisés. C'est pas mon cas. Je suis pas spécialisée en aquascaping. Je m'y intéresse. Et c'est vrai qu'en ça, ta chaîne est très très intéressante. Et pour ça, c'est vraiment cool parce qu'on a tout un tas de petites choses comme ça qu'on ne voit pas ailleurs dans le monde francophone. C'est ça. En gros, tout ce qui est un peu caché, bah, moi je le C'est dis. ça. Tout, si vous voulez la face cachée de l'aquascaping, vous allez sur la chaîne des Mike. En gros, c'est ça. Parce que justement, les savoir, oui, c'est bien, ça va me faire progresser, ça va me faire des classements et tout, mais c'est pas l'intérêt, c'est pas comme ça qu'on va avancer en France, hein. Le fait de tout garder pour soi, ça sert à rien. Et c'est, je me dis, c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté. Et c'est aussi un gain de temps parce que oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai tout le temps les mêmes questions, tout le temps les Oh, je connais mêmes le choses qui problème, reviennent. oui. On arrive, on a le lien, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là. Bah, on envoie et puis voilà. Après, la personne voit et si elle a besoin de compléments, elle nous demande. Exactement. Mais voilà, c'est vrai que. Nous demande, Aymeric, vas-tu refaire un concours? Un concours, bah alors les concours photos là de l'année, oui. Donc là, l'IAPLC, j'ai envoyé la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai fait mon inscription au CAPA parce que du coup, c'est ouvert jusqu'à fin juillet de mémoire. Donc là, j'ai fait aujourd'hui. Après, bon, évidemment, il y a le APLC, il y a la GA, enfin, il y en a d'autres. Hein, tout ce que tu as mis en Voilà, lien vous et que pouvez les je peux retrouver dans faire, la description, je encore le une fois, il y en a pas mal. fais. Tout est mis. Après, concours live, bah, on verra bien. Hein, si on peut retourner à Vivarium en Hollande, bah, pourquoi pas. Après, là où ça m'embête un peu, c'est que Vivarium, du coup, c'est organisé par Aquaflora. Il faut aller un week-end chercher son bac, son matériel, ses plantes, le ramener chez soi et après Oui, puis revenir en sur ce le moment, c'est salon. pas Donc, pour moi, évident. ça me fait. Voilà. C'est deux allers-retours, c'est quand même un budget. Il y a le souci du Covid, même si voilà, la vaccination va se terminer là. Mais ils nous pondent tout le temps des nouvelles lois, des nouveaux trucs, C'est clair. etc. Donc ça va être compliqué. Mais déjà, si je peux y aller en tant que visiteur, voir ce qu'il y a de nouveau. En plus, il y aura le championnat du monde de crevettes normalement. Donc ça va être vraiment, vraiment intéressant. Donc après, ça dépendra de ce qu'il y a, quoi. Mais en tout cas, si je peux, j'y vais parce que je suis vraiment un mordu concours. Attends, j'avais vu autre chose, tout ça c'est. Donc vas-tu refaire un concours? Donc voilà, tu nous l'as dit, donc tu refais des concours photos et puis dès que possible des concours live. Qu'est-ce que j'avais vu comme question tout à l'heure? Œil de nuit nous demande qu'il a pour projet de faire de l'aquascape dans un bocal en low-tech sans vivant ou juste escargot, est-ce qu'on aurait des conseils? Alors, je sais que dans le WAC, tu fais picot, il y a la catégorie picot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la catégorie picot, c'est tout ce qui est moins de 8 litres, 5 litres. Donc, c'est vraiment de tout, tout petits aquariums. Hein, c'est même plus du nano, hein, c'est en dessous du nano. Donc là, on tombe sur du nano. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour faire de l'aquascaping dans un tout petit volume comme ça? Alors, bah après le picot, c'est vrai que c'est intéressant, c'est quelque chose qui se développe depuis un petit moment. J'ai une petite cuve, j'ai toujours dit qu'il fallait que je me lance et tout. Bon, il y avait pour projet de faire une vidéo avec Diego Sandoval, qui est en gros en Europe le maître du picot. Hein, il fait des trucs mais fabuleux. Donc il y avait un projet là-dessus, bon, c'est un peu retardé. Donc au bout d'un moment, je pense que je vais me lancer. Mais par contre, par rapport au bocal, ça c'est quelque chose que bah, déjà en magasin, j'en vendais plus. Dès que je suis arrivé, j'ai supprimé ce truc-là. Mais par contre, on avait des vases, on avait des choses comme ça pour justement faire du wabi-kusa. Wabi-kusa, Là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'option du bocal qui peut être utilisée. En plus, généralement,
ça plaît à madame parce que ça fait un petit décor floral, mais avec des plantes d'aquarium. C'est la bonne solution. Donc moi, je serais plus parti sur le bocal, alors pas en low-tech, sans vivant, machin, mettre du sol technique, faire une petite serre au départ, mettre des plantes d'aquarium et les faire pousser en extérieur pour faire vraiment un wabikusa. C'est vraiment quelque chose qui est sympa, Non, hein, c'est c'est vraiment vraiment très sympa. très joli. Je vous en avais proposé un sur la chaîne, alors vraiment vraiment pour débutants avec les graines de plantes chinoises, mais ça donnait déjà quelque chose d'assez sympathique. Mais en wabikusa, vous avez vraiment des trucs vraiment très 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 jolis à faire. Moi, j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres malheureusement, mais c'est vraiment très très sympa. Mais tu as raison, c'est une des meilleures options, je pense effectivement pour le bocal. Je sais qu'il y a des gens qui mettent dans des gros bocaux beaucoup de plantes avec des crevettes. Moi, je suis pas trop fan de ces trucs-là, mais pourquoi pas. Après, vous faites comme bon vous semble. Mais pour des concours, un wabikusa. Et puis même pour l'entretien, dès qu'on va mettre de l'eau, même s'il y a l'éclairage et tout, bah le fait, bon certes les plantes vont filtrer un petit peu et tout, mais on aura quand même des algues, ça peut être chiant un peu à nettoyer. Donc le fait de ne pas avoir d'eau, faire vraiment un truc. J'en avais fait une vidéo sur le Wabikusa dans un bocal justement où vous pouvez utiliser. Donc avec quelques techniques, quelques roches, et puis bah, à force il avait pris, mais et puis c'est vrai que c'est super sympa. Donc, je ne serais pas parti sur un low-tech avec de l'eau, je serais plus parti sur l'option Wabikusa, quoi, du coup. Donc voilà une bonne réponse. Cédric nous demande, est-ce qu'il y a des écoles pour apprendre l'aquascaping en France? Eh ben, malheureusement, non. En gros, il n'y a pas d'école. La seule école, c'est la recherche personnelle. Je sais que côté de Nancy, il y a une licence aquariologie avec une option. Enfin, ils ont un module aquascaping qui existe déjà depuis 10 années, qui est géré par Benjamin Chauvet, qui est un ancien aussi de l'aquascaping. En gros, c'est un des représentants ADA en France. Donc lui, il fait une partie cette petite partie-là. Et moi, j'ai lancé ça en Bretagne, dans le lycée où je travaille justement. On a, c'est pareil, un module comme ça d'aquascaping. Bon, c'est la base, hein, mais c'est de l'info qu'on peut trouver sur Internet. Sauf que bah, du coup, je vais apporter l'aspect pratique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'école spécialement aquascaping. Il n'y a pas de diplôme non plus. Le seul vraiment diplôme qu'on peut faire, bah, c'est des concours, c'est des classements. C'est être dans le milieu et voilà, se développer, se bouger pour justement développer l'échange, le partage, et c'est là où en gros c'est comme ça qu'on arrive C'est ça, faut vous à être renseigner, faut bah, regarder sur YouTube, regarder sur Instagram, ça donne vraiment beaucoup d'inspiration. Il y a énormément de comptes Insta avec des choses vraiment très très jolies, et ça, rien ne vous empêche de partager d'ailleurs vos réalisations pour que des personnes, non pas critiques, mais vous donnent un avis sur le déplacement de roches, etc., des choses comme ça, augmenter la perspective. C'est pas évident, comme tu le disais tout à l'heure, Aymeric, de tout voir tout seul, un avis extérieur, c'est vachement important. Donc C'est vraiment ce voilà, faut vraiment vous apprendre bah, par vous-même, hein, malheureusement, c'est comme beaucoup de choses, il n'y a pas forcément d'école pour apprendre des choses particulières. Donc les livres, internet, et puis surtout vous lancer aussi, hein, c'est important. Je vois beaucoup de personnes sur ma communauté qui me disent oh, je vais me lancer un jour, je vais y aller, je vais faire un bac, mais faut y aller, n'hésitez pas. Alors si c'est l'argent qui vous bloque, commencez par un nano 30 litres par exemple d'occasion, ou voilà, ne vous focalisez pas non plus sur le matériel. C'est comme en photographie, le matériel ne fait pas le photographe. Vous pouvez faire une très belle photo avec un appareil très médiocre. Et en aquascaping, c'est pareil, hein. Le premier iwagumi que je vous avais proposé, c'était un aquarium, mais qui avait 30 ans, et j'ai fait avec les moyens du bord. Il n'était pas exceptionnel, on est d'accord, c'était pas un aquascaping de concours, mais c'était joli. Enfin, moi, ça m'allait, quoi. Donc, faut vous lancer. Et puis voilà, vous allez apprendre au fur et à mesure. Tout à fait, oui. C'est exactement ça. Alors, on nous dit que tu devrais ouvrir ton école, Émeric. Ça serait une première. C'est vrai que ça serait une première. On m'a dit aussi ouvre ton magasin et tout, mais
Je préfère, c'est vrai que comme j'étais dans le milieu de l'animalerie, de l'aquarium et tout, j'étais tout le temps dedans. Donc ça, c'est pareil, hein, si y en a qui font tout le temps dedans, à force, ça peut un peu dégoûter ou ça peut lasser un peu et du coup, on en fait moins. Et depuis que justement, alors je suis encore dans le domaine, mais sans être en magasin, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de temps et beaucoup plus de plaisir du coup à me remettre aussi à faire des trucs. Et puis c'est là, hein, depuis que je suis parti du magasin, où là ça a pris un Mais boom moi, ça a dans été les exactement ça démonstrations. aussi. Hein. Quand j'ai quitté le métier, quand j'étais dans le métier, j'avais plus d'aquarium chez moi. J'avais des aquariums vides parce que j'avais pas le temps et que j'y étais tout le temps et que du coup, j'avais pas forcément envie de recommencer chez moi. Et du moment où j'ai arrêté professionnellement, ça m'est revenu. La passion m'est revenue naturellement et voilà, maintenant j'en ai re partout. Donc c'est tout à fait vrai ce que dit Emeric. D'être dans le métier, c'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal quand on veut être passionné par ce genre de choses. C'est ça. Donc c'est pour ça, avoir un magasin, avoir une, enfin là, les cours que je fais, les quelques heures, ça me suffit. Je fais mon truc après de mon côté chez moi. Mais quand c'est vrai, même faire des installations, faire j'ai vraiment une admiration pour les gars qui font ça et qui continuent à faire des bacs chez eux pour des concours et tout. Mais c'est très compliqué. Tout à l'heure, on parlait de Aqua Designer, donc avec Sui et Grégoire, depuis 2014, Grégoire, on l'a pas vu Exact, sur les c'est vrai. concours. Et là, il y a cette année, il envoie une participation. Donc, il y a quand même une longue période, sans rien. Sui, c'est pareil. Il s'est relancé l'année dernière. Je sais pas s'il a envoyé cette année aussi. Mais voilà, parce qu'ils sont tout le temps dedans. Ils livrent sur toute la France. Ils passent énormément de temps sur les conseils et tout. Non, c'est à force d'être dedans, ça peut quand même les envies, hein. Donc, si vraiment j'avais l'opportunité et tout, mais encore, je pense pas que j'irais. Mais c'est vrai que ça serait pas mal, ça aiderait beaucoup de monde. Mais après, il y a des formations, hein, des formations. Je pensais, on en parlait cette semaine, mais Laurent Garcia, qui est un aquascaper aussi français, qui travaille avec AYEM, qui est ambassadeur et tout ça, lui, chez lui, du coup, c'est sa C'est société, il ça, ouais. propose des formations. D'aquascaping. D'ailleurs, avec Laurent, on a commencé ensemble, et puis lui, après, du coup, a fait une reconversion et il s'est lancé dedans et il arrive à en vivre. Et c'est un des seuls en France à vraiment en vivre de parce que c'est vrai, c'est un métier, on appelle ça un métier passion, hein, on serait pas millionnaire avec Ouais, de c'est clair. l'aquascaping, même si le matériel coûte, même si tout ça, la prestation peut coûter cher, mais vous serez pas millionnaire avec ça. C'est vraiment un métier de passion. Et lui, il arrive à en vivre et puis il propose des formations. Donc peut-être se renseigner auprès de lui s'il a des dispos après le Covid. Je sais pas s'il accueille chez lui aussi. Donc ça serait très. Mais sinon, c'est vraiment beaucoup de recherche personnelle et apprendre C'est clair. personnellement, quoi. Coucou pour les visiteurs, les concours sont-ils gratuits? Alors pour les concours live, oui. En général, c'est gratuit, hein. Oui. Sur les gros concours, ça peut être payant, mais il faut aller sur les gros Ouais, c'est concours. ça. Après, faut pas confondre, parce qu'on peut facilement confondre les concours d'aquascaping et j'ai oublié le nom, pas les showcase, pas les showrooms, les masterclass. Oui, les Workshop workshops ou les et masterclass. masterclass. Là, c'est différent. Donc, les concours, c'est des personnes qui vont concourir pour gagner le grand prix et être sacré champion ou numéro 1, etc. Pour leur réalisation. Alors que les masterclass et les workshops, effectivement, c'est autre chose. C'est les aquascapers qui viennent tout simplement dans un magasin, le plus souvent, montrer la réalisation d'un aquarium. Et là, ça peut être payant. Par contre, forcément, puisque c'est comme une formation en fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on parlait de formation, mais j'ai pas pensé. Mais les workshops et les masterclass, ce sont des formations. Mais en France, je sais pas trop si ça se fait. Ah si, il y en a des Oui, il y a des démonstrations démonstrations, justement, mais vraiment et des j'ai masterclass, est-ce invité. qu'il y en a où vraiment l'aquascaper va prendre son temps pour répondre aux questions longuement On essaye de le faire, hein. On essaye de le faire quand on est en magasin, on répond vraiment, et c'est pour ça aussi que j'en fais, ça permet de développer. Après, c'est sûr, si on veut avoir une formation vraiment spécialisée, là, il y a comment dire, Laurent qui le fait chez lui et à titre professionnel pour sa société, hein. Ça existe ici, hein.
Mais c'est vrai que c'est assez rare quand même. Mais même partout, hein, partout comment dire, en Europe et tout, il n'y a pas vraiment de formation, de trucs. C'est pas comme à Niigata où il y a vraiment une école. Ils sont, je sais plus combien, parce que Niigata, c'est ça, hein, c'est le gros showroom Ada et tout. Mais à la base, c'est une école. Donc ils apprennent vraiment, mais c'est dans leur culture et tout ça. Donc Et voilà, c'est vraiment autre on chose. n'aura jamais Non, ça. je pense pas. Malheureusement. Fais-tu des aquascaping chez des particuliers en France si des personnes te le demandent? Alors déjà, moi, on m'a déjà demandé alors que je suis pas du tout aquascaper. Alors toi, j'imagine qu'on te le demande souvent. Ouais, moi ça m'arrive d'en faire de temps en temps. Après c'est pareil, ça dépend de la zone. Si c'est sur la Bretagne, ça me va. Mais encore des fois, si voilà, moi je suis côté du Morbihan maintenant, mais s'il faut aller courir jusqu'à Brest et tout, enfin, Oui. c'est à l'autre bout, donc ça s'arrange. C'est à voir, mais c'est vrai que dans toute la France, ça je fais pas. Je suis allé une fois pour rendre service du côté, je sais plus, c'était côté de là où il y a le Futuroscope là. C'était vers là, j'étais jusque là, mais sinon non, je fais pas. Je fais souvent des démonstrations. S'il y a des magasins qui me demandent et que vraiment ça vaut le coup, que c'est des gros magasins qui ont un gros choix de Ouais. hardscape, de voilà, qui développent vraiment et non le chien-chat comme la principe, enfin comme les principaux magasins. Là oui j'y vais, mais donc je suis monté sur Paris, je suis monté sur Orléans, etc. Mais sinon, si c'est trop loin de ma Bretagne, je vais pas jusqu'au Ah, les bout, quoi. Bretons et la Bretagne, c'est terrible, ils veulent pas sortir de la Bretagne. Ah, c'est le meilleur pays au Je monde, ne dis pas le hein. contraire, j'adore la Bretagne, donc je suis pas très loin de la Bretagne en fait. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est faisable, mais voilà, que ça reste raisonnable au niveau de la distance. Alors, je recherche vos questions. J'en avais vu une passer tout à l'heure. Quelle est votre préférence, aquarium avec couvercle ou aquarium couvert? C'est vrai qu'en aquascaping, souvent, je dirais peut-être 99% du temps, c'est des bacs ouverts. Donc, Ouais, y a pas de... le couvercle chez nous n'existe pas. c'est un peu, voilà, c'est le tue aquascaping, le couvercle. Non, mais souvent en plus c'est des cuves qui sont prévues sans saturage, c'est collé, etc. Donc c'est vrai que on va pas avoir de verre, enfin de ceinturage et tout ça. On Il n'y a n'a pas pas de tout ça. ronflant. L'avantage aussi, c'est que bah du coup, quand on va faire nos décors, des fois, ça arrive qu'on ait une grosse racine, mais qu'on va utiliser que la base. Avec, ça va monter, donc du coup, ça nous donne de l'effet. Mais sauf que ce que vous voyez pas des fois, bah, c'est que la racine, elle sort du bac. Il y a autant de Clair. montage hors du bac que dans D'ailleurs, le c'est bac. très à la mode, Donc ça, c'est vrai les que aquascapes de plus en plus immergés, hein. ouais, on peut mettre du palu, ceux qui sont passionnés par les plantes tropicales. Moi, je sais que là, je sais pas si on va le voir, mais j'ai une rente en fait, une potence, une grosse potence. Je sais qu'au bout d'un moment, il y aura une plante tropicale qui va se grimper dessus et elle prendra ses nutriments dans l'eau. Hein. Ça va arriver. Mais comme on est sur justement cet élément de décor pour son salon, bah là, c'est très C'est bien clair. ça. Ça allie l'éducation. Donc, Il y a énormément de choses à ouais, faire. pour te répondre, effectivement, si en aquascaping on utilise rarement les couvercles, c'est principalement une question esthétique parce que on cherche en aquascaping à avoir le moins possible de techniques visibles, même si on en utilise mine de rien pas mal, un gros filtre, du CO2, des rampes assez costauds. On essaie de faire en sorte que tout ça soit le plus design, le plus discret possible. Donc, du coup, un gros couvercle avec les trucs sur les côtés, les bandeaux, là, c'est vraiment pas ce qui va nous aider à faire ressortir le bac. Bon, moi, c'est vrai qu'il est flou derrière à cause du réglage de la caméra, vous voyez pas, mais voilà, moins on voit de choses, mieux c'est. Sur le bac d'Emeric, vous le voyez, hein, sa rampe, elle est suspendue. Alors, soit on les suspend au plafond, soit on met des potences, mais le but, c'est que ça soit pas écrasé, que ce soit le plus possible aéré, face naturel, quoi. C'est tout un ensemble.
Ouais, puis c'est une vue certes de face quand on fait un bac et tout, mais c'est aussi une vue Du dessus, oui. en plongée quoi, ah, du dessus. Y a des trucs, des éléments et tout, c'est super sympa quoi. Oui, parce que c'est vrai. Puis souvent en plus, Bon, vas-y. j'ai tendance à le remplir mais à ras du ras quoi. Donc du coup ça me fait un gros cube en dos là, parce que comme c'est du verre extra blanc et quand les vitres sont propres, hein, je dis bien quand les vitres sont propres, ça fait vraiment un cube d'eau et c'est super sympa quoi. Et ça, on l'aurait pas si on avait un ceinturage Ouais, tout à de, fait. si on avait un ceinturage. C'est vrai que tu as raison, la vue du dessus d'un aquascape, et c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en Europe notamment, on a beaucoup cette vision très faciale en fait d'un aquarium, alors qu'en Asie, par exemple, je sais que, bon, moi, vous le savez, hein, j'aime les poissons rouges, j'avais discuté avec des éleveurs de Ranchu en Thaïlande, des éleveurs pros, et ils nous disaient, enfin m'expliquaient que, en fait, eux, la vue de face, ils s'en fichaient, c'était la vue du dessus. Et c'est vrai qu'en Asie, on a beaucoup plus cette vision en 3D des choses, alors que chez nous, on est très télévisuel, je dirais, sur les aquariums. On reste vraiment sur la face, alors que c'est très sympa aussi de pouvoir tourner autour d'un aquarium, de le regarder du côté gauche, du côté droit. Vu du dessus, c'est vrai, tu as raison, notamment quand on a des racines qui ressortent, les plantes qui sortent de l'eau. C'est vrai qu'on les taille souvent, mais tout aquascaper a des gros dilemmes à chaque fois qu'il faut couper des plantes. Hein. Quand ça commence à sortir, c'est joli, on aime bien cet aspect-là, mais on va tailler quand même parce qu'on veut garder un ensemble cohérent. Mais voilà, il y a vraiment je pense, chez les aquascapers, cette idée de refaire sortir la nature du bac et de le faire aller dans le salon ou dans la pièce où est l'aquarium. Et du coup, moins on a de choses qui vont bloquer tout ça, mieux ce sera. Ouais, puis c'est ce que je disais tout à l'heure sur la conception. On a soit un bac qu'on va garder chez soi et qu'on va faire pas pour forcément le concours. Donc là, on peut se permettre de faire sortir des racines, on peut se permettre de faire plein de choses. Par contre, un bac qui est fait pour la photo, bah, il faut qu'il soit prévu et fait dès le départ pour la photo. Donc, vous pouvez regarder un bac en photo, ça va être super joli, mais par contre, vous regardez tous les alentours après, c'est horrible. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien cibler ce qu'on veut faire dès le départ. Et donc ça passe par prendre du temps, réfléchir et savoir ce qu'on peut faire avec le matériel qu'on a, etc. La La patience, patience, quoi. ouais. Vous Exactement. voulez réussir dans l'aquascaping, c'est la patience. Ça, Dans c'est le premier truc, l'aquariophilie c'est la générale, patience. d'ailleurs. En général, de toute façon, oui, de toute façon. Oui. Donc Catherine te dit vraiment naturel, c'est très joli. Alors, je connais un petit peu Emeric, c'est sûr, il le disait tout à l'heure, mais ça va pas rester comme ça. Bon, ça va pas rester comme ça. En plus, c'est un style. Là, je suis pas. Je parlais tout à l'heure en montagne. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de roches, mais j'essaie plus un style D'accord. brasiliensis. Donc, en fait, le style brésilien, c'est des roches, hein, qui sont un peu penchées d'une façon comme si c'était vraiment la roche qui sort de la terre et tout. Et puis, souvent, c'est des plantes qui sont. Alors, la Rhodala enfin, c'est tout le temps de la Rhodala, C'est vrai, différentes oui. Rhodala, mais des plantes rouges, des différents aspects et tout. Donc, et la perspective, le chemin, il faut le travailler. C'est un style que j'ai jamais fait. J'essaye de, en gros, faire ce que je peux avec ce que j'ai. Là, vous le voyez pas à la caméra, mais en gros, j'ai de la pouzzolane qui est en arrière-plan, qui monte à peu près sur, Ouais, bah si, ouais, on la voit moitié, quand hein, même un parce petit qu'il me reste peu. 20 cm. Voilà, c'est très, très pentu. Il faut que mes roches tiennent. Là, il n'y a rien de collé. Elles sont juste posées. Donc, toute cette réflexion-là, il va falloir que je mette le sol, il va falloir que je mette après le sable et tout, faut pas que ça redescende. Il y a encore énormément de boulot, donc ouais, ça risque, je pense que ça va pas rester Ouais, comme parce que c'est vrai ça. qu'on s'en On rend pas verra compte, en mais fonction de mon boulot. l'empilement des roches comme ça, c'est non seulement tout un art pour les placer, mais c'est qu'il faut que ça tienne. Et ça, l'équilibre, c'est chaud de chez chaud. C'est vraiment pas évident. Et plus t'as un aquarium grand, et plus ça a tendance à retomber. C'est très très galère. Voilà. Il y a toute cette gestion-là à prendre. Dans quelques jours, je mettrai justement, c'est prévu que je mette une photo sur Instagram de l'empilement, en fait, vu de côté. C'est un sacré boulot, quoi. Pour tout caler et tout, c'est compliqué. Petit paquet. Emeric, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire de l'aquascaping et en faire des concours? Alors,
Ça, c'est. Donc, comme je disais tout à l'heure, je faisais partie d'un club. Alors, c'était le plus petit club de Bretagne à l'époque. Maintenant, il a fermé ce club-là. Et en fait, on avait 8 bacs et on avait tout fini, l'agencement extérieur et tout ça. Et on s'était concentré du coup sur vraiment faire des biotopes, faire des beaux bacs, faire des trucs qui tapent à l'œil, quoi. Et donc on m'avait chargé de cette mission-là. Et en gros, bah, j'ai commencé à faire comme tout le monde, regarder sur Internet. À l'époque, je faisais du kili, je faisais de la reproduction de kili. Donc j'étais pas du tout dans le paysage ou quoi que ce soit. Et j'ai commencé à regarder sur Internet. J'ai vu des vidéos, alors évidemment, des vidéos indonésiennes, collages, de machin. Enfin, ça, on m'en prenait plein les yeux. Je voulais faire ça. Petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'entraîner sur les bacs du club avec les moyens du bord. On avait des racines qu'on récupérait dehors, des pierres, des mélanges de pierres et Ouais, tout. on Donc, fait ce c'était un qu'on peu peut au n'importe début, quoi. c'est sûr. Voilà, c'était ça. Beaucoup de valises inaria parce qu'on avait de la valise inaria à bloc dans les bacs. Donc, j'avais beaucoup de bacs avec des gros rideaux de valises Très inaria qui n'étaient élégant, pas ouais. forcément jolis. Et en fait, quand j'ai débuté les concours, ça a été au championnat de France. D'aquariophilie du coup et bah, à l'époque je faisais des stages en animalerie, j'avais vu une annonce, je dis bah, allez vas-y j'y vais, je mets ma candidature et j'étais après sélectionné et puis c'est parti comme ça et donc le premier concours donc évidemment que j'avais remporté donc ça m'a donné encore envie d'en faire Okay. d'autres et après il y avait des concours d'autres magasins et puis après on commence à taper un peu plus haut avec en Allemagne et tout des concours européens et puis bah, maintenant j'arrive pas dès qu'il y en a un si je peux y aller j'y vais quoi. Ah, comme quoi ça peut démarrer de Voilà. pas grand-chose et puis après. Ouais, non, c'est clairement ça. Et puis après, bah, j'ai commencé à avoir aussi bah, les premiers salaires, le premier appartement. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut. On a l'aquarium. On essaie de récupérer du matériel à droite, à gauche. Enfin, non, il y a vraiment que cette année que je me suis fait vraiment plaisir avec un bac. Sinon, c'est que de la récup, quoi. Il y a à chaque fois de la récup, des trucs gagnés, des trucs chinés, des trucs que j'ai vendus et que du coup, ça m'a permis de racheter. Enfin, voilà, mais c'est 6 ans de travail et d'accumulation de trucs. Là, moi, mes 200 kilos de roche, je les ai pas eu du jour au lendemain. Oui, parce que même si tu veux Hein. commander Il faudrait 200 kilos de roche le jour J, c'est chaud quand même de recevoir 3-4 palettes, hein. Ouais, non, c'est énorme. Et puis, j'imagine même pas le prix. Il faudrait vraiment que je fasse Oui. le calcul des tarifs. C'est à peu près entre 3, 3,50, 3,90 au kilo. Ouais, Déjà, ça sans les frais de pique. port. Et après, ben, y a tout le transport après, hein, parce que là, ça arrive sur Parce que le palette, hein. problème, effectivement, Déjà, quand le vous bac commandez est vos derrière. roches sur Internet, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de magasin dans votre région qui fait de l'aquascaping, il y a un caillou qui se balade une fois de temps en temps, donc c'est même pas la peine. Vous êtes obligé de tout commander sur Internet, mais alors le prix des roches déjà, bon, c'est pas donné, mais ça peut encore aller. Mais alors le prix du transport, c'est catastrophique, c'est tellement lourd, c'est horrible, quoi. C'est ça qui coûte le plus cher. Hein. Ah tiens, je viens de voir un petit commentaire de Gwen, justement un ancien membre du club de Plouescat. Bonsoir Annie et bonsoir Emeric Incompréhensible. Plouescat. Bah, bonsoir à toi Voilà. Gwen. Merci d'être là. Donc, par le fil du club, à l'époque, on faisait partie. Catherine nous dit, je pense que l'aquascaping va beaucoup se développer en France. Alors ça se développe un petit peu quand même, je pense en grande partie grâce à Internet. Oui, ouais, il y a ça se développe, ça continue. Après, il faut que ça se démocratise et il faut que ça intéresse aussi les personnes parce que c'est vrai que l'aquariophilie, bon, même si nous, on est dans la communauté, on voit qu'il y a beaucoup de gens, mais d'un regard extérieur, un aquarium, moi, c'est chiant, il faut entretenir, je peux pas Et puis partir en c'est cher, vacances, c'est le les premier poissons sont truc, trop petits. enfin moi ce que j'ai Ouais. en face c'est Voilà. que c'est cher. C'est vrai que ça peut paraître cher, mais à chaque fois je le dis, c'est pas plus cher qu'une autre passion si vous pratiquez l'équitation, si vous pratiquez n'importe quel autre sport, ça peut vous revenir cher, ne serait-ce que du foot, vous achetez les crampons, si vous êtes fan d'une équipe, vous achetez tous les t-shirts, ça peut vite grimper, donc c'est cher, oui, mais on peut faire ça quand même avec des moyens un petit peu plus restreints. Il y a plein de tutos sur Internet qui vont vous donner des astuces pour que ça vous coûte un petit peu moins cher. Après, oui, c'est un petit coût financier, mais comme toute passion, hein. Ouais, totalement. Comme je disais, moi je pars pas forcément en voyage ou autre, je vais pas me faire un mois sur les îles, donc Ouais, c'est ça, ben c'est des voilà, choix. je C'est mets des choix. là-dedans. Ouais, totalement.
Donc ça se développe un petit peu, on a de plus en plus de boutiques, de sites internet. Après, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut faire le tri aussi, hein. Il y a beaucoup de sites qui se lancent, mais nous avons quand même des pointures en France qui Oui, sont parce que là, on en c'est vrai que parlait c'est tout à l'heure. important de le Donc, souligner, mais on a des Français qui sont, tu le disais tout à l'heure, régulièrement classés dans le top 50, le top 30, le top 10 de gros concours d'aquascaping. Hein. Il y a vraiment des Français qui sont discrets, hein, en fait, parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, on ne les connaît pas forcément, mais qui font des réalisations superbes et qui se classent très très bien. Hein. voilà. Donc c'est pour ça, en gros, moi, le temps que je prends en fait sur YouTube, sur les réseaux, à expliquer et tout, eh ben c'est du temps que je perds pour faire mes bagues. Donc je suis pas à fond sur mes bagues. Je pense que je pourrais être meilleur. Enfin, je pourrais être meilleur dans mes réalisations, mais j'ai pas le temps en fait. Donc Mais du ça, coup, tout à fait, faut c'est choisir. effectivement, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps là-dessus, c'est qu'effectivement, moi j'ai le même problème que toi, comme je fais beaucoup de vidéos sur YouTube, mes bacs, je les pousse pas assez, je prends pas le temps, et c'est vrai que les personnes qui font des bons résultats dans les concours d'aquascaping, en général, c'est des gens discrets qui n'ont pas de site internet, qui ne font pas de chaîne YouTube, et qui ont un travail à côté, mais qui du coup sont à 100% sur leur passion, et du coup, bah, ça fait différent. Ouais, du coup, ouais, ils sont pas forcément actifs et pour les gens, pour les contenus, pour développer justement. Et eux, ils prennent l'info, ils restent dans leur truc, ils se concentrent vraiment sur leur bac. Mais c'est vrai que peut-être que j'y viendrai un jour. Hein, au bout d'un moment, j'ai pas fait le tour de l'aquascaping et de l'aquariophilie parce qu'il y en a toujours à Oui, c'est apprendre. très Et très vaste. voilà, ça c'est clair. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, des choses personnelles aussi. Là, je suis encore jeune, donc ça va. Mais si le jour où il y a les enfants ou autres, on va peut-être réduire aussi la Bah, cadence, quoi. oui, c'est Donc c'est sûr. pour ça, j'en profite un maximum. Après, on a aussi le J'en profite droit un de faire maximum. des pauses, et Mais... ça ne veut pas dire que ces gens-là ont tort, hein, bien au contraire, ils sont sur leur passion, ils font leur bac de concours, et c'est très très bien. Après, c'est vrai qu'avec Emeric, nous, on Voilà. a choisi de partager notre passion, parce que bah, on est comme ça, mais il en faut pour tout le monde, et puis c'est vrai que moi, je reçois de plus en plus des messages qui me disent « J'ai démarré l'aquariophilie grâce à toi », et quand je vois les bacs que ces personnes font, mais voilà, ça n'a rien à voir avec les miens, ils sont beaucoup mieux les leurs, parce que ils ont le temps et voilà, mais je suis pas jaloux, je suis contente au contraire d'avoir pu les aider. Ouais, moi c'est pareil des gens par exemple on parlait de Gwen tout à l'heure, on a un autre collègue en commun qui a voulu pareil se lancer dans l'aquascaping. Je l'ai conseillé pendant quelques mois. La première fois qu'il a fait son premier concours, c'était le CAPA, il a fait premier en débutant. Donc voilà, je dis mais très bien en fait. Les deux collègues que j'ai conseillés, ils ont fait des meilleurs classements que moi sur le même concours, quoi. J'étais dégoûté, mais j'étais Mais super content t'étais pour eux. content, t'étais Voilà. fier, c'est cool. C'est que le message est bien passé, que ça Ouais. les a intéressés et que justement le fait de faire que le premier ou très bien classé, ça les fait continuer tous les ans, ils continuent et tout Non, puis ça. Et plus puis on est moi, donc j'ai nombreux, fait mieux du c'est, hein. boulot. Ah ouais, non, mais totalement. Gymscape, j'ai attaqué il y a un mois, je pars de rien, et oui, l'aquascaping est un sacré budget, mais tellement passionnant. Oui, ça c'est sûr, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à l'aquascaping, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de détails, et puis avec les gens créatifs de par le monde, on a toujours envie d'en refaire un, et ça c'est vrai que c'est. De ce côté-là, c'est très passionnant. L'aquariophilie, c'est pareil. Hein. Après, que vous aimiez les aquariums d'eau de mer ou l'aquascaping, là, on parle de l'aquascaping parce que c'est vrai qu'avec Emeric, je pense qu'on est plus sensible aux aquariums plantés. Mais du coup, c'est. Enfin, toi, plus le hardscape, comme tu nous disais tout à l'heure. Mais c'est Ouais, vrai que, voilà, du coup, c'est tellement passionnant quand on est dedans que même si ça coûte un peu de sous-sous, bah, ça nous fait plaisir. totalement, ouais. Après, c'est vrai que c'est un peu la folie du début, hein, quand on se lance et tout, on veut faire des bacs et puis du coup on est limité parce qu'on se dit bah ouais, mais je suis obligé de refaire mon aquarium et tout, donc on va acheter un autre aquarium et puis on va cumuler, cumuler, cumuler. J'étais comme ça, hein, j'en ai Oui. eu jusqu'à 4 en même temps d'aquascaping et tout, enfin c'était relou à gérer, hein, clairement. Hein. Donc là, je me suis dit, et c'est la période du confinement qui m'a, parce que donc je bossais, j'étais en télétravail. Mais une fois que j'avais fini, je m'occupais de mes bacs, mais au final, ça me prenait la semaine pour vraiment avoir clean, propre comme Ouais. il fallait.
pour les différents concours. Et je me suis dit, bah, au final, est-ce que je revendrais pas tout pour me prendre justement un bac et je me concentre sur un. Donc, dans l'idée, en gros, c'est ça. J'ai deux autres à la caméra qu'on voit pas, mais derrière, il y en a un que j'ai enlevé il y a récemment. Je vais peut-être soit en faire un bac à bouture de plantes avec un petit élevage de crevettes pour justement foutre après dans mes bacs. Et j'ai le petit 16 litres qui lui me sert pour les articles aquariums à la maison parce que c'est petit, ça fait Ouais, c'est c'est très pratique. facile et au moins je peux le faire assez rapidement. Mais celui-ci, c'est vraiment pour les concours et tout. Donc ceux qui souhaitent me suivre après par la suite, vous le verrez en story des fois, des choses comme ça, mais j'en ferai pas une vidéo spécialement tant que le concours est passé, etc. Ce sera mon petit plaisir perso. Et puis bah après, ouais, si les aléas de la vie fait que j'ai plus vraiment le temps, bah, je revendrai les petits, puis je me garderai le gros quand même, même s'il est vide. Et ça me permettra de me relancer au bout d'un moment, quoi. Mais ouais, c'est vrai que tu le disais, mais quand on a plusieurs bacs en aquascaping ou en aquariophilie tout court, c'est vraiment pas évident à gérer. Moi, là, actuellement, on me demande souvent combien j'en ai 18, c'est trop. Je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup trop. Là, je commence à plus trop avoir le temps de m'occuper de tout le monde. Du coup, il y a des bacs que je laisse pas à l'abandon, mais pas loin. Donc, c'est pas évident. Et si vous voulez faire du concours aquascaping, le mieux, c'est quand même d'en avoir un, deux max, je pense. Après, ça commence à être chaud. Hein. De volumes différents parce qu'il y a des Oui. concours, on n'en a pas trop parlé, mais il y a des concours où vous avez des catégories, donc ça permet d'être dans une catégorie et dans une autre en même temps. Deux, c'est très bien, deux volumes différents. Après, c'est vrai, là, s'il y en a plusieurs pour faire ça, on peut pas se concentrer à 100% dessus, il y aura toujours des défauts sur un, sur l'autre. Et bah, du coup, au final, les classements, au lieu d'être très très bons, vont être bons, mais ils auraient pu être mieux si on avait vraiment se concentré là-dessus, quoi. C'est clair. Donc c'est pour ça, à la famille, j'ai envoyé une photo juste comme ça pour le plaisir. Je verrai ce que ça donne. Mais c'est pas un bac qui est vraiment attiré pour le concours et tout. Faut que ça pète, quoi. Donc, je pense que mon objectif, c'est quand même top 500 parce que j'ai pas envie d'être en dessous. Mais je serai pas. À chaque fois que je dis top 500, de toute façon, je suis en dessous. Donc maintenant, je dis plus rien. On Voilà, verra, comme on va ça, croiser les doigts on et puis on va espérer quand même que tu sois verra. top 500, il n'y a pas de raison, même si j'ai pas vu le bac évidemment, mais il n'y a pas de raison. Il y en a un, Yann Fanatique Discute, toi tu suis l'Insta d'Emeric, méfiez-vous. Voilà, je vous laisse lire ce qu'il y a dans le chat, mais voilà, lui il le suit, hein, ça c'est sûr, effectivement. Justement, je l'avais rencontré à Vivarium. On avait fait une vidéo sur justement le jugement de comment dire de Discus parce que lui est juge français pour les concours Discus, donc super intéressant. Et oui, l'autre jour, ouais, ma fameuse photo torse nu que j'ai virée, hein, donc vous pourrez pas aller la Trop voir, hein, tard, fallait suivre mais avant. ça a fait tout. Toutes les Jimscape nous demande si c'est possible de s'inscrire au CAPA avec un bac qui aura 2 mois et demi lors de la fermeture des inscriptions. C'est très précis comme question. Alors, tant que c'est pas fermé, oui, c'est possible. Après, dans le critère de jugement, il faudrait revoir sur le CAPA, je me souviens plus. Mais du coup, les premiers commentaires que tu auras des juges, ça va être ton bac est trop jeune. Mais en soi, c'est possible. C'est vraiment possible. J'ai débuté l'aquariophilie il y a presque 2 ans. Je tenais à vous remercier tous les deux pour vos conseils. Vous avez beaucoup aidé. J'ai encore à apprendre. Merci infiniment. Merci Lantu. Ah oui, c'est quelqu'un qui vient discuter beaucoup sur Instagram avec moi, que je conseille à distance, du coup. Ah, c'est cool si ça a réussi. Oui, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui nous disait que c'était. Oui, voilà, j'ai retrouvé. Maxime nous dit avec les nouveaux accessoires aquascaping, on devient zinzin. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel. Je le disais tout à l'heure, on parle énormément de matériel en aquascaping. Après, il y a quand même, on l'a dit avec Emeric, des choses indispensables, sol technique, éclairage, CO2.
Déjà, ça c'est vraiment la base. Des chiros doctor, des choses comme ça, c'est du préventif, mais c'est pas indispensable. Il y a plein de petites choses dont on peut se passer. Si vous débutez, le mieux c'est quand même de ne pas non plus être trop les yeux tout pétillants et se dire je vais faire exactement ce que je vois, par exemple, je sais pas, n'importe quel aquascaper, il a ça, 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 ça dans son bac. Ça va pas forcément marcher exactement pareil chez vous, même si vous faites exactement le même. Ça dépend vraiment de plein de choses et puis aussi de l'aquascaper en lui-même, de son expérience. Donc le matériel, c'est un petit peu un piège en aquascaping, même si c'est vrai que c'est du beau matériel, c'est épuré, c'est en verre et tout ça. Faites gaffe au prix. Si vous débutez, ne partez pas non plus dans les trucs super chers. On en discutait avec Emeric cette semaine, la marque Ada par exemple. Tous les deux, on n'en a pas chez nous. Et pourtant, moi, on m'a fait des réflexions du style, oh là là, mais tu n'as pas d'aquarium Ada, qu'est-ce que c'est que ce délire? T'es pas aquascaper. Bon, déjà, j'ai jamais dit que j'étais aquascaper. Mais voilà, ne vous focalisez pas non plus sur ce genre de choses. C'est pas parce que vous aurez du Ada, du full Ada, l'aquarium, l'éclairage, le sable qui va vous coûter une blinde que vous allez forcément avoir un super aquascape. Ah oui, totalement, c'est pas ça. Le seul truc Ada que j'ai, c'est une pince, et encore, c'est un petit cadeau qu'il m'avait fait à Aquascape Boutique parce que j'avais pris le bac chez lui. Mais en gros, je regarde les pinces sans marque que j'ai, limite, je préfère hein, Oui, non, mais des dans le fois, maintien, oui. dans le transport, je préfère, mais largement. Hein. Donc, c'est vrai que quand on parle Greenaco et tout, ils sont là, oui, prenez ci, prenez ça. Bah, prenez vraiment le matériel dont vous en avez besoin. En outils, généralement, on va avoir la pince droite, le centre fathénaire pour remettre un petit peu et un ciseau, tout simple. Après, c'est sûr, si vous faites des décors plus développés au niveau du hardscape, bah, le spring, lui, peut être utile parce que c'est un petit ciseau. On n'y met pas les doigts, c'est vraiment à la pince, hein. C'est comme une pince. Donc du coup, c'est vrai que c'est quand même plus facile. Et puis à force, n'achetez pas tout d'un coup. Le kit de base, une pince droite, un ciseau et le centre fathénaire, ça suffit. Un pinceau pour la peinture, c'est moi j'ai ça. Hein. J'ai des pinceaux pour la peinture. Voilà, c'est exactement ça. Bon après, c'est vrai que pour les démonstrations, j'aime bien avoir ma petite pochette où je peux ranger tous mes outils parce que sinon, on en fout. Et j'ai déjà eu ça le cas en magasin, des vols et tout ça. Donc là, je l'ai à la ceinture, ça va très bien. Après, c'est sûr, si vous voulez mettre dans un bon filtre, eh ben, il va falloir mettre un bon filtre. Le petit gadget d'atomiseur là, que tu as présenté sur ta chaîne également, bah ça c'est des super produits. Et la gamme, c'est vrai, CO2 Art, c'est vraiment top, quoi. Et il y a toutes ces petites choses, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup des additifs, des poudres, des choses comme ça qu'on met dans le sol. Moi, j'utilise pas ça, un hein, pouzzolane et puis du sol technique, et ben, ça pousse très bien. Je suis pas un bon, je suis un bon technicien, mais je suis pas un bon vendeur. Ben, Non, ouais, je mais suis c'est vrai que tu pas as forcé à raison, la vente. notamment avec Donc, les poudres. C'est vrai que quand vous regardez des démonstrations des personnes de chez Ada ou des aquascapeurs estampillés Ada, ambassadeurs Ada, ils vous mettent une tonne de poudre au fond du bac. Pour moi, c'est franchement ridicule. Moi qui fais du jardinage, je vois pareil. Hein, et je te mets ci, et je te mets ça, et je te mets une poudre de trucs. Voilà. J'utilise pas tout ça, je fais en permaculture. Et ça pousse très bien, quoi. Donc vraiment, comme tu dis, hein, pouzzolane, sol technique, c'est ce que vous voyez sur mes vidéos, c'est ce que vous voyez sur les vidéos d'Emeric. Et vous voyez les résultats, hein, ça pousse très très bien. Il suffit de regarder juste derrière moi, il n'y a rien. Et je mets 3 gouttes d'engrais une fois de temps en temps, comme toi, Emeric, hein, je ne suis pas du tout engrais. Et il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dont on peut se passer. On n'est pas obligé de faire exactement tout comme il disait. Tu le disais, une pince, un ciseau, c'est vraiment... Bon, la pince d'aquascaping, j'avoue, c'est quasi indispensable parce que c'est tellement pratique, mais après le reste, c'est vraiment suivant le budget. et c'est vrai que c'est peut-être que j'en ferai une vidéo un jour parce que c'est vrai que je commence à accumuler un peu de matériel et tout, mais peut-être sur justement les choses à avoir essentielles Les quoi indispensables. pour l'aquascape.
Voilà, vraiment les indispensables. Mais après, c'est sûr que si vous avez budget, si vous avez envie de vous faire plaisir, bah, vous pouvez, mais c'est pas pour autant que vous allez vous en servir. Moi, par exemple, j'ai des pinces avec le bout courbé parce que j'en avais gagné sur des concours et tout ça. Et je m'en sers jamais. C'est un truc qui me sert jamais parce que j'aime pas là maintenant. J'aime pas planter avec. Mais pourtant, peut-être qu'un jour sur un truc, il va falloir mettre à un endroit et que je vais pas pouvoir y aller avec une pince droite, bah, elle va me servir. Mais sinon, elle ne me sert jamais. Elle est là dans la pochette, elle fait déco, mais c'est tout. C'est bien, mais c'est tout. Je m'en sers jamais. Mais il y a de tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, regarder un peu partout ce qu'on peut trouver et ce qu'on peut avoir, ce qui va nous servir et adapter en fonction de nos besoins. Moi, je dis toujours ça. Hein. Un truc qui me sert à moi ne va pas forcément Oui, servir à c'est vous, clair. quoi. Donc, mais, parce que moi, j'en ai un. Donc, il faut adapter. Yann nous demande justement, enfin te demande, penses-tu qu'une tendance biotopscaping pourrait percer? Eh ben, alors il fait référence, je pense, à Vivarium parce qu'il y a un concours et les Hollandais sont vraiment à fond là-dessus sur les comment dire les biotopes. Je pense que ça peut fonctionner. C'est vrai que c'est une tendance qui permet de relancer un peu le biotope justement les aquariums biotopes. Donc je pense que ça peut. De toute façon, c'est lié. Déjà, c'est de l'aquariophilie. Le biotope, on va juste respecter vraiment le besoin du poisson, l'environnement du poisson, et la petite partie scaping. Du coup, ça va être juste agencer la racine à un tel moment pour qu'elle fasse un truc assez sympa. Donc obligatoirement, ça se mélange un petit peu, quoi. Et dans le même style de Donc, question, moi je te pose la même question, mais est-ce que tu crois qu'on va revoir des aquariums de type hollandais un peu plus, ou c'est vraiment un style qui est en perte de vitesse et on le reverra plus revenir à la mode? en France, je pense pas. Mais on va à l'étranger, Hollande, Oui, c'est un c'est peu toujours normal. En Espagne, ils aiment beaucoup les plantes aussi. Au Brésil, alors Oui, là, bien sûr. c'est que la multitude des plantes. Donc, non, c'est vraiment, c'est différents styles en France. Voilà, c'est comme ça. Mais après, chacun peut se faire un beau bac hollandais, beaucoup de plantes. Oui, mais du coup, pour les concours, bon, je sais que l'AGA, par exemple, qui est un concours américain, pour ceux qui ne connaissent pas, un concours photo américain, l'Aquatic Gardeners Association, quelque chose comme ça, propose cette catégorie, la catégorie hollandais et justement la catégorie biotope. Biotope, en général, ils avaient. Enfin, dernière nouvelle, j'ai pas regardé l'année dernière, mais il y avait 5-6 participations. Bon, il n'y avait pas souvent grand monde. Pour les aquariums hollandais, il y a pareil. Du coup, je sais pas trop si c'est vraiment des styles qui valent le coup dans les concours. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de participer avec ce style-là des concours? Je suis pas sûre, vu le peu de participants. Voilà, alors je dirais, vu qu'il y a très peu de participants, si on veut faire un bon classement, ça sera plus Oui, facile. voilà, si on part de ce Mais c'est vrai que principe-là, oui. quand c'est des catégories mélangées et tout, non, il n'y aura pas vraiment d'intérêt parce que, ou alors vraiment, il faut que ça tape à l'œil et que vraiment, c'est un intérêt, voilà, que c'est vraiment très, 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 très joli pour taper un classement avec ça. Mais sur une catégorie biotope, si on n'a pas beaucoup, ça peut toujours être intéressant. Et souvent, le plus intéressant dans le concours, quand il y en a, parce que c'est pas dans tous les concours, mais vous avez les retours de juges. Oui. Donc, vous avez des avis extérieurs de Ça, personnes qui c'est sont très dans le très bien. métier ou qui sont déjà. Donc, quelque chose que nous, on n'a pas vu et que, tout à l'heure, je parlais, par exemple, si la personne qui voulait faire son bac, là, 2 mois, premier commentaire qu'il va avoir, ça va être ton bac est trop jeune. Donc, sachant que, on le sait que le bac est trop jeune et qu'il va avoir que limite que ça en commentaire, bah, c'est pas forcément intéressant. Tandis que si vous attendez peut-être pour l'année prochaine par exemple, parce qu'on pourrait très bien le shooter, refaire une autre version et envoyer la photo, hein, c'est Oui. totalement possible. Pour le CAPA par exemple, c'est faisable. Ça, c'est vraiment des choses où on va lui dire que ben, peut-être améliorer le point de fuite, améliorer ceci, améliorer cela, etc. Parce qu'un bac qui est jeune, on sait qu'il est jeune. Donc au final, tous les juges vont se concentrer là-dessus. En plus, le risque, c'est qu'il soit mal noté, alors que du coup, ben, il aurait attendu un peu plus, ça aurait pu peut-être faire un meilleur classement, quoi. Donc
faut vraiment prendre le temps Ouais, il faut de faire vraiment ça. que le bac soit vraiment mature. Sinon, c'est vrai que bah déjà, les juges vont tout de suite le voir. Ils sont très très habitués à ce genre de choses. On voit de toute façon quand un bac a pas bien poussé encore, ou qu'il y a des zones qui sont pas bien finies, ou que les petits buissons sont pas assez denses. Donc c'est vrai que faut quand même être patient pour envoyer sa participation, comme tu le disais. Hein. C'est sûr. Alors je regarde si on a encore des questions. Une fois en plus que c'est présenté, bah, il est vu le bac, hein, donc on ne peut pas le représenter une année suivante. Donc c'est perdre un an pour rien. Tant que le bac ne vous plaît pas, ne le présentez pas. Voilà, c'est toujours ce que je dis. Le biotope, c'est très méticuleux, pardon. Oui, effectivement, comme tout Aquascape, hein, je pense. Peut-être plus encore les nano-épicaux, il faut avoir des petits doigts pour mettre les choses bien à leur place, mais c'est sûr que de toute façon, c'est le détail, très important en aquascaping. Créer un aquascaping dans un bac avec une décantation interne à éviter ou pas? Nicolas, je pense que Aymeric sera d'accord avec moi. Oui, on va éviter. Une décante interne, c'est une horreur. Ouais. Après, si c'est une décante qui est faite, alors c'est pas vraiment interne, mais qui est faite sur le côté du bac, ça peut être intéressant. Mais quand c'est dedans, gros bloc Ouais, c'est noir en ça. plein milieu ou sur le côté, pensez au décor parce qu'il faudra le cacher. Souvent, en plus, ce sont des choses qui sont sous-évaluées en termes de filtration. Normalement, en aquascaping, on va mettre 6 à 12 fois le volume du bac en filtration. Donc voilà, et puis ça va prendre de la place. Non, vaut mieux éviter quand même. Hein. Ouais, donc si vous avez ça dans votre aquarium et que vous voulez faire de l'aquascaping pour tenter éventuellement une participation à un concours, enlevez la décante interne et clairement le mieux pour ça, c'est d'utiliser un filtre externe. Vous pourrez plus facilement, lors de la photo, enlever l'équipement, justement comme on disait tout à l'heure, pour laisser le bac vraiment naturel, entre guillemets, sans équipement technique. De toute façon, ouais, peut-être sur les nanos, il y a aussi des personnes qui utilisent un petit peu des filtres suspendus, mais là encore, facile à enlever pour prendre la photo finale. Donc, c'est vraiment les filtres internes et tout ça, faut qu'on puisse l'enlever. Donc, la décante collée au fond, vous oubliez, ou vous l'enlevez, et puis ça sera très avantageux aussi pour votre aquarium et vos poissons, parce que c'est vrai que c'est pas terrible ces filtres-là. Je regarde un petit peu. Nicolas nous dit bonne soirée à vous deux, merci de transmettre votre passion, merci à toi de nous écouter. Je vois plus trop de questions, c'est peut-être que tu en as vu toi Aymeric que j'aurais peut-être loupé. J'ai le Gunther, du coup, là, le Manado est possible pour un aquascaping. Clairement, non. Non. Alors déjà, je hais le Bienvenue au club. Manado, déjà d'une, pour l'aquascaping traditionnel. Je suis désolé, JBL, hein, mais je n'aime pas le Manado. Limite, faire un Sable de sable Loire, ouais, bustéro c'est sera, mieux. voilà, ça sera mieux que mettre du Manado. Ce n'est pas un sol technique. Donc c'est pas possible. En plus, c'est très friable. Ça, si on veut faire une pente avec du Manado, mais ça descend au bout de 6 mois, même pas. Donc vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter sable terreau s'il y a budget un peu réduit ou si le bac est grand, parce que c'est vrai que les sacs généraux de 9 litres, c'est pour des bacs de C'est 50 ça. litres. Donc si le bac il est grand, voilà, on adapte comme ça. Ou possibilité de mettre un sol technique. Sol technique, c'est pareil. J'en parlais le week-end dernier quand j'étais en démo aux côtés de Lorient. On n'est pas obligé de le mettre sur toute la surface. On peut très bien se faire une zone avec deux plantations, on va délimiter par des roches et du coup on va mettre le sol. Et ben, au lieu d'utiliser deux ou trois sacs dans un grand bac, ben, tout simplement un sac peut faire les deux îlots, si on fait deux îlots par exemple, et ça se fait très bien. Faut aussi réfléchir à ça dans la conception, dans la réflexion du projet. De se dire, bah, de toute façon, je vais faire une zone qui fait 50 cm, donc un sac, ça va me suffire, et de l'autre côté, un autre sac, et je vais pas en mettre partout, ça va me coûter moins cher, je peux mélanger avec du sable blanc, mais éviter le balado Ouais. en Même aquascaping. dans les aquariums tout Ouais. court. Hein. Moi j'ai un bac, c'est vrai, avec du Manado, parce que je voulais tester le Manado, mais
J'en utiliserai plus, ça c'est clair. C'est une espèce de sol vraiment très bizarre. Comme tu disais, ça tient pas du tout en place. J'avais essayé sur un anneau de faire une petite pente, ça n'a jamais tenu, même en calant, c'est une horreur. Ça augmente la dureté de votre eau pendant plusieurs mois. En plus, c'est ferreux, mais ferreux magnétique, hein, pour le coup. C'est vraiment pas terrible, quoi. Vraiment pas terrible. Le dark, la version dark, c'est pareil, c'est encore Oui, ah bah elle est encore plus magnétique, oui, non, c'est une pire. catastrophe. Voilà, donc non, vaut mieux éviter. J'ai vu une petite question passer. Bonsoir Valentin, j'espère que vous passez une bonne soirée. Bah, de mon côté, ça va, je passe une très bonne soirée. Dès qu'on discute de notre passion, moi, ça me convient. La question a peut-être a déjà été posée. Est-ce que tu prévois de présenter un bac à des concours cette année? Alors, Aymeric, oui, parce que c'est son truc, les concours. Moi, personnellement, j'estime d'abord que mes aquariums n'ont pas le niveau. Je suis très réaliste sur ce que je fais. Je trouve que c'est pas assez correct pour participer à des concours. C'est joli pour moi, mais je trouve qu'il pourrait être beaucoup plus joli. Mais je le disais, c'est un manque de temps. Il faudrait que je fasse pas de vidéos, que j'arrête de m'occuper de l'association, etc., pour avoir le temps de le faire. Après, les concours, c'est pas non plus dans ma nature, mais j'adore par contre regarder ce que proposent les gens. Et voilà, ça m'intéresse en tant que spectatrice, mais c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Concours, même si peut-être un jour je participerai à un concours, peut-être que je me mettrai un petit peu de temps de côté et je me ferai un bac un jour, mais voilà, ça sera vraiment sans aucune prétention. Voilà, donc pour Aymeric, si c'est la question, il a participé. Ouais, et moi j'ai une question du coup à poser à Valentin, si c'est lui aussi envoie sa photo parce que je le connais un petit peu et je sais qu'il avait des problèmes de temps et tout ça, donc la question c'est est-ce qu'il sera présent cette année également? Voilà, ça c'est ma petite question que je vais poser. Il est encore dessus, il est encore présent. Alors, est-ce que vous avez d'autres petites questions sur les concours d'aquascaping? Oh, ça fait déjà 2 heures et demie qu'on en parle, mais voilà, faut pas hésiter si vous avez des questions, hein. On est là pour vous répondre, surtout Aymeric, hein, qui est notre spécialiste concours aquascaping. Par rapport à la population de poissons en aquascaping, alors ça c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Quel poisson, couleur, taille, etc. Alors souvent, c'est vrai qu'on retrouve tout le temps les mêmes poissons, des petits caracidés, poissons de banc, souvent de petite taille parce qu'on évite de péter l'échelle de plan. Enfin, même si on commence à revoir encore des bacs, beaucoup de bacs avec du scalaire en petite taille, des choses comme ça, Oui, déjà, mais les oui. bacs ils sont immenses. Donc du coup, c'est vrai que on arrive à revoir des gros poissons, on va dire, même si c'est de la petite taille, mais souvent c'est des petits. De bancs caracidés, donc qui sont faciles à photographier. Une fois, j'avais testé avec du barbu cerise que je trouvais super beau, la couleur et tout, ça se faisait très peu. Enfin, on n'en voit jamais quasiment. Mais j'ai compris Ils sont pourquoi, c'est parce éparpillés. qu'ils sont impossibles à dresser. Ouais, c'est Eh ouais. impossible à dresser. Donc, du coup, j'ai dit, j'ai abandonné l'idée. Ça, mais souvent, c'est vrai qu'on retrouve les mêmes poissons, tout simplement pour Alors, les couleurs, c'est ce qui va être en fonction de votre décor. C'est vrai que si vous avez un décor assez sombre, ben, on va essayer de mettre une petite touche de couleur avec du poisson, du rouge, du bleu, des choses comme ça. Si à l'inverse, c'est plutôt clair, ben, on va justement foncer pour jouer sur le contraste. Après, il y a énormément de choix. Enfin, maintenant, on a énormément de choix de microfiches et tout ça. Donc, clairement, on peut se faire plaisir, il y a énormément de poissons. Le tout, c'est que voilà, il faut pas prendre des poissons trop craintifs. Je pense notamment aux Galaxies, les Microrasvora Ils sont Galaxies. toujours C'est des poissons cachés, qui oui. sont rarement dans les concours et en photo dans les concours parce que voilà, le décor il n'est pas habitué. En plus, on vient lui mettre un coup de sèche-cheveux sur la surface Il n'y a et plus tout, donc personne. à mort. Il n'y a plus personne, donc ça sert à rien. Hein. Alors du coup, on n'a pas trop posé la question, mais comme on parle justement du vivant en aquascaping, on retrouve aussi évidemment souvent des petites crevettes, et notamment les crevettes à mano, principalement parce qu'elles sont assez transparentes, assez discrètes, et c'est la brigade anti-algues, donc c'est vraiment l'idéal. Après, on va éviter tout ce qui est red herring, ce genre de choses un peu trop voyantes.
Bah, c'est encore, moi, ça me dérange pas parce que bon, des fois, c'est vrai que ça fait des petites touches un peu partout. Ça dépend vraiment des décors, mais c'est vrai que j'en ai pas mal des réflexions. Par contre, un souci qu'on peut avoir, par exemple, sur un anneau avec une japonica qui est assez grosse, justement, limite, il faut les enlever Oui, pendant voilà, la c'est photo, sûr. hein, parce Je que parlais c'est pour toujours des l'autre qui bagues va de retourner, 60 litres, quoi. qui va. Voilà, et du coup, c'est vrai que ça va casser notre échelle de plan et tout, ça s'est arrivé, je me suis rendu compte avec les années et tout, et en revoyant les photos, au final, je me dis, ouais, le décor, il est super minimaliste et tout, mais j'ai une grosse crevette dedans, j'ai, bah non, ça pète tout, donc on sait tout de suite que c'est un petit bac et tout ça, mais le combo parfait, ouais, c'est ça, Japonica, Neritina, et puis Zotos Inclus. Oui, les autos s'inclusent aussi, ça Ça, c'est vraiment exactement, oui. le combo, le plus parfait pour entretenir son bac sans y toucher. Dès qu'on peut mettre du vivant dedans, on le met. Alors, les Neritina, souvent, ça pond des œufs un petit peu partout. Sauf qu'il y en a un, c'est le Black Senifer, donc qui est tout noir. Et lui, en fait, alors je ne sais plus si c'est le mâle ou la femelle, mais il y en a un des deux qui garde les œufs sur lui, donc ça évite d'en avoir un peu Honnêtement, je ne partout. sais plus. Ouais, je sais plus si c'est mâle ou femelle, mais Black Senifer, on n'en trouve Mais pas c'est ça partout le non truc, c'est plus. que c'est assez rare. Un super, Mais c'est comment vrai que dire, les Neritina, bah escargot, je pense. c'est au petit bonheur la chance. Si vous tombez sur des femelles, bah pas de bol, effectivement, elles vont faire des œufs un peu partout. Parce que les Neritina ne sont pas hermaphrodites, hein. Ils sont pas mâles et femelles comme d'autres escargots. Il y a des mâles et des femelles. Et si vous tombez sur des femelles, bah ça vous pond des petits œufs blancs partout qui sont quasiment impossibles à décoller du décor. Par contre, bah si vous êtes sûr que c'est des mâles, là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et sinon, un qu'on n'en parle pas assez, mais le Le clito, clito, le oui. petit clito, là, c'est en fait, c'est un petit escargot. Bon, il paye pas de mine, hein, il est tout petit, ça met énormément de temps à nettoyer Ouais, la zone, hein. il est Il pas faut pressé, le le petit. préciser pour mettre tout. Ouais, il n'est pas pressé, mais ça nettoie Ouais. super bien, quoi. Ça, par exemple, dans un picot, on met ça Puis en dedans, c'est plus, ils très sont bien, quoi. super beaux, hein. Il y en a vraiment, les diadémas, ils sont super jolis, jaune et noir, vraiment superbes. Un Adumbia pour un aquascaping, c'est mieux milieu bac ou côté de bac, nous demande Gunther. Eh bien, si c'est une Danubia bartérie classique, tu peux la mettre sur le côté en pleine face. Si tu veux faire un petit effet de profondeur et que c'est une Danubia banzai, bah, tu vas la mettre au fond. Toujours dans l'esprit de perspective, donc tout dépendra de la variété et de la forme et de la pousse qu'elle fait. Alors Valentin nous a répondu, donc oui, il va participer à l'IAPLC, c'est envoyé et le CAPA, je le fais après la fin de mon stage. Donc Valentin, très présent sur les concours, donc ça c'est cool. Je sais quoi, il avait eu quelques soucis, donc il n'était pas trop sûr. J'avais vu le bac en privé, et ouais, c'est prometteur aussi. Bah Valentin, oui, il me propose de m'envoyer la photo sur Insta, il n'y a pas de problème, hein, avec plaisir. Si vous avez des beaux bacs à me présenter, ou de toute façon, j'ai plein de gens qui m'envoient déjà leur aquarium, mais n'hésitez surtout pas, hein, sur Instagram à m'envoyer vos photos. J'apprécie vraiment Instagram, pour moi, c'est vraiment comme Pinterest, c'est l'usine à inspiration. Je regarde vraiment beaucoup. Je commente pas souvent, mais il y a vraiment des choses magnifiques à regarder et ça inspire énormément. Bonsoir Minitza, comment gérez-vous les plantes sans ou avec si peu d'engrais? Avec de l'eau osmosée, de l'eau en bouteille, les carences sont pourtant importantes. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on n'utilise pas de l'eau osmosée pure, on utilise de l'eau osmosée reminéralisée, donc en fait tu as quand même des minéraux. Le but, c'est d'avoir une eau qui ne va pas avoir trop de nitrate ou trop de phosphate ou trop de choses qu'on peut trouver dans l'eau du robinet, et d'avoir une eau plutôt douce qui est très bien pour nos plantes d'aquarium. Après, les carences, elles sont en partie gérées par le sol technique, pour toutes les plantes qui prennent racine dans le sol technique, hein, c'est un sol nutritif, le sol technique, c'est pas que un sol pour faire baisser le pH et le KH. Donc sur un an ou deux, comme on le disait tout à l'heure, d'un aquascaping, ça va, il n'y a pas trop de carences, et puis s'il y en a un petit peu, bah, on met un petit peu d'engrais. En général, ce qui manque, c'est du fer, quand vous avez vos plantes qui vont jaunir un petit peu, donc on met quelques gouttes d'engrais liquide fer, et ça le fait. Je pense que tu fais pareil, toi, hein.
Non, moi, c'est vraiment quand j'y pense. Hein. Comme je dis, je suis pas du tout de bon conseil pour les engrais, quoi. C'est vraiment quand j'y pense pour un peu plus quand il faut shooter, mais sinon, j'en mets jamais, quoi. J'en mets jamais. On parlait d'osmoser tout à l'heure. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait à l'eau du robinet, parce qu'en Bretagne, ça va, on n'a pas une eau qui est trop dure et tout ça, donc ça passe. Mais bon, comme j'utilise le sol technique, j'utilise des pierres qui sont relativement calcaires aussi, donc au final, mes paramètres vont varier. Oui. J'aurai jamais des paramètres bas en faisant avec ce genre de pierre et tout ça. Donc j'adapte. C'est sûr qu'une plante va pousser, va être dans de meilleures conditions pour absorber les nutriments et tout ça quand elle aura une eau plutôt acide. Mais bah, jusqu'à présent, ça l'a très bien fait. Donc ben, voilà, ça passe chez moi. Je dis pas que ça passe chez les autres, mais ça passe Ouais, très bien ça, comme de ça toute pour le façon, on moment. a tous une eau du robinet très différente. Donc, si on utilise de l'eau osmosée, c'est pour ainsi la tranquillité. Mais il y a des régions où il y a énormément de nitrate dans l'eau, donc c'est vraiment difficilement gérable. Donc là, on va osmoser son eau. Il y a des régions aussi où l'eau est très très dure, mais vraiment très dure. Donc ça dépend en fait de votre région, ça dépend de votre département. Moi, comme Emeric, j'utilise aussi dans la majorité de mes bacs de l'eau du robinet. Là, par contre, j'avoue, je sais pas si toi, Emeric, tu le vois en Bretagne, mais depuis le début 2020, depuis les problèmes Covid, mon eau du robinet, par contre, elle a changé. Ils ont mis beaucoup de chlore et chlorine, etc. Mais il n'y a pas que ça aussi, je trouve quand même, j'ai eu des périodes où les bacs étaient pas trop bien et j'ai dû justement utiliser de l'eau osmosée reminéralisée dans certains bacs parce que je voyais bien que l'eau du robinet, elle convenait plus. Donc faites attention aussi si vous avez testé votre eau du robinet il y a peut-être un an ou deux et puis vous vous dites, c'est bon, c'est toujours pareil, ça peut être modifié. Là, j'ai mon KH qui est bien plus haut que d'habitude. Donc voilà, avec tout ce qu'ils mettent dans l'eau, notamment en cette période de crise sanitaire, on a des surprises sur l'eau du robinet. Retestez-la, revérifiez le pH, le KH, le GH, les nitrates, parce qu'il y a quand même des modifications. Toi, Aymeric, chez toi, c'est comment? Ben, moi encore, j'ai pas eu vraiment de soucis là-dessus. J'ai eu un petit souci de cyanobactéries, mais encore, elle reste coincée dans le sol. Elle est vraiment devant et elle se maintient comme ça. Bon, je la crame un peu à l'oxygéner de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de gros changements. Mais c'est vrai que, comme tu dis, avec la crise et tout ça, ça quand même, il bourre les réseaux de cochonneries quand même. Donc pour nos aquariums, hein, l'osmoser, c'est quand même l'idéal. Mais ça peut être tout simplement des travaux que vous avez à côté de Oui, chez vous, aussi. hein. Clairement, ils commencent à poser tout. Là, c'est direct, hein. Ça part un peu, ça peut partir. Donc, l'osmosé, c'est une sûreté. Au moins, on est sûr de ce qu'on a. On la contrôle régulièrement et tout ça. Après, vous pouvez la prendre aussi en magasin, à surveiller aussi les paramètres d'eau en magasin, hein, et les membranes et tout ça. C'est pas changé forcément tout le temps. Donc, il faut aussi les contrôler. Mais jusqu'à présent, voilà, je faisais en eau du robinet, j'ai pas eu de soucis. Là, prochainement, je vais normalement recevoir un osmoseur, donc je vais pouvoir enfin faire de l'osmosé. Même si avant, je prenais un peu au boulot et tout, Oui. c'était plus facile. Mais là, bon, ça sera chez moi, je serai tranquille, parce que là, le grand, ça va être ça. Je vais vraiment faire clean propre. D'ailleurs, je vais sortir bientôt une vidéo sur tout le setup. Là, c'est alors là, on parlait tout à l'heure du matériel qui est soit indispensable et tout. Bah là, en fait, c'est le matériel qui, en gros, il y a tout haut de gamme. Enfin, si, pas trop cher, si, c'est quand même assez cher, mais c'est vraiment du qualitatif, mais il est équipé à mort. Oui, après, c'est enfin, sûr, ce qu'on disait, quand on n'a pas beaucoup de budget, on peut commencer avec des choses très basiques, mais quand on veut se faire plaisir et qu'on peut se faire plaisir, il n'y a aucun mal à effectivement avoir un aquarium high-tech avec tout un tas de trucs connectés, des remplets de super qualité, etc. C'est vrai que ça, on le voit beaucoup sur les groupes Facebook et sur les forums, et ça, je l'ai toujours regretté en aquariophilie, c'est qu'il y a toujours eu des personnes pour critiquer d'autres personnes qui par exemple partagent ah les gars je suis content j'ai acheté une super rampe tout ça et t'en as toujours qui vont venir dire oh là là mais je fais la même chose avec un ruban LED acheté sur Wish. Bon ok mais à quoi ça rime quoi, à part de la jalousie donc ne soyez pas jaloux des personnes qui peuvent te faire plaisir tout simplement. Ça viendra, ça sera votre tour aussi hein. Non, voilà, c'est comme je disais, c'est la première fois vraiment que je m'achète un bac. J'ai jamais autrement acheté d'aquarium. Donc là, je me suis dit, bah, puis comme c'est un truc que je veux garder sur le long terme, là, j'équipe. Moi, je sais que je vais être tranquille.
Mais je vais présenter prochainement justement le kit complet. Là, ouais, même jusqu'à, là, on voit, je sais pas si on voit, non, on voit pas avec la lumière, mais un truc tout con, l'osmolateur. Oui. L'osmolateur, c'est quelque chose qui est important. Bon, pour l'eau de mer, c'est très bien parce que voilà, on a des ajouts et tout ça. Mais moi, vu que j'ai un chat et qu'il arrête pas de me boire dans l'eau et qu'en gros, ça me fait mes changements d'eau, tous les 3 jours, je suis obligé de remettre de l'eau, et ben, ce truc-là, il va m'aider. J'ai un collègue qui me fait une cuve en ce moment. Donc, c'est le petit gadget, mais parce que ça me sert à moi, ça va me servir à moi. Je dis pas qu'il faut acheter ça, mais c'est quand même une solution qui facilite la Ah vie, oui, quoi. un osmolateur, oui, non, mais c'est J'en clair. ai tout le temps, donc voilà, quoi. Voilà pour ça. Oui, c'est vrai, l'eau du robinet a changé. Oui, je ne sais pas effectivement si vous aussi vous l'avez constaté, mais je pense que je ne suis pas la seule. J'ai notamment un anneau qui se portait à merveille qui, en une semaine à peine après un changement d'eau, alors que je faisais toujours de la même façon, cyanobactéries, enfin bon, la totale. J'ai constaté ça ensuite sur d'autres bacs au fur et à mesure. Et du coup, là, j'ai dit, allez hop, j'arrête les frais. J'ai pas non plus le temps de réparer tous les problèmes comme ça, d'eau verte qui arrive d'un seul coup alors que tu sais pas pourquoi, d'habitude ça va très bien. Donc du coup, tout le monde est à l'eau osmosée en ce moment reminéralisée. Mais bon, j'espère que ça va pas rester comme ça parce que c'est un peu embêtant. Oui, des gens pour critiquer, il y a du monde, oui, ça, il y en a toujours eu, mais c'est vrai que c'est toujours embêtant. Enfin, moi, je trouve pas ça ni fair play, ni partageur de toujours être en opposition avec les gens qui font de l'aquascaping, parce qu'effectivement, c'est un petit peu vu comme la Rolls-Royce de l'aquariophilie d'eau douce, et tous ceux qui veulent rester avec des bacs low-tech, notamment. Alors là, le low-tech et l'aquascaping, c'est... C'est très très, on va dire, tendu. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas de raison, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi j'ai le bac ici derrière qui est quand même relativement tech, même sans être extrême. Et à côté j'en ai un, il y a que l'éclairage, un petit éclairage dessus qui est en low tech. Donc ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est un peu bizarre. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre les gens qui se mettaient en opposition. C'est pour ça aussi que je pars à l'étranger. J'ai pas Voilà, ces soucis-là c'est vrai, tu as tout à fait avec raison. En Allemagne, par exemple, bon, je parle pas allemand, mais c'est vrai que, comme tu disais, ils parlent très bien anglais, donc on arrive à discuter. Il n'y a pas cette espèce de valeur d'échelle, il n'y a pas ça, et on peut facilement discuter avec quelqu'un qui a un super niveau en aquascaping, et tout en étant très humble à côté, en étant un débutant. Et en France, c'est un peu moins évident, il y a vraiment des gens qui veulent faire des cases, des échelles, des trucs. Donc c'est comme ça. C'est possible. Tu parlais tout à l'heure, la première fois que je l'ai vu en Allemagne, moi je voyais donc, dans les workshops, on voyait la télé, enfin la vidéo et tout, enfin voilà. Je suis arrivé et tout, j'ai dit, mais pour moi, t'es un dieu, quoi, enfin tu vois, j'ai dit, mais c'est énorme ce que tu fais et tout. Il me dit, non mais attends, mon ami, c'est pas comme ça. Pour moi, t'es aussi une personne qui est importante et tout. Et en France, bah, on se ferait Ah tailler ouais, c'est direct, quoi. clair. Il y a une grosse humilité. Mais c'est comme ça. Mais il y a, c'est pour ça qu'il faut, il faut pas hésiter à bouger, aller ailleurs, enfin, moi, je sais que je fais, je suis pas arrivé là comme ça, en claquant des doigts non plus, j'ai bougé, etc. On me dit souvent, oui, tu as du matériel, tu as ceci, tu as cela. Bah oui, mais je me suis déplacé aussi, Eh non, mais c'est ça. là, par exemple, la rampe, je gâche pas, on me l'a envoyé, mais ce mec-là, en fait, je l'ai vu à Vivarium, donc j'ai fait plus de 800 bornes pour aller là-bas, j'ai passé le week-end, j'ai payé tout de ma poche, etc. aussi, donc c'est pas en restant chez soi que Oui, non, mais ça c'est va ça, tomber c'est non pas en plus. rien faisant, effectivement, qu'on arrive à financer notre passion ou tout simplement à avancer dans quelque chose. Donc, en France, c'est le rapport à l'argent le souci. Oui, c'est très probablement une grosse partie du problème. Ouais, il y a ça, mais pas que, mais c'est vrai que oui, dès qu'il y a un peu de réussite pour certains, bah, ça Ouais. peut jalouser d'autres, mais moi je pars du principe, si tu ne bouges pas, ben bah, tu vas pas l'avoir non plus, quoi. Donc au bout d'un Ah oui, non, moment. mais il y a du travail et puis il y a aussi le fait, effectivement, comme tu dis, de se bouger tout simplement. C'est possible dans un low-tech, l'aquascaping. Oui,
On peut en faire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'aquascapeurs qui en proposent. Après, il faut savoir ce qu'on entend par low-tech. Parce que c'est vrai que pour moi, le low-tech, il n'y a pas de matos. Ouais. Éventuellement un éclairage, mais il n'y a pas autrement de matière de filtration et tout ça. Et on peut agencer un peu le décor de façon aquascaping, mais on n'aura pas les mêmes rendus qu'un bac On peut vraiment pas bien, avoir bien les mêmes touché, bien. résultats, ça c'est certain. Ne serait-ce que par l'ajout du CO2, c'est pas possible. Sans ajout de CO2, vous pouvez pas avoir les plantes en aussi bonne santé que si vous n'en mettez pas. C'est tout simple. Alors. Non, ça ne tombe pas du ciel. Bah, oui, très bien, Arthur, c'est très bien résumé. C'est comme dans le monde du travail, le réseau est important pour évoluer dans ce hobby. C'est aussi une excellente chose de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux travaux. Ça, tout à fait, Valentin. C'est de toute façon que vous fassiez une passion, et encore plus si vous faites de l'aquascaping à des fins de concours, c'est certain que si vous n'élargissez pas votre horizon, c'est bien de commencer par des concours dans des magasins locaux et puis sur des concours photo en France. Mais c'est certain qu'à l'international, vous allez gagner ben, tout simplement en expérience. Voilà, c'est ça que je cherchais, en expérience, parce que c'est très important de voir ce que font les autres. Et comme tu disais tout à l'heure, Émeric, quand on a un regard du concurrent d'à côté, ou même des juges qui vont vous donner leur avis, c'est très très important pour pouvoir évoluer et puis prendre des infos, hein. Ouais, c'est totalement ça. Et puis ben je sais que avant on demandait beaucoup de choses, ou est-ce que ceci, cela, ou c'est moi qui demandais justement à ces personnes-là. Et maintenant, au final, on me demande. Ils viennent aussi nous chercher parce que ben au bout d'un moment, et ben on a réussi à faire cette notoriété, on a montré qu'on était là, qu'on faisait du très bon travail et qui plaît. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment, je dis, ouais, ça fait 6 ans que je fais ça, quoi. Mais 6 ans tout le temps. J'ai pas dans l'année, j'ai pas une minute de repos où je dis, ah non, je vais arrêter l'aquario. C'est tout le temps. C'est dans tout. Et même c'est là, il y a la chaîne YouTube, il y a les comptes Instagram, il y a les démos, il y a les concours, mais il y a autre chose aussi que personne, il y a des personnes qui le savent, mais d'autres non. Mais je travaille dans l'ombre. Je travaille dans l'ombre. Il y a plein de trucs qui se sont montés, je suis derrière. Il y a plein de trucs que j'ai aidé, je suis derrière. Enfin, mais c'est cette communauté-là, comme il dit Valentin, le contact et tout ça qui fait que on a des choses en France, quoi. C'est sûr que si on n'avait pas des passionnés Merci. comme toi en France, c'est tout ce qui est concours d'aquascaping, ça permet aussi de faire une vitrine pour l'aquascaping et l'aquariophilie d'ailleurs au sens général, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont commencé à s'intéresser à l'aquariophilie parce qu'ils ont vu des concours d'aquascaping, notamment sur Paris à Interzoo, j'allais dire, c'est pas Interzoo, à chaque fois j'oublie le nom. Bref. Animalis Expo, je sais plus quoi, Paris Expo, Animal quelque chose, je veux pas m'y faire. Animal Expo, c'est ça. Animal Expo, et ben voilà, ça fait vraiment une très très belle vitrine. Et comme tu le disais, il y a beaucoup, enfin malheureusement, il y a peu de femmes en aquariophilie et en aquascaping. Du coup, notamment, c'est bien aussi de leur montrer qu'il n'y a pas que monsieur dans sa fish room qui fait de l'élevage de poissons et qui est chiant avec ça, parce que j'avoue que même moi, c'est pas un truc qui me passionne, hein, quand je vois les fish rooms dans les sous-sols avec des bacs de partout sur des parpaings, c'est sympa de faire de l'élevage de poissons, mais moi, ça m'intéresserait pas d'avoir une fish room comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez une pièce ici qui est quand même plus sympa, parce que je préfère avoir quelque chose de scaper avec des plantes, etc. Et ça intéresse plus les femmes. Donc du coup, ça permet encore d'élargir l'aquascaping et l'aquariophilie. Et sans les concours, eh ben, on a une vitrine en moins sur ça, quoi. Donc c'est vrai que heureusement qu'on a des petits gars comme Émeric pour nous montrer ça, parce que sinon, en France, on n'a pas grand-chose, hein.
Ah ouais, et puis c'est vrai que tu parlais de la gent féminine dans le milieu aquarium, il n'y en a pas, et j'en parlais tout à l'heure, le wapikusa, c'est l'alliance des deux, quoi. Et la composition florale, les trucs comme ça, on a deux filles qui sont assez actives en France, et elles adorent le wapikusa, elles font des super créations et tout. Enfin, il y a vraiment, et c'est une branche, en fait. Moi, pour moi, dans le milieu de l'aquariophilie, la nano-aquariophilie, on a voulu faire quelque chose de plus simple pour les débutants, etc., sauf que ça a tué le Oui, marché. c'est Parce plus que simple, c'est oui. des petits. Voilà, enfin, on dit que c'est plus Voilà. simple, mais un grand bac est plus simple qu'un petit. Mais c'est, voilà, ça permettait de mettre un petit kit auprès des débutants et tout ça. Le problème, c'est que bah, du coup, on vend moins de décors, on vend moins de racines, on vend moins de plantes, on vend moins de matériel parce qu'on a moins de poissons dedans. Et du coup, on réduit le truc. Et c'est ça qui a tué un peu le marché. L'aquascaping, après, bon, il y a la méthode, les crevettes et tout, ça a relancé un petit peu. Et l'aquascaping, justement, c'est adapté pour tous les volumes. Et même quand on commence à faire quelqu'un qui commence à un petit va commencer après, enfin, repartir sur un gros. Donc, on va avoir plus de matériel, plus de ceci, plus de cela. Et comme on est sur maintenant, c'est la mentalité un peu des gens également, de se faire plaisir, de faire un beau truc qui va décorer son environnement, son salon, hein. Combien de personnes ont un beau canapé, un beau machin, un beau ceci, un beau cela. On est vraiment sur l'esthétique de son environnement, à sa maison. En plus, avec le confinement, bah, alors, comme on est C'est resté chez clair. nous, alors là, gros goût. Plein de collègues en site internet et tout, ils ont explosé parce que voilà, on est dans cette mentalité-là de faire quelque chose de décor, et l'aquascaping est quelque chose qui est hyper adapté à ça, quoi. Donc du coup, ça va continuer à évoluer, et puis ben, il faut en parler, il faut se lancer, il y a des concours, il y a des trucs, c'est une bonne ambiance, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant à faire, c'est plein de rencontres, c'est plein d'échanges, c'est plein de partages. Enfin, voilà, l'aquascaping, C'est ça. c'est la Bah, vie. comme dit Georges Femmer, keep on skipping, hein, faut continuer de skipper. Et c'est vrai que faut continuer à en faire, hein, c'est certain. Après, moi sur ma chaîne, toi sur la tienne, on essaie de casser aussi un petit peu les on-dit, comme quoi c'est très très cher ou c'est très compliqué. Ou je vois sur mes tutos quand je fais de l'aquascaping, vous voyez, c'est pas très compliqué en fait. Hein. Vous pouvez aller sur mettre un sable. Technique, et puis vous plantez deux trois trucs, après vous agencez comme vous le souhaitez. J'ai des fois des personnes qui m'envoient des photos et qui me demandent des conseils pour améliorer leur décoration, etc. C'est pas forcément de l'aquascaping, hein, juste décorer. Mais ma réponse est souvent, mais si toi il te convient, si tu aimes, c'est voilà, c'est le plus important. Moi je peux vous dire, bon bah oui, la roche devant est peut-être un peu grosse, ça gâche peut-être un peu le truc, mais c'est vraiment, j'aime pas spécialement jugé personnellement. Après, c'est vrai que quand je regarde sur des concours d'aquascaping, je fais pas mon petit juge de mon côté, mais je me dis, tiens, moi j'aurais pas fait comme ça. Ou enfin, le plus souvent, moi c'est plutôt, ah, il est premier, mais j'aime pas du tout, surtout ça. Mais après, c'est chacun ses goûts, mais ça, je le retrouve souvent d'ailleurs. Je sais pas si tu as remarqué, Amérique, mais il y a beaucoup de personnes qui. Quand on regarde les top 3, notamment, ben on se dit, mais ouais, c'est pas ça que j'aurais choisi, quoi. Il y a vraiment, on le disait, des styles et. C'est ça, ça dépend des styles, des points de vue et tout. Je suis d'accord avec toi. Des fois, il y a des bacs, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a Ouais. un souci. Il y a vraiment un souci. Après, si ça plaît au juge et que ça a plu au juge, ben voilà, l'ensemble de tous les juges a fait que ça fait ce classement-là. Mais c'est vrai qu'en concours, il faut. Alors, on juge par rapport à la grille. Il faut pas juger en fait par rapport à ce que on préfère. On a toujours une préférence, mais il faut pas la mettre. J'aime beaucoup les roches. Le gars qui met des roches dans son bac, je vais pas le mettre premier parce qu'il a mis des roches. Non, il faut voir en fonction si ça correspond aux critères du jugement du concours. Mais des fois, il y a des trucs. C'est Ouais, comme ça. après C'est là. c'est les concours, hein. De toute façon, il y a des classements, donc ça peut aussi être subjectif. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas forcément mal le prendre quand on n'est pas forcément bien bien classé. Mais surtout quand on débute, je pense qu'on est assez humble, donc on va pas mal le prendre. Mais c'est vrai que
Parfois, c'est étonnant. Je trouve des classements un peu étonnants. Mais bon, c'est les concours. C'est comme ça. Mais ça vous permet d'évoluer aussi sans vous focaliser forcément sur le classement que vous pouvez faire. Juste participer une fois comme ça pour l'expérience de participer, ça peut être aussi intéressant. Attendez, qu'est-ce que j'ai vu là où... C'est vrai que les conseils que moi je peux apporter, par exemple, quand j'ai des personnes qui m'envoient des photos de leur bac et tout, alors déjà je commence et tout, je regarde tout ça et je leur dis, vous voulez que je sois franche ou pas? Parce que qu'est-ce que vous voulez faire C'est par la ça. suite? Non, mais parce que j'ai pas envie de fâcher ou de dire, bah non, c'est nul ou quoi que ce soit. Je préfère demander ce qu'il veut en faire. Si c'est juste pour améliorer, bah voilà, on va conseiller, on va faire ça. Je l'ai dit, mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Mais souvent, ça fait réfléchir, et même moi, hein, j'ai des amis extérieurs et tout, et ça fait réfléchir. Faut pas se rester buté sur son idée. Toujours réfléchir, et même si là, par exemple, le bac, je le fais comme ça, et ben, au bout d'un moment, je vais avoir un avis, je vais avoir un truc qui va me dire, bah, ouais, bah, en fait, je vide mon bac, je remets mes trucs, et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une évolution là-dessus, et c'est le conseil que l'on peut apporter ou le jugement qu'on peut apporter, c'est pas forcément le conseil qu'il faut, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, je prends l'exemple que j'en parlais tout à l'heure, les deux collègues que j'ai conseillés pour un concours, à chaque fois, j'aurais dit, et ils sont passés devant moi. Donc, c'est que ce que je dis, quand même, c'était C'était pas pas, inutile. j'aurais dû rien dire, en fait. Voilà, c'était quand même utile parce qu'ils ont écouté, ils ont fait le changement, ils ont fait aussi à leur sauce, et puis du coup, c'est ça qui a fait. Tant mieux Oui, pour c'est sûr. Valentin nous dit eux. pour le Wabi Kusa, il y a notamment Emily Aquascape en France sur Instagram. Oui, tout à fait. C'est un compte très très sympa. Emily fait des trucs très très jolis. Si vous ne connaissez pas, c'est sur Insta. Ça fait encore partie, à mon avis, Emily, on ne se connaît pas, mais voilà. Tu es assez discrète, je trouve. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à tomber sur ce compte Instagram. Il y a beaucoup de gens qui font des trucs très, très sympas, mais qui sont hyper discrets. Faut vraiment connaître. Donc, c'est pour ça aussi que j'essaye de faire un peu, pas de la pub pour l'aquascaping, mais voilà, en t'invitant, Emeric, essayer de redorer un peu tout ça en France et vous montrer que c'est pas un truc réservé aux riches. Parce que ça, je l'entends aussi, c'est vraiment pas réservé aux riches, que vous soyez jeune ou encore chez vos parents, rien ne vous empêche de faire de l'aquascaping. C'est vraiment intéressant de faire du hardscape, de la plantation, et c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Moi, je trouve que c'est même beaucoup moins compliqué que de maintenir certains poissons, donc ça peut être très très intéressant de commencer par un bac planté, décoré, et puis après, éventuellement d'avoir des poissons. Et comme tu le disais tout à l'heure, la nano-aquariophilie, le souci, c'est que effectivement ils ont lancé ça. Moi, j'étais hyper emballée hein, quand les nanos sont arrivés, parce qu'effectivement, c'est super mignon. Quand on n'a pas beaucoup de place, et ben, ça nous permet d'avoir un petit aquarium. Voilà. Mais au niveau poisson, c'est galère, on peut rien mettre dedans, ou presque. Donc c'est toujours la sempiternelle question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai que des plantes? Comment je fais pour avoir des poissons? Et du coup, c'est vrai que c'est limitant pour les débutants. C'est une porte d'entrée à l'aquariophilie, c'est ce que disaient les fabricants à l'époque. Moi, je me souviens, les représentants de chez Denerlé me l'avaient présenté comme ça. C'est une porte d'entrée à l'aquariophilie, les nanocubes. D'accord, ok. Enfin, c'est pas donné quand même votre truc, mais enfin bref. Voilà, après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met comme poisson? Donc c'était une approche complètement différente de l'aquariophilie, qui est effectivement plus adaptée à l'aquascaping pour le coup. C'est vrai que tout ce qui est concours d'aquascaping avec les catégories nano, et d'ailleurs, je prends l'AGA parce que c'est un des concours que j'ai le plus suivi, parce que c'était les premiers à être sur le web, et c'est vraiment les petits bacs où il y a le plus de participation. Tu parlais d'IAPLC, effectivement, là,
c'est les grands bacs, mais parce que c'est vraiment the concours, hein. Mais tous les concours un peu plus modestes, c'est vraiment les petits bacs où il y a vraiment énormément de monde. La taille star, on va dire, c'est le 60 litres, avec le 60 P de chez ADA, 60 cm plutôt, on va dire, c'est plus raisonnable que 60 litres. Et puis après, les nanos, bah, y a énormément de gens aussi qui en font. Donc si vous voulez débuter pour faire des concours, un petit 30 litres, un petit 60 cm, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est totalement ça. C'est une porte d'entrée à comment dire à l'aquascaping. Vu que c'est des petits bacs, moi je prends souvent l'exemple justement du Skipper Tank, le 55 litres, parce qu'en plus il est C'est clair. adapté aux dimensions, en plus pour la profondeur, donc pour la perspective c'est plus facile. Mais c'est vrai que c'est des petits bacs qui sont faciles à meubler, qui vont pas coûter trop cher à meubler tout ça. Même si un bon setup, il y en a quand même pour 400-500 euros pour un petit bac. Bon, ça laisse à réfléchir. Mais c'est enfin c'est du coup on, alors c'est mon retour d'expérience, mais du coup c'est plus facile à meubler, on trouve facilement du matériel, etc. Ça, ok, par contre du coup on est limité dans la place, donc il faut adapter les décors à l'aquarium, donc tout de suite ça peut faire très gros dans le volume, donc c'est plus compliqué. Et après il y a toute la gestion de bah, des paramètres, etc., qui vont varier plus facilement que sur un grand bac. Mais c'est un bon moyen de se faire la main. Moi, c'est quelque chose où j'ai commencé comme ça. Et puis bah voilà, hein, c'est en faisant qu'on apprend, hein, de toute façon. Tout à fait. Mais la porte d'entrée à l'aquascaping, à l'aquariophilie avec les nanos, et puis après on part sur plus gros. Puis comme on le disait tout à l'heure, partir sur plus de bacs, mais du coup essayez de pas trop vous éparpiller, surtout si vous faites en aquascaping. Un ou deux bacs, c'est bien. Plus vous en aurez, plus vous aurez du mal à tous les entretenir correctement. Après, on peut vite se décourager, notamment avec des problèmes d'algues. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'aquascaping du côté maintenance, parce que le sujet, c'est les concours ce soir. Mais ce qui décourage beaucoup, ça va être les algues, évidemment. Et en aquascaping, là, c'est une cata, hein, quand on a un bac de concours et que tu as une grosse arrivée d'algues. Alors là, c'est au secours, quoi. Ouais, je touche du bois, c'est vrai que j'ai rarement, mais quand je dis rarement, c'est rarement des algues, que ce soit démarrage, que ce soit sur du long terme. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit coup de cyanobactérie, mais encore, elle reste dans le sol, elle ne va pas s'éparpiller. Mais à chaque fois, je vois beaucoup de personnes qui ont des algues et tout, des problèmes d'algues. Et je dis, mais comment vous faites? Moi, je veux en avoir Ouais, aussi. non, c'est. On m'a demandé à les algues et tout. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire exprès d'en avoir et tout, même en laissant 24 heures sur 24, et j'en ai jamais. Jamais, jamais. Bah écoute, Je tant touche du mieux, ouais, bois. parce que c'est vrai que bon, moi j'en ai eu aussi un petit peu, de la cyano, il y a des périodes, surtout en été, on peut facilement en avoir une petite apparition si on ne le prend pas tout de suite, c'est un peu galère. Après, les gros problèmes d'algues, moi récemment ce que j'ai eu comme problème, c'est qu'en fait j'avais utilisé de la mousse qu'on m'a donnée et qui avait des algues vertes filamenteuses, et je m'en étais pas spécialement rendu compte. J'ai collé ça vite fait, et voilà, j'ai été emmerdée avec ça, pour rester poli, parce que vraiment ça a été chiant. Mais c'est souvent quand on l'apporte de plantes en mauvaise santé, et ça peut arriver quand on achète dans des magasins où les plantes sont pas terribles. Bon, ces magasins-là, fuyez, hein, d'ailleurs, quand vous voyez des bacs avec les plantes qui sont à moitié pourris, en général, c'est qu'ils s'occupent pas bien ni des plantes ni des poissons, cela dit en passant. Mais c'est vrai que les algues. Après, il y a aussi des gens, comme on le disait tout à l'heure, qui ont des eaux du robinet vraiment très très mauvaises, très très inadaptées, avec énormément de nitrate, qui peut vite. Si tu mets un tout petit peu trop de lumière, qui peut vite exploser, et bam, t'en as partout. Et c'est vrai que c'est assez galère, mais c'est. Je pense, après, c'est une question d'habitude aussi, quand on gère bien son eau, quand on gère bien son éclairage, et puis avec de l'ajout de CO2 aussi, ça aide pas mal à éviter les algues. Mais je te souhaite vraiment de ne pas en avoir avec tes bacs de concours, parce que c'est un peu chiant. Que ce soit les filamenteuses, je pense que c'est les plus chiantes. Après, les algues cornes de cerf ou des choses comme ça, c'est un peu plus rare d'en avoir. Mais alors, les filamenteuses en aquascaping, pouf, 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 misère.
Souvent, moi, le cas que j'ai chez moi, c'est bon, j'ai des rampes WRGB, des trucs, voilà. Je ne mets jamais bleu parce qu'à chaque fois que j'ai mis le bleu, c'est parti en cacahuète. Alors, on me dit oui, mais ça joue pas, etc. Je suis désolé, chez moi, ça joue. Dès que je le mets, j'ai des algues. Donc, je ne le mets pas. Les rampes, elles sont jamais à 100%. Je tourne, allez, au maximum 70%. Changement d'eau, 50% tous les 15 jours. J'ai une grosse filtration, j'ai le CO2, 6-8 heures d'éclairage, mais c'est tout, en fait, ce que je fais. Et ça marche très bien chez moi. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Je veux pas d'algues, donc ça reste comme Ouais, ça. bah écoute, là, de toute Mais façon, t'as donné les bon, bases, mais c'est vrai que c'est ça, hein, gros changement d'eau. Par contre, c'est vrai que pour la rampe, moi, je suis comme toi, je suis à 70% sur mes rampes réglables, en tout cas, celles que je peux régler. 70%, c'est vrai qu'en général, c'est suffisant. Et puis, par contre, pour le bleu, j'ai pas trop de soucis. Faudra que je teste. Si un jour, j'ai un problème, que j'enlève le bleu. il y en a plein qui justement mettent dans presque toutes les rampes maintenant il y a du bleu, mais moi dès que je peux l'enlever, ah, je le vire. Non, Je veux mais pas, je veux pas de bleu. après, Ouais, effectivement. plusieurs fois, mais non, ça sert à rien, ça joue pas et tout. Je dis bah je sais pas, ça m'a mis des algues. À l'époque j'en avais parlé avec Sui parce que j'avais acheté chez lui la rampe, et d'ailleurs je l'ai toujours, hein, donc ça tient, c'est du super matos, ça tient. Et justement je lui avais dit, je dis putain je comprends pas, je viens de mettre, et puis il y a des algues. Il fait bah vire les bleus. Bah depuis qu'il m'a dit ça, je vire les bleus, bah c'est bon, hein. J'ai plus de soucis. Comme Donc quoi. mais il y en a qui en ont, ça Ah marche non, mais très bien, mais voilà, Sui chez est moi de c'est pas la très peine. bons conseils. Hein, Aquascape Boutique à Paris, vraiment, ils sont au top. Ah, puis c'est pareil, c'est une des personnes que à l'époque il n'avait pas sa société, enfin là il n'avait pas Aqua Designer parce qu'avant il avait sa société d'entretien et tout ça plus autre chose. Et voilà, c'est sur ce forum-là au départ on avait l'équipe, voilà, les pointures, donc il m'enseignait facilement. Puis après il a créé du coup Aqua Designer, mais oui, toujours de bons conseils. Et il m'a dit vire les bleus. Bah, depuis que j'ai viré les bleus, j'ai pas de soucis. Donc j'en ai jamais. Donc dès que je peux avoir une rampe qui enlève les bleus, je la prends. Sinon, je sais pas. Bah, tu vois, c'est une C'est bonne bon. chose à savoir. Et puis du coup, j'avais pas pensé, moi, enlever les bleus. Bon, pour le moment, j'ai pas de soucis, encore une fois, avec mes RGB de ce côté-là. Mais si j'ai un souci, je penserai enlever les bleus. Donc déjà, vous voyez, on a appris un truc. Merci. Le bleu induit clairement les algues. Alors, oui, c'est vrai que de toute façon, quand on me pose la question, par exemple sur les rampes Amazon et compagnie, là, les trucs à pas cher, qui sont blanches et bleues, je le dis à chaque fois, de toute façon, le bleu, ça n'a rien à faire dans les aquariums d'eau douce, c'est pas fait pour ça. Mais bon, on me croit pas des fois, mais comme quoi. Non, en eau douce, ça sert strictement à rien, mais tous les fournisseurs, tous les fabricants mettent du bleu. Alors, je ne sais pas pourquoi, donc si on peut les virer, c'est très bien. Enfin, moi, ça me va très bien, mais c'est vrai que j'en mets jamais. Ou si allez, je les mets juste pour les photos finish, comme ça, si j'ai un peu de carni, un petit machin, hop, ça les fait ressortir. Ou les bucéphalandras, certaines feuilles. Mais sinon. Même en couleur, au final, je suis pas si élevé que ça, hein. Même pas à 30% de couleur, Oui, donc, c'est pas. mais du blanc à 70. Et ça fonctionne comme ça. Alors Maxime, tu nous demandes pourquoi du bleu, Florian aussi. C'est quoi bleu sur les rampes réglages à LED? Alors, attends, je vais te montrer parce que justement, j'ai mon appli qui est lancée, donc ça tombe bien. Tu vois sur la rampe de mon aquarium derrière, tu as différentes LED rouge, bleu, vert et blanche. Donc il y en a qui ont que du rouge, du vert et du bleu. Et tu as, je sais pas si vous verrez. Hop. Donc, peut-être pas, j'ai un réglage, donc je peux mettre du bleu, du rouge, ce que je veux. Et en fait, pourquoi y mettre du bleu? D'abord parce que c'est des LED qui coûtent pas très cher, techniquement en parlant. Les blanches et les bleus, c'est les LED les moins chers. Les rouges et les verts sont parmi les plus chers, surtout les rouges. Me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça, elles sont plus chères à produire. Et donc, ils nous mettent des blanches et des bleus sur les rampes pas chères qu'on peut retrouver sur Amazon et compagnie, parce que, bah voilà, puis ça fait plaisir aux gamins aussi de pouvoir mettre du bleu là nuit pour l'effet soi-disant
Lune, j'ai jamais vu la lune bleue personnellement, mais bon, c'est pas grave, on va dire ça comme ça. Mais le bleu, effectivement, ne sert pas à grand chose si ce n'est pour nous rendre à nous l'aquarium un petit peu plus joli. Mais vous pouvez vous contenter pardon, d'une rampe blanche toute simple, généralement ça fait l'affaire. Après, avec des rampes qu'on peut régler, bah justement, vous voyez, ça nous permet d'enlever une couleur si elle nous plaît pas. Ça nous permet surtout de régler l'intensité. On peut aussi faire des effets lever, coucher du soleil pour faire quelque chose un peu plus orangé. Donc ça, c'est voilà, c'est des petits accessoires modernes qu'on a, mais une rampe blanche, ça peut largement convenir. Alors je vois qu'effectivement vous parlez des couleurs rouge, bleu et compagnie. Alors c'est vrai que par exemple, quand on avait les tubes T5 ou les tubes T8, on utilisait des tubes qu'on appelait horticoles pour stimuler la pousse des plantes. D'ailleurs des tubes que moi j'ai jamais appréciés parce que ça stimulait beaucoup plus les algues que les plantes. Elles étaient plutôt ces tubes-là d'une couleur rosée violacée parce que c'est issu des idées en fait, de l'horticulture classique, mais hors eau, où on utilise des lampes violettes parfois pour faire pousser les plantes. Et le violet, effectivement, fait relativement bien pousser les plantes. Mais en aquariophilie, c'est tellement différent que je n'ai jamais trouvé que les tubes horticoles étaient excellents. Et j'ai toujours préféré les tubes classiques Daylight. Ça marche très très bien et ça suffit. Et en plus, c'est moins cher. Nicolas, plus le bac est grand, plus l'entretien est important. Alors, Aymeric, en aquascaping, ouais, ça va être plus long du coup. C'est plus long, mais on est, enfin, il y a plus de place, donc c'est plus facile. Oui. Donc c'est plus long, parce que voilà, le changement d'eau, c'est sûr que après ça dépend des techniques aussi qu'on utilise, mais la taille de plante, c'est pareil. Enfin, on a des gros bosquets, donc c'est plus facile. Tandis qu'un petit, si on... des fois, ça m'arrive de faire des bacs, j'ai même pas 1 mm de la roche, elle est collée à 1 mm de C'est pas la possible. façade. Un petit gratte, c'est hyper compliqué. C'est long, mais c'est plus facile. Alors, il est déjà 11h10, donc le temps passe vite, hein. Il y en a des choses à dire sur Ouais. l'aquascaping, on n'a pas fini. C'est ça le truc, c'est Il qu'il y y a a énormément de énormément de choses à choses à dire, dire et que. il y a tellement, c'est tellement vaste. Bon là, on parlait des concours parce que j'avais envie de mettre l'accent sur les concours en plus à cause de la période de Covid. Bah, du coup, il y a plein de choses qui ont été annulées, même des concours photos ont été annulés, donc c'est un peu dommage. Je voulais qu'on en parle pour montrer aux gens que ça existait. Comme toi, tu es vraiment sur le coup de ce côté-là, c'était intéressant de donner la parole là-dessus, qu'on ait l'avis tout simplement de quelqu'un qui a de l'expérience, parce que moi, voilà, je connais, mais pas plus que ça en fait. Je suis juste intéressée, on va dire. Je suis une enthousiaste, mais ça s'arrête là. C'est la bonne période parce qu'on en parlait tout à l'heure. Le CAPA qui a ouvert il y a une semaine, il se termine en juillet. Puis après, il y aura le APLC, il y aura le WAC aussi qui va lancer en septembre. De septembre à octobre, les inscriptions pour le WAC. Donc il y a énormément de concours qui vont démarrer et j'espère que ça donnera envie à des personnes de se lancer parce que voilà, en plus. Les concours en photo, bon, on en voit, bon, ok, on n'a pas fait un bon classement, ou on est un peu déçu, mais au moins, soit on a des retours de juge, ou soit bah, on se dit, bah, au moins, j'ai pas bougé, j'ai pas été jusqu'en Allemagne, j'ai pas été gaspillé de l'argent ou quoi que ce soit pour faire ça. Donc voilà, il faut tenter, il faut se lancer, et au bout d'un moment, si on accroche vraiment, ça paiera, hein, de toute Tout façon. à Hein. fait, ouais. Que chaque année, on est censé s'améliorer, donc Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Je on pense s'améliore pas. qu'en général, tu commences pas forcément. Enfin, quoique, il y a des surprises, hein, des fois. Il y a des personnes à la première participation qui font de très très bons résultats. Après.
peut-être aussi qu'ils se sont fait aider, ils sont, mais c'est normal, hein, c'est le but aussi, prendre des renseignements et tout. Donc c'est, enfin moi je trouve ça plutôt cool. J'apprécie toujours quand il y a un outsider qui fait un bon classement, je trouve ça sympa. Quelqu'un qui dit c'est mon premier bac et j'ai fait top 100, top 50, top 10 de tel ou tel truc. Moi j'ai toujours trouvé ça cool. Ah non, c'est vrai que c'est pas mal. Après, bon, il y en a qui vont essayer et tout, de le faire. Soit ça plaît, soit ça plaît pas. Ou soit justement, ça fait un gros concours. Enfin, un concours, ça fait un bon classement et ça arrête après. Moi, pour moi, j'ai plus de, je dirais, plus de respect et d'admiration pour les gens justement qui font tous les ans. Ils se cassent la tête à vider son bac, à refaire et tout ça. Et même si le classement, il n'est pas attendu, Continue, mais il est là tous persévère. les ans, il le fait, il continue. C'est un peu mon cas, hein. Première fois 493, depuis j'ai pas été au-dessus. Donc ça fait quand même depuis 2017 que je l'ai fait tous les ans et ça veut pas aller, mais je continue, Ouais, je bah, de fais toute ça pour le façon, t'es plaisir et puis jeune, voilà. il y a encore bien des années à venir, et de toute façon, ça ira, Au ça, tu feras mieux, je suis sûr que tu feras mieux, c'est certain. bout d'un moment ça va payer, mais c'est vrai que j'ai plus de facilité et de maîtrise sur les concours live, et c'est parce que c'est ce que je préfère. Les concours photo, je suis un peu à la rue là-dessus, mais au moins voilà, ça montre le travail, ça montre ce qu'on sait faire, et ça fait des participations françaises sur l'international, européen et autres. Voilà. Bon bah écoutez, si vous n'avez pas trop de questions, je Enfin. pense que nous, on va pas tarder à couper, on va rester peut-être, je pense, jusqu'à 11h30, on n'est plus à 15 minutes près, hein. L'aquascaping, ça détend tellement d'en parler, on voit pas le temps passer, je vais essayer de tenter, je risque rien, exactement, vous risquez rien et ça vous coûtera pas plus cher. Si vous avez le bac qui est déjà fait chez vous, vous lui faites un bon petit check-up, vous lui faites une bonne petite taille, comme vous l'a dit Emeric, 2 semaines après, les plantes auront repris un peu du poil de la bête, vous nettoyez tout bien, vous enlevez les trucs techniques, vous allez voir la chaîne d'Emeric et la vidéo qu'il a fait pour vous expliquer comment préparer tout ça avant un concours photo, et puis voilà, vous faites une photo, puis vous envoyez, hein. C'est assez simple en fait. Ouais, et puis même si vous faites pas un bon classement ou si vous imaginez être plus haut, au moins ce que vous aurez gagné, c'est d'avoir refait son aquarium et qu'il vous plaise dans sa nouvelle version que l'avoir laissé au final et de ne pas avoir tenté, hein. C'est tout le temps comme ça. Ah, Nicolas nous demande si la taille des bacs est réglementée. Alors, on a beaucoup parlé d'IAPLC. Comme je disais au début de live, il y a les petits bacs, tout ce qui est en dessous 90, 45, 45, c'est des bacs qui vont. Enfin, c'est rare qu'on les voit dans les top 100 et dans les top au niveau des classements. Souvent, voilà, le taille minimum 90, 45, 45. Et souvent, ce qu'on voit et beaucoup, c'est des 120, 50, 50, 120, 60, 60, 150 pour des gros volumes. Mais souvent, c'est des bacs comme ça qui vont facilement aller taper le classement directement parce que c'est un gros volume, quoi. Par contre, si c'est vrai qu'il y a des catégories, le APLC, l'AGA, le CAPA, ben voilà, là, on peut, comment dire, faire un très bon classement avec un petit bac, quoi. Oui, donc en fait, c'est pas vraiment qu'il y a des volumes réglementés du style, vous n'êtes pas obligé d'avoir un 60, 30, 40, mais voilà, c'est des catégories de volumes. Après, suivant les concours, Pas hein, comme vous le dit Emery, suivant les concours, bon, bah, effectivement, il y a des catégories qui vont être plus ou moins bien définies, moins de 50 litres, plus de 50 litres. Mais en général, c'est à part l'IAPLC, c'est par catégorie de volume, donc c'est assez juste, je trouve, comme technique du jugement. Ouais. Salut, est-ce que le diorama est bien mis en avant cette dernière année? Ah, sur les concours, ouais, avec une grosse domination asiatique, hein, parce que eux, ils font tout en collage, c'est de la maquette. Même des fois, ils décollent. Moi, ça m'impressionne. Ils décollent la vitre avant, ils Ah font leur bac et ils recollent oui. après derrière. Comme ça, ils sont pas embêtés avec la vitre et tout. Ils sont posés sur leur petite chaise et tac 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 C'est tac, pas ils le bête comme font. technique. Ah, non, mais c'est vraiment hallucinant.
D'autres concours pareils en Malaisie et tout, ils font ça dans des gros centres commerciaux. Et en gros, ils ont une quarantaine de bacs, ils sont par équipe de deux, machin. Ils prennent une planche, ils mettent la bonne taille de l'aquarium, ils montent tout en extérieur, ils le D'accord. mettent dedans, ils mettent de l'eau et hop, c'est que de la maquette. Effectivement, oui. Donc il y a ouais, voilà, grosse dominance. Après, on parlait des plantes tout à l'heure. Alors certes, le style hollandais ne plaît plus maintenant sur les concours, mais avec, je parlais tout à l'heure du style brésilien style et tout, avec beaucoup de plantes, un agencement de roches, ça plaît énormément. Ça aussi, la couleur, beaucoup, beaucoup de Ouais, les couleurs. plantes rouges, ouais, j'ai remarqué que cette année, enfin l'année depuis l'année dernière, sont bien venues sur l'avant, hein, on en voit beaucoup, hein. Donc ouais, il y a un peu de style, c'est différent quoi. Moi, c'est vrai que je préfère le diorama, mais avec les années, je me dis que bah peut-être passer sur un style brésilien. Bon, on va voir comment ça va se goutiquer si j'arrive à vraiment faire quelque chose. Mais si j'arrive pas, je ferai comme je fais d'habitude et tout ça. Ouais. Mais je suis un peu déçu parce que j'avais une idée, j'avais une photo, j'avais un truc, mais beaucoup trop compliqué. En collage et tout, ça, mais par contre, enfin, j'arriverai à le faire. J'arriverai à le faire peut-être sur un anneau, mais pas sur ce grand-là, parce que voilà, j'ai des trop grosses pierres et si ça tombe, je pète ma cuve, Oui, c'est c'est mort. ça aussi, c'est qu'après on a toujours peur de rayer la vitre, que ça tombe, et quand bah, du coup on a payé l'aquarium, ça fait un petit peu mal au cœur quand on fait attention. Même des déménagements, et il n'est pas improbable qu'on déménage et tout. On a fait son bac depuis 6 mois, 1 an, et puis on n'a pas fait la photo finish. Ça m'est arrivé de déménager des bacs. Ils Aïe, étaient aïe, aïe. faits, quoi. Ah, mais je Horreur. flippais. Et tout cette gestion-là fait que, bah, on a pris de l'expérience aussi. On sait déménager des aquariums. Si demain on me demande, bah, tiens, j'ai besoin d'un bac pour aller sur un salon à Paris, bah, je saurais l'envoyer, quoi. Il n'y a rien qui va bouger, ça sera clean, il sera prêt à remettre un autre. Mais c'est plein, voilà, c'est ces voyages-là, ces concours-là qui ont fait que, Ouais, t'as pris plein plein d'expériences, c'est on bien, hein. a. Totalement. Donc j'invite s'il y a des gens, bah, qui veulent se lancer, mais allez-y, quoi. Allez-y. Ma question est, serais-je aussi bien classé qu'Emeric un jour et après je vais au lit? Bah, j'espère. Je suis pas un élite, hein. Je suis pas un élite, même en la France et tout. Je suis juste la personne qui se bouge le plus le cul, je pense, en France, dans les concours, et qui va un peu partout. Ça c'est. C'est, mais voilà, les classements, moi, me correspondent. Et puis des fois, bon, un top 1, un top 3, bon, ça fait toujours plaisir, mais cherche pas la gagne, quoi. Donc c'est vrai que. J'espère, oui, j'espère, hein, que ce sera plus haut que moi. Cédric nous dit merci Aymeric, je te suis sur Insta comme je suis Annie et grâce à toi tu m'as donné l'envie de me lancer à faire mon 300 litres aquascaping pardon, et j'ai déjà commencé par mon anneau à Sakura, merci à toi. Oui je crois que tu m'avais envoyé un Hein. message privé d'ailleurs Cédric il me semble. Beau projet en 300 litres, donc pareil, bien prendre le temps, bien réfléchir sur les matériaux et tout ça. Et du coup, après, une fois qu'il y a tout, il faut se lancer, quoi. Nicolas nous demande si tu as déjà tenté ou envisagé une cascade pour un aquascaping. Je suis pas sûre que ce soit très très concours ça. C'est trop cool. On voit beaucoup ça, là, comment dire, la cascade, là, avec l'exhausteur, Oui, en ce sable moment, fin, là. oui. Mais c'est beaucoup trop kitsch. Ouais. Ça, éventuellement, ça peut être sympa à faire dans un Ouais, magasin, c'est ça ça. attire l'œil, voilà, pour un concours. Mais un concours photo, déjà, bon, on Oui, il n'y verra a pas le pas truc qui l'effet bouge, donc effectivement ça pas. du sable qui tombe. Pour faire l'effet comme ça, il faut mettre du perlon propre, effiloché, et ça fait un effet cascade. Voilà. Émeric a donné à mon fils de 8 ans, je pense qu'il manque un mot, l'envie de faire de l'aquascaping. Je pense qu'il manque l'envie. Donc. Lino, c'est un gars qui me suit, mais depuis facile le début, 5-6 ans, et beaucoup de conseils que je lui ai donnés. Et puis bah, maintenant, avec son fiston, ils font des bacs, et le fiston à 8 ans, il fait des bons trucs, quoi.
ça promet de Ça, la c'est bonne performance. super, Ludo, de faire ça avec ton fils. J'ai pas mal de personnes sur Instagram qui effectivement m'envoient des trucs comme ça, qui arrivent à faire du coup une activité avec leur petit-fils, leur petite-fille. Et ça, c'est vraiment cool, leurs enfants. C'est vraiment sympa de partager ça avec les enfants, je trouve. L'aquascaping, en plus, en particulier, ça permet vraiment de faire concentrer les enfants, d'être vraiment minutieux. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais, bah moi c'est enfin l'aquascaping, c'est comme ça que j'ai commencé avec mon père. Il a arrêté pendant 15 ans et maintenant qu'il voit que je me démerde pas trop mal, c'est lui qui vient avec moi au concours et tout. Il commence à se relancer, il a des bacs maintenant. Donc Ouais, du coup c'est tu marrant, lui là as c'est à redonné l'inverse quoi. Du l'envie, coup du coup. ouais, je vais redonner, donc il a un petit bac Malawi quand même, il reste à ses premiers amours, mais bah mon ancien 50 litres est parti chez lui et fait ses petits trucs et tout. On a fait deux ou trois concours Ah, c'est ensemble. cool. Et par contre, du coup, mais on était, c'était assez marrant de faire ça. Alors, je vois plus trop de questions sur le sujet principal. Alors, c'est vrai qu'on a parlé concours, on a parlé aquascaping aussi, agencement de bac, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Donc, ça a été assez complet, je pense. Ça fait C'est quand même bientôt 3h30, hein. 23h30. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pas trop de mal à rester longtemps en live, mais là, c'est la fin de la semaine, donc je commence à être un peu fatiguée. Donc, moi, bah, je vais très certainement pas tarder à vous dire bonne nuit. Je te remercie beaucoup, Émeric, d'avoir participé à ce live. Ça a été très, très cool, vraiment. Je suis ravie. Une super discussion, et même quand on a préparé le live, vraiment super. J'espère qu'on pourra le refaire, si ça te dit. Ouais, moi j'ai accepté l'invitation, ça me fait plaisir. Donc s'il y a des sujets comme ça autour de l'aquascaping, c'est vrai que c'est toujours intéressant. En plus, ben par rapport à moi, tu as quand même une communauté qui est plus importante. Donc c'est vrai que ça touche encore plus de monde. Donc si ça peut démocratiser l'aquascaping, ben oui, moi il y a aucun problème là-dessus. C'est un grand plaisir Bah, le but, c'est que je vraiment le ça, ouais. présente, quoi. Qu'on parle d'aquascaping un peu plus et qu'on essaie de casser cette image un peu trop haut de gamme que je trouve un peu old school à la française, et puis qu'on essaie de tous relancer ça, même si moi je suis pas dans les concours, que je participe à ma petite échelle à faire en sorte que vous puissiez tous participer ou organiser des concours. Donc ça, moi je trouve ça important. Parler, c'est voilà, c'est vraiment ça. Et puis bah pour ceux qui souhaitent, évidemment, bah il y a les réseaux, hein, s'il y en a qui ont des questions. Combien de bacs j'en ai fait à distance, je les compte même plus, mais c'est du coup avec les beaucoup de questions et tout. Et puis bah sur le matériel, tout ça, t'as fait des présentations de produits, j'en ai fait également, et puis voilà, c'est deux univers qui se complètent. Donc moi, ce sera un grand plaisir. Et puis, bon, je suis un peu moins actif en ce moment sur YouTube parce que j'ai un peu moins de temps, mais parce que ça prend énormément de temps et que je fais pas ça. Il n'y a pas de monétisation, il n'y a pas de trucs comme ça où tout ce qu'on dit et tout ce qu'on peut entendre derrière. Mais voilà, c'est vraiment par passion. Et puis bah si j'ai pas de sujet et s'il n'y a pas quelque chose vraiment d'intéressant qui est pas déjà fait, parce que ça c'est pareil, hein, je vais pas faire un projet qui est déjà parlé sur la chaîne. Donc non, il y a pas mal de projets qui sont, mais il faut le temps, il faut monter, et ça sera toujours en rapport avec l'aquascaping. Peut-être une branche différente là d'ici cet été, je vais voir, Ah, donc qui peut intéresser la d'autres Terra personnes. Mais Bio, quelque chose comme ça, je le sens bien. ouais, peut-être plutôt terrario, milieu zoologique, des choses comme ça. Donc ça sera une branche, une playlist en fait qui sera différente. J'ai pas mal de contacts de milieu terrario, donc pour s'il y a des passionnés aussi de terrario et tout ça, ce sera intéressant d'échanger. Mais sinon, ça sera mes premiers amours, l'aquariophilie et l'aquascaping. Et puis bah, je continue à partager, quoi. C'est ça qui est important, qu'on partage tous ensemble, qu'on puisse discuter ensemble. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et c'est vrai que
On est sur YouTube là en ce moment, mais sur Instagram, la communauté Aquario et Aquascaping est plus abordable. Si vous voulez poser des questions, c'est plus facile pour nous, et notamment pour Emeric, entre autres, parce que c'est message privé facilité, alors que sur YouTube, c'est pas évident de pouvoir se contacter. Donc je vous rappelle qu'il a sa chaîne YouTube, c'est marqué, je sais plus, non, par là, ah, je n'y arrive pas, je suis pas dans le bon sens, c'est chiant. Bref, sous Emeric, c'est marqué le nom de sa chaîne, le nom de son Instagram, et puis sinon vous avez tout ça aussi dans la description. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce grand live. Merci à ceux qui vont le regarder en replay, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en replay. N'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux sociaux, ce replay, parce que comme l'a dit Emeric, il y a plein de concours qui ouvrent les inscriptions là en ce moment même, donc c'est le moment de participer si vous en avez envie. Et puis merci à toi et Mike encore une fois d'avoir participé, et puis on se dit à bientôt pour un nouveau live ensemble, j'espère, si on trouve un sujet intéressant à discuter. Ouais, il n'y a aucun problème, merci pour l'invitation, et puis merci à ta communauté, c'est très très intéressant de discuter comme j'ai l'habitude de faire, donc voilà quoi, je vous dis à la prochaine. Bon, on vous dit bonne soirée, et puis à une prochaine fois pour de l'aquascaping sur la chaîne d'Emeric. Et puis moi, ça sera comme d'habitude, hein, aquariophilie, on ne sait pas encore quoi, mais ça sera de l'aquariophilie.